Salut les pépères, salut les mémères, j'espère que tout le monde va bien. Euh, Est-ce que vous m'entendez Oui, ça fait longtemps que j'ai pas streamé, donc euh, peut-être que toute ma config est, est partie, est partie à volo. Euh, on se retrouve ce soir pour un petit jeu au guesser, un petit jeu guesser tranquille après euh, après deux semaines d'absence. J'ai fait deux semaines sans stream et vous savez quoi Je vais vous l'avouer. Quelque part, je me dis que vous m'avez un peu manqué. C'est pour cela que je vais vous saluer. Euh, et je vais commencer par. Euh, qui est-ce qui a parlé Là, Je vais dire bonjour à JB01, à Yutani. Yutani, malheureusement, il est là. À Rudu, Kasnurf. À, euh, à Wiseboat aussi. Il <laughs> faut le remercier, Wiseboat. Il est là tout le temps. <laughs> il, est, il est gentil. À Macadam Carnivore, Clem Touquet, bien sûr. Un Poussou, Clem Touquet. Je suis arrivé, je suis allé directement sur ton site. À Mingusienne, Nitschotomata, Otomata, Birut, Cadeau euh, Snurf, euh, Nobid Nobes, euh, Sœur Lapinou, Fred Gond, que je remercie d'avoir pris un tiers, ainsi que Nobid Nobes. Un pouce les frères frérot, frérotes. Euh, Alain bashing évidemment, Luffy, Yaftil. Qui est-ce que je vois? Jujule à la 80, Dieu Vomit. Où Ou va y avoir du lourd ce soir. Je les reconnais les pseudos les pseudos un peu lourds. Vous savez ceux qui sont là. Hein? T'as pas bien deviné que la rue elle était comme ça. Et puis il faut plus que tu cherches les panneaux de signalisation. Attends, alors tout de suite. Hein. Tout de suite, vous allez vous calmer. Euh, bonsoir aussi à Marmousset, à Barbour1950, à Vermo, à Ravenheld, à Rachel, à Bmagic. Bmagic, il y a plein d'interventions de, plein de, intéressantes. Attends, c'est lui ou pas Ou est-ce que je confonds C'est toi, Bmagic, qui parle souvent sur le Discord de Flight Simulator, il me semble il me semble que c'est toi euh, Bassman Return Nana Bashing je lui fais un poussou pour son euh, tiers 1 euh, qui est-ce que j'ai pas vu Jules de... Jules89000 Barbe Grasse un poussou pour le Prime un poussou frérot euh, bonsoir à toi euh, bonsoir aussi à Nouga, Fabiolo Vostok Stream Éléments. et oui Disons bonjour aussi aux bots, c'est important. Euh, qui est-ce qu'il y a TRM Ben. Euh, je vais remercier MRS 15 et Mahuf pour leur sub. Un sous les frérots, frérot. Euh, Le Chouit, Plumstein, Warrex. Frédégonde, je crois que je l'ai déjà vu. Chino 457, l'inévitable. Fougnon. Fougnon. Eh oui. Euh, merci Clem Touquet d'avoir euh, offert plein de subs. Merci aussi à Mogwise pour le terrain. Un pouce les frérots, les frérotes. Merci à vous. Merci pour le soutien. Et puis je veux aussi dire bonjour en vitesse à Black Magis Urgo, Banana Coco, Dahak, Super Frella euh, Medaiki Almougliglia, je ne sais jamais comment le prononcer, Dizestrous Fight, Larigé, bien sûr, Bangalista, toutes les habituées, dit Oberwan, euh, et puis euh, Phaitan qui a pris un sub, Jafoudou qui a pris un sub, et puis je suis désolé, je passe plus vite. Toto Radio qui a pris un sub, et puis je crois que c'est tout. Et Matt TV qui a pris un sub. Un pouce sous, les frérots, les frérotes. Merci pour votre soutien. Alors. Euh, vous le saviez, on avait, enfin, on avait mis en place. Je dis on, en fait, non, c'est Clem Touquet qui avait mis ça en place. Moi, j'avais rien foutu. Je, comme ça, je, ouais, vas-y, fais ça et tout. Euh, il avait mis en place un superbe site pour que vous puissiez m'envoyer des cartes rigolotes à faire sur, sur euh, GeoGuessr. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais GeoGuessr a vachement évolué. Ils ont changé toute leur interface. Euh, merci, KBT. Un pouce ou frérot, frérot. Merci pour ton pour tes 26 mois d'abonnement. Euh, et donc, comme j'avais arrêté GeoGuessr il y a combien de temps 3-4 mois, quelque chose comme ça. On avait fait une petite pause parce que. Vous le savez, dans la vie, le secret... Quel est le secret... Tenez, question pour le chat. Quel est le secret du bonheur dans la vie Je suis sûr que vous ne pouvez pas répondre. Vous n'allez vous avez... vous pas avoir le truc. Merci Loctar, pour le, le tir. Un pouce frérot, frérot. Non, c'est pas m'écouter, c'est pas massacrer ses ennemis, c'est pas l'amour, c'est pas la symétrie, c'est pas le ping-pong. Alors le bureau bien rangé, euh, Fratus, il y a un peu de ça. Mais non, mais le, 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 vrai, le vrai secret du bonheur dans la vie... Non, c'est pas étonnant parce que je pense que sur le chat, je commence un peu à connaître le public. Vous n'avez pas cette, cette finesse d'esprit. Ah, il n'y en a pas, hein Ah, c'est fou, vous ne sachiez pas ça. Hein. Alors que c'est vraiment le truc numéro un qu'on apprend à l'école de la vie, quoi. La, la, le school of life, comme je dis. Euh, les doigts de pierre. <laughs> c'est vrai que les doigts de pierre, c'est pas mal. Non, le secret dans la vie. Et là, là vous notez. Là, vous sortez les petits calepins euh, petit A, grand A, euh, cours, euh, cours de vie d'Agbou. Le secret dans la vie, c'est la modération. Ah, mais ça, c'est très important, très très important. Je vous donne un exemple que vous allez tous comprendre, euh, qui est à votre niveau, hein, parce que je pourrais prendre des exemples philosophiques assez élevés qui feraient qui fera appel aux écrits de Montesquieu, euh, bon, tout ça. Mais là, on va, on va. Je sais que c'est un peu populaire. Donc prenez la raclette. Bon, la raclette, c'est vachement bon. Voilà. un soir, une raclette, bon, impeccable. Vous êtes là, euh, ah, la petite raclette, vous mettez, vous savez, la petite coupelle là, dans, dans le truc, là, et puis ça fond. Alors après, vous mettez, euh, qu'est-ce qu'on met dessus On met de la tomate, euh, des oignons, tout ça. Bon, on en prend 5-6 avec une petite patate cuite à l'eau, le, la viande des grisons, bien sûr la viande des grisons. Puis on dit, oh, qu'est-ce que c'est bon, la raclette, c'est merveilleux. Mais, mais, si on vous propose une... Oui, le caclon, pardon. Euh, <laughs> Pardon, le, le, Oui, j'ai dit. J non, pardon, excusez-moi excusez pour, ce, excusez pour cette faute technique absolument impardonnable. Euh, je suis désolé. <laughs> je reprends le stream, donc euh, voilà, je ne suis pas concentré. Merci, Chatapou, pour le Prime. Un pouce ou, frérot, frérot, bonsoir à toi. Euh, oui, donc, la raclette, on vous en propose le lendemain. Bon, alors vous ressortez les caclons, allez, on met le, le, le truc, bon, alors le fromage y gris, bon, ça reste encore bon, tout ça, mais on prend un peu moins de patates, la viande des grisons, on fait non, parce que je suis un peu ballonné, tout ça, le petit verre de vin blanc, mais c'est un peu dur. Et puis ensuite, on vous en propose encore après, et encore après, et encore après. Mais qu'est-ce qui se passe Au bout de 60 jours à ce rythme, <laughs> 60... imaginez 60 jours d'éraclée tous les soirs, vous n'en pouvez plus, voilà. Merci Tomoyeux pour le prime, un pouce pour tes 5 points, merci pour le soutien. Donc, Guessur, c'est pareil. Géoguesson, on est toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. À chaque fois, c'était un plaisir, enfin. Plus pour vous que pour moi, hein, parce que moi, franchement, vous savez, c'est mon métier. Hein. Moi, je, je viens toucher mon Shekos hein, quand j'arrive sur, euh, sur Twitch. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Euh, mais je me suis dit, au bout d'un moment, on va peut-être les lasser un petit peu. Donc, on va, euh, va peut-être attendre. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai soif. Donc, voilà. Là, on va reprendre. Pareil, pour quelques semaines. Et puis, quand ça nous fera chier, eh bien, on arrêtera. Merci, de 50 pour avoir offert des subs à. Sanctorius, Nef des Fous et E7D, je te fais un pouce et un pouce aussi à Bustec 10 pour euh, son gifting, tier 1 sub tout canard PC community. Pourquoi est-ce que j'ai pas le truc en français, là Encore un coup des Américains, ça. Merci aussi à nono, nono 57 95, 85, pardon pour le tier 1. C'est bon, arrêtez les abos, on va, on va se mettre à jouer. Enfin, je bois, ou pour encore vous abonner, mais après, on arrête. Oh Oh, J'avais soif. J'ai mangé un peu salé là. Pas une raclette, hein, mais j'ai mangé un peu salé là. J'ai euh, un, un petit camembert, un petit camembert de Normandie là. Était, euh, vous savez, il, il, un peu vieux. Vous savez, le camembert quand il, quand la croûte commence à être un peu grise marron là. Alors bon, ça rajoute un peu de, ça rajoute du relief, mais euh, c'est, euh, ça donne soif. Alors, euh, bon, on va commencer tiens par une carte de Clem Touquet. Alors, je me souviens que Clem Touquet, alors il y a Mob aussi, Master of Boulay, je ne sais pas s'il est là, qui nous avait fait plein de cartes avec des thèmes mystères. On va essayer de les faire. Euh, mais là, je vais essayer avec Clem Touquet, parce que bah, c'est lui qui nous a fait ce, ce beau site web. Hein. Vous avez l'adresse qui apparaît ici, hein, geogucer.clemtouquet.net. Euh, oui, il a mis geogusseur pour éviter les problèmes de copyright. Euh, voilà, donc l'adresse est ici. Hein. Euh, oui, vous la voyez, vous la voyez. Si un on peut la mettre sur le, sur le chat. Alors, Clem Touquet me dit le Tarn et Garonne. Tiens, le Tarn et Garonne, regarde. Je vais pas faire le Tarn-et-Garonne, j'en ai rien à battre du Tarn-et-Garonne. En plus, elle est difficile. Moi, je voulais en faire une, une mais facile, tu vois. Par exemple, il y avait Aéroport qui me plaisait bien. Parce qu'Aéroport, c'est facile. Et puis, ça me rappellera Raflet Simulator, que j'ai pas lancé depuis au moins trois semaines. Parce que j'ai perdu le contrôle de mon existence. Putain, Tarn-et-Garonne. Oh, ouais, non, merci Nietzsche Tomata pour le, pour le prime, pour le tir Un pouce ou frère frérot frérotte. Purée, Tarn-et-Garonne, oh, j'ai pas envie. Mais on sait, oui, on sait même pas où c'est, on sait pas où c'est, le Tarn-et-Garonne. est-ce est qu'il est vraiment dur, Clem Touquet, le Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne, en plus, ça ressemble un peu à... Euh, c'est un peu une contrepétrie sur euh, Garn-et-Daronne. Non, ça marche pas, non, non, ça marche pas. Ouais, non, mais non... Mais non. Il va où ce lien là Alors, Clem Touquet nous dit je viens de là. D'accord, il met le lien Google Maps. Ok. Écoute, je vais faire aéroport et quand je serai un peu plus chaud, quand je vais faire plus un truc d'enquête, euh, on fait aéroport. Allez, aéroport. Alors, aéroport du monde. Aéroport of the world. Moyen, nos limites, j'annonce les 25 000. S'ils ont gardé la même. Euh, S'ils ont gardé la même. Euh, euh, la même, le même système de scoring mais je crois que oui parce que j'ai repris labo mais je n'ai pas, pas rejoué depuis euh, donc nos lim no limites ça va être comme ça euh, move pan et zoom voilà là on est bien il va être perturbé par l'interface vous allez voir dishino chino 457 mais non. je l'avais déjà fait clem ah merde je l'avais peut-être déjà fait attends je vais le refaire ça me permet de me chauffer voilà parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du ok je vais même pas avoir... Ouais, je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait, mais tu sais quoi, je vais le refaire. Mais juste pour me chauffer. Voilà, c'est le training. C'est un peu le training montage juste avant l'exploit les, les, du héros. Euh, voilà. Ouais, effectivement, il y avait Narita et je mettais à Narita. Et ben là, je vais pas me gourer, je vais faire 25 000. Euh, de mémoire, c'était où ça C'est quoi le plus gros, plus gros aéroport du Moyen-Orient euh, Ou ça peut être Dubaï, ça peut être leur gros aéroport à la con, là euh, Non, la, la nouvelle interface, elle est bien. Hein Qu'est-ce qu'il y a là 7 checkpoint ». Ça perd l'hypopète. qu'est-ce donc Qu'est-ce donc Je clique dessus. Attention, le stream a peut-être s'arrêter. Merci JPS19 pour le tir. Un pouce ou frérot elle à toi. Alors attention, j'appuie sur Checkpoint. Ah d'accord, ok. C'est un truc où après tu peux... Les flèches ne marchent pas Ah si, les flèches marchent. Ouais. Et ensuite, quand je veux revenir sur le Checkpoint... Ok, d'accord, ça permet d'avoir un deuxième checkpoint autre que le point de, le point de commencement. Ok, d'accord, là il y a le return to start, et là il y a le undo move, ok, donc comme ça, si tu fais ça, tu peux faire ça, ok. Là il y a le zoom in, mais tu peux le faire, ok, d'accord. Euh, alors, Al-Qusay, bon, c'est euh, race machin, c'est euh, Arabie Saoudite, les races machin, quoi qu'il y en a aussi en Égypte, des races bidules. al le. tiens là. Dubaï, ok, allez. Oh là là, cette carte. J'ai oublié toute la carte du monde. Je sais plus où c'est. Le Qatar, où est-ce que c'est J'ai perdu. Euh, ça doit être là le Qatar. Oui, c'est là. C'était devant moi. Euh, donc il doit y avoir un aéroport ici. On doit le voir sur les plans. Voilà, ça doit être Hamad International, je pense. Et on va dire qu'on doit être ici. Hein. Grosso modo, voilà. en oh, la concentration. Je vois aéroport de Dubaï. Où est-ce que je vais Qatar. Pourquoi <laughs> Ah, mais les ravages de l'âge C'est incroyable hein Le cerveau n'imprime plus. Oui, oui. Non, mais c'était tout écrit, Damien Narushima. Tout était là. Et, euh... Et puis, euh... je sais pas pourquoi, les connexions dans le cerveau, elles se font plus. Moi, je vous avoue, je, je, vous avoue, je, je, voulais, je me suis dit, oh, je, vais, je, veux, je, je streamerai bien jusqu'à ma retraite, et puis même quand je serai à la, à la retraite, je pourrai streamer un petit peu, ça sera sympa. Mais vu la vitesse à laquelle je me dégrade, déjà dans 5 ans, là, je, je pourrais même plus aligner 3 mots, c'est plus possible. Ah, et puis j'étais confiant, hein, j'y suis allé, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, Qatar, ouais, ouais c'est quoi, c'est l'aéroport, machin, ok, on doit être ici, bim, bam, boum, putain, je finis à 3000 bornes. Enfin, 380 bornes. Alors ça, de mémoire, c'était le truc japonais, il me semble. Oh putain, mais... Ah ouais, ça marche pas parce qu'en fait, on peut pas se déplacer par là. Ok. Donc ça, c'est le Japon. Et alors, est-ce que c'est l'aéroport qui est au bord de la mer ou est-ce que c'est pas l'aéroport qui est au bord de la mer J'ai vu un bay machin, là. Donc on va dire que c'est l'aéroport qui est au bord de la mer. Bay Shore Route, ok. Donc on va à la Tokyo. Let's go to Tokyo. Et on va pas se tromper, on va prendre celui-là. Voilà. Alors, est-ce que c'est Aneda ou Narita Je crois que j'avais mis Aneda, et en fait, c'était Narita. Et alors, où est-ce qu'il est, Narita, dans ce bordel Parce que, alors, Tokyo, c'est un bordel. Je suis jamais allé, hein, mais j'ai regardé des cartes. <laughs> <C 'est... rire> vous savez qu'au qu Japon. Attention, alors ça c'est la parenthèse un petit peu culture, donc euh, vous pouvez quitter le stream. Au Japon, un truc rigolo, les, euh, les numéros dans les rues ne se suivent pas. C'est-à-dire que nous, vous savez, vous avez le, le 15 rue du Général de Gaulle, ensuite vous avez le 17 rue du Général de Gaulle, le 18 rue du Général de Gaulle. Eux, ils ont le 2600 rue euh, de l'empereur euh, Amatoshi, je ne sais pas, l'empereur Pokémon, probablement. Euh, et euh, ensuite, après le 2600, vous avez le 4. Et après le 4, vous avez le 26. Et après, vous avez le 12732. Exactement, c'est dans l'ordre de construction des bâtiments dans le temps, comme le signale KBT sur le, sur le chat. Étonnant, hein Hein Étonnant quand même. Les Japonais, on nous dit, non, oh, mais ils sont super bien, super organisés et tout. <laughs> que nani que nenni, ils sont même pas foutus de numéroter correctement leur bâtiment. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Excusez-moi. Hein. Tant dire. Il y a un Disneyland à Tokyo, je ne sais même pas. Alors, euh, je ne sais pas du tout où est l'aéroport de Narita. Si ça se trouve, il est à 200 bornes. Euh, si ça se trouve, il est juste à côté. On va le chercher comme ça. Oh, et puis tous ces noms qui se ressemblent. Hein. Misonokuchi Todoroki, c'est illisible, c'est illisible. Alors que ça s'appellerait euh, quartier du président, euh, je ne sais pas moi, René Coty, par exemple, ou euh, rue moquet bon, bah, ça serait quand même plus simple. Avouez que ça serait quand même plus simple. Là, ils, veulent, ils se compliquent la vie, quand même. Je ne sais pas où c'est, dites-moi où c'est. <laughs> Un quartier Yu-Gi-Oh <laughs> Euh... <laughs> je crois que le numérotage de Russes et Napoléon, ils n'ont pas eu de chance d'être conquis. Ils ont pas eu la chance d'être conquis les Japonais. Et ben vous savez, je, avec les, les trucs qui se passent en Russie là, euh, je pensais à un truc et je me disais que franchement, s'il y a bien une grande malchance quand il est Russe, c'est de pas avoir été conquis par Napoléon. Parce que si Napoléon les avait conquis, il aurait aboli le servage qui était, en, qui était, qui était la, la norme en Russie à cette époque-là. Et peut-être que ce pays aurait pu éviter de se retrouver euh, 200 ans plus tard euh, avec un, un dictateur à moitié fou qui fait absolument n'importe quoi. Euh, oui, Fredegonde, de la politique. Euh... <laughs> pas pour qui dit « J'ai l'impression que c'est Feu-Thierry Roland qui stream. Euh, » Chino qui demande « Est-ce que l'Ukraine et la Russie sont géoguesseurs ?» Si la Russie y est, j'espère qu'elle y a été retirée. Parce que qui voudrait aller dans ce, dans ce trou à euh, Après l'Ukraine, peut-être, je ne sais pas. Mais je crois que l'Ukraine, il y a eu beaucoup de changements de paysage là. Euh, alors, Narita, je l'ai trouvé complètement au pif. Si ça se trouve. Voilà, il est là. Et où est-ce qu'on est, qu est Eh ben, Je vais vous le dire, les petits pépères. On est là. Euh, Quoique, attends. Non. Non, on est là. On est là, tiens. Putain, c'était l'autre. Pas un pour m'aider, hein. Pas un pour m'aider sur le chat, hein. Voilà, je savais que c'était là. Et vous m'avez envoyé vers Narita. Ah oui. Ah. Bon, carte de chauffe. Voilà. Comme dans Rocket League, vous savez, il y a les matchs de chauffe. Là, sur euh, GeoGuessr, il y a les cartes de chauffe. Voilà, ça c'est la première carte, donc le résultat ne compte pas. Et puis, je l'ai déjà faite. Alors, où sommes-nous ici Vous savez, celui-là, je vais le trouver, je vais vous dire, je vais le trouver sans bouger. Je vais le trouver à la végétation. Ça pourrait être Los Angeles. C'est Los Angeles, je m'en souviens. Ouais, c'est plus le c'est Los Angeles. Hop, je l'avais annoncé. Hein. J'avais annoncé que je le trouverais comme ça. Alors là, pour le coup, je suis lâché parfaitement où il est. Enfin, je sais parfaitement où il est. Je sais qu'il est au sud de Los Angeles. Euh, où est-ce qu'il est, qu est Et j'y suis allé, à la Dana Point. Très très belle euh, petite ville... Euh... Tiens, je crois que c'était au, 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 au nord de Los Angeles d'ailleurs. J'avais pas pensé à l'orientation. Très très belle ville Dana Point. Qu'est-ce que ça plus Espèce de petite station balnéaire avec un petit port et tout, c'était magnifique. Bref, je ne vais pas vous raconter mes vacances. Euh... Los Angeles, oui, c'est là. Donc Los Angeles, c'est là. L'aéroport, il est là. Il est là, l'aéroport. Je sais qu'il est là. Laguna Beach. John Wayne Ils l'ont appelé John Wayne non. Non, c'est pas c'est pas John Wayne. Non 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 il doit être là, il doit être là. On va le trouver, on va le trouver. Ça c'est un terminal. Mais je suis con ou quoi? Bon, c'est simple. Là il y a le downtown, il doit être là. Voilà, il est là. Ok, c'est bon. Euh, donc là on est à l'entrée, on doit être là. 320 mètres. 320 mètres. Ah bah, euh, pardon, j'ai oublié de remercier des gens. Je vais remercier Octopus Artichaut. Un poussou, frérot offrant Octopus. Merci pour ton soutien, ça fait plaisir. Mascas, qui a pris un tiers à 23 mois d'abonnement. Un poussou Mascas, un poussou aussi à, carte à puce pour son 26e mois d'abonnement. Et puis, je crois que je n'ai oublié personne d'autre. Non, c'est bon. On peut y aller. Évidemment, ah ben j'y étais, étais il y a trois jours. Alors moi, j'étais aux deux, mais euh, pour accueillir quelqu'un. Euh... Attention. J attends, j'ai commencé à apprendre la marseillaise à l'harmonica. Donc là, c'est la France. Je vais vous interpréter la marseillaise à l'harmonica. Le premier couplet, parce qu'en fait, c'est compliqué l'harmonica. Alors, c'est comment Ah, pardon ah merde, non pardon. Je me, suis, je, me suis, je me suis loupé, non je me suis, je me suis trompé d'une case. C'est en progrès, voilà. Je répète tous les jours, euh, bon, depuis deux jours, hein, parce que j'ai retrouvé l'harmonica, euh, j'avais acheté un harmonica, je ne sais pas pourquoi, il y a genre 15 ans, et je le retrouve au fond d'un au fond d'un carton de déménagement et je me suis dit oh tiens je vais me remettre un peu l'harmonica je ne m'y suis jamais mis en fait à l'harmonica je l'avais acheté je ne l'avais pas touché mais là j'ai regardé les, les tablatures d'harmonica sur euh, internet c'est marrant hein c'est juste en fait ils vous donnent la case et ils vous disent s'il faut souffler ou, euh, ou euh, aspirer c'est super con Super, super marrant c'est beaucoup plus beaucoup plus simple que toutes les autres natures alors où sommes-nous euh, bah, nous sommes Terminal 1 bah, ça c'est celui de Roissy hein. c'est pas Orly hein. oui oui, oui. Et puis Qatar et tout Qatar Airways oui, ils n'atterrissent pas à Orly euh, hop 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 donc ça, j'étais il n'y a pas longtemps. C'est un bordel pour le dépose-minute et tout là. Un message à la direction d'aéroport de Paris, là, s'ils si nous écoutent. Votre hein. dépose minute, ça va pas du tout. Hein. Non, mais j'ai envie de dénoncer, parce que ça, Elise Lucet, elle ne fera jamais de reportage là-dessus. Mais moi, j'y vais, je mets les pieds dans le plat. Je mets les pieds dans le plat. Bon, on va dire qu'on est à peu près. Bah, le T1, il est là, tiens. Voilà. Il est là. On est en face. C'est quoi euh, le T1 est au nord, donc on doit être ici. On doit être. Euh, toc, 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 toc. On doit être. Euh, on doit être euh, toc, toc, toc. Il y a une rue comme ça. Ouais, il est nord, il est comme ça. On doit être là. Allez. Po, po, po. 200 mètres quand même. 200 mètres. Merci Smissou, pour les 37 mois. Un poussou, frère, frère, Smissou. Eh oui, le temps passe vite. 37 mois déjà. Et puis, non, pas de poussou. YouTanie qui me dit jongle à présent. Non, 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 je ne jonglerai pas. Salut. Vous avez commencé à quelle heure, demande Skasséton On a commencé à 25 minutes. T'as rien loupé, si ce n'est la Marseillaise. Enfin, la première ligne de la Marseillaise, à l'harmonica. Mais je la rejouerai si on tombe sur un truc français, évidemment. Ok, play next round. Oh, celui-là, je m'en souviens pas du tout. Alors, c'est gris, c'est moche, c'est déprimant. Ce drapeau-là, c'est quoi C'est... Pas l'Espagne. EC, les... Alors, je connais pas les immatriculations d'avions, les, les, les débuts d'immatriculations d'avions par cœur. Euh... Si... Alors, je me souviens... C'est quoi Islander. Ça doit être Reykjavik. Où est-ce qu'il est leur aéroport Il est là. Allez, on est un petit peu au bord de mer. Ouais, euh... On n'est pas trop trop au bord de mer, mais c'est pas grave. On va dire qu'on est par là. Tiens, là. hop. Ah, j'ai un badge. Ouh, ouais, mais dis-moi combien, combien je suis. 800 mètres quand même. 800 mètres. Bon, allez, c'était la carte de chauffe. Je suis un petit peu rouillé. Merci euh, Daes pour le Prime. Un pouceau, frérot, frérot. Oui, si ce cas tant. on l'a fait l'année dernière. Je, on l'avait fait l'année dernière. Euh, main menu. tac-tac tac. tac, tac, tac ta. Alors. Ah euh... il oh, y avait les. Il y, a, y, a, y avait les cartes de mob. Vous savez, Mob, il nous avait fait euh, ses cartes avec des thèmes, des thèmes mystères. Et il y en avait qui étaient mais, complètement barrés. Genre, euh, le thème, c'était euh, les carrés. Voilà. Bon. On s'était rendu compte que bon, ce, ce, cet homme avait des problèmes. On va en faire une petite, juste pour voir... Euh, juste pour voir. Tiens, il y a Crusader Kings. Un... Euh, Clem Touquet, si je mets... Là, en fait, je filtre avec seulement les non-joués. Voilà, donc là, j'ai seulement les non-joués. Mais j'ai l'impression qu'en fait, je ne sais pas si ça, ça veut dire que c'est seulement les non joués ou si je clique dessus, ça sera seulement les non joués. Si je veux voir seulement les non joués, il faut que, il faut que, il faut que. <laughs> oui, Master en voulait. On va en faire une de tes cartes avec des thèmes bizarres là. Oh, tu nous avais fait des cas, je crois les graffitis des animaux ou des trucs comme ça. Mets ton pseudo. Ah ben oui, bien sûr. Pardon, Clem Touquet. Pardon, mais suis-je bête Filtrer. Ok, donc ça, je... Ok, ça, c'est celle que j'ai pas jouée. Mais j'en avais joué des tonnes, déjà. Crusader King, elle va pas te plaire. Est-ce qu'il y a le Tarnégaron Ouais, il y a le Tarnégaron. Mob, on les avait toutes faites. J'ai pas de carte... J'ai pas de carte pas faite de Master Roboulet. A... Ah oui, il y a celle que je peux... Ouais, je ne comprends pas le filtre en fait. Si, si là il s'est marqué seulement les non joués, ça veut dire que toutes celles qui sont là, c'est euh, elles, elles, les non joués. C'est ça, Clem Touquet ah, Tout avait été fait, Master Roboulé On avait fait tous tes thèmes. <laughs> ben, merci à toi, Master Ramboulet. <laughs> J'attends la réponse de Clem Touquet. Je, je suis perdu. L'interface est trop compliquée pour moi. Sauf celles qui ont plus de 5 P, oui. Ok, d'accord. Donc là, je suis sur la bonne carte. Là, je peux... Par exemple, là, va pas y avoir aéroport. Attends, je vais chercher... Aéroport... Ah bah si, là, il y a aéroport. Alors, il faut pas que je fasse... Se... Il faut que je clique sur seulement les non-joués. Si je clique sur seulement les non-joués, il y en a beaucoup moins. Donc, voilà, on est bien celui-là a l'air pas mal. La Champ de bataille, 40 points sélectionnés avec amour pour les PGM en géographie de Nono. Euh... Oh, celle-là, elle est bien aussi. La mienne est plus grosse, les plus grandes du monde. Oh, elle a l'air bien, celle-là, Clem Touquet. Je ne l'ai pas déjà faite. <laughs> Demande à Odus de télé. On va faire celle-là. La mienne est plus grosse. Puis c'est bien, on va faire la, la blague un peu. Hein. Allez Impec. Elle est en very easy, en plus. Bon. Merde, attendez, non, non, j'ai pas, les... pas mis les, bons euh... default setting, no limit, moving at all. Ok, il y a no limit, ok, on y va, on y va. Alors, eh ben là c'est le, je dis le world... le 1 World Trade Center, mais je reconnais pas du tout le quartier. Ah bah si. Ben bah, moi quand je l'ai vu, c'était pas du tout par là. Attends, parce qu'il y a tout un petit parc. Ah bah d'accord, ça doit être là. Ok, si, 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 si. Si, 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 j'y suis allé. Normalement, c'est là où il y a la, les petites fontaines euh, en hommage aux victimes du 11 septembre, machin chose. Donc là, il est. Euh, on va essayer de faire remettre près quand même. On va essayer de faire un petit peu de précision. On va faire, on va faire de la haute couture. Euh, return to start. On est à peu près à l'est. On est sur une grande avenue. Tac, tac, tac. Où est New York J'ai complètement oublié. Où est New York Il est là. Il y a Manhattan qui est là. Euh, le One Trade Center, machin-chose, il doit être euh, euh, One World. Voilà, c'est ça. Et donc on est sur West Street. On pointe à l'est. C'est ça. On est ici. Alors essayons de choper exactement. Il y a Petite-Ruelle-Piétonne, ici. Là, il y a le carrefour. OK, donc le carrefour nord-est. Et je dirais qu'on est à peu près... On est sur cette file-là. On doit être là. 19 mètres. Ça va. Je commence à être chaud. Merci, W. Un pouce frère frérot, frérote. Merci pour tes 8 mois d'abonnement. Mon Dieu, il a appris à lire la boussole, dit Frédéric. Tiens Tiens, là, voilà la boussole, regarde. Là, je pointe le nord, regarde. Parce <laughs> euh... <laughs> Qu que je suis vulgaire. Excuse-moi, Frédéric, j'ai une vulgarité. Euh, pourquoi est-ce que je suis tout illuminé, là Pourquoi est-ce que je vois rien J'ai l'impression que je suis dans le noir, là. Euh, attendez. Bougez pas. Bougez pas, je vais contrôler les lumières de mon salon grâce à mon téléphone portable. Excusez-moi. Excusez-moi, les... les prolos. Alors, euh, bah ouais, c'est bon ça. Non, bon, on a toujours l'impression que je suis éclair à la bougie. Euh... <laughs> c'est pas grave. <laughs> Tiens, YouTube, regarde ce qu'on te dit un peu Ouais, c'est vrai, non mais je suis, je, suis très, je suis très rouge là. Attendez, je, vais, je regarde sur mon, sur mon écran normal. Oh, qu'est-ce que je suis rouge Mais c'est incroyable pourquoi suis-je rouge comme ça Bon, eh ben voilà, je vais être, euh, je suis rouge. C'est un de ma blanc. Euh... Ouais, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis rouge ce soir. Pourtant, j'ai mis mes lumières habituelles. Non, je sais. C'est parce que mon écran est un peu rouge. Mon écran est un peu rouge, c'est pour ça. Allez, c'est pas grave, on s'en fout. Là, voilà, je vais être gris. Alors, ouh. Oh là là, ça, ça doit être Shanghai ou un trou comme ça, là. Pff, ou la Chine. Ou la Corée. Soekchon, c'est la Corée. Séoul, oui, alors Séoul, c'est la Corée. Bon, alors, on est à Séoul. J'aime pas l'Asie parce que c'est pas écrit comme chez nous. <laughs> Ah, je supporte pas ça avec l'Asie. Voilà. On leur livre un bel alphabet latin, tout bien fait, tout prêt à installer. Ils disent non, non, on va faire nos, on va faire nos je... Pff, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En plus on n'y comprend rien là. Comment voulez-vous comprendre que ça, ça veut dire Séoul, Norimadang Qu'est-ce que vous voulez On peut pas faire le bonheur des peuples malgré eux. Hein. Ça, je l'ai appris. Hein. Alors par contre... Euh... Lotte world mall, ok. On est sur Songpa Daero et Songpa, Songpa, Njordamang, alors évidemment, mais qu'est-ce que vous voulez comprendre à tous ces noms Sigong Deok, Nameyong, Gemo, Sindang. Chez nous, c'est simple. Vous avez le 20e, le 18e, le quartier latin, ça a du sens. Là, il n'y a pas de sens. Donc Somoon, C'est pas ce que c'est. Alors, déjà, on va chercher le business district. Si vous étiez un séoulite ou un séoulois, où est-ce que vous fouteriez le business district Moi, je le mettrais là. Oh, quoique. Là, il y a leur école polytechnique. Là, ils ont un petit parc. pas sûr que ça soit là. Hein. Chez Hongpa, je l'ai pas vu. Chez Non, c'est Songpa que j'ai vu. Merde. Songpa, Shongpa. Tout se ressemble en plus. C'est pas possible. On a l'impression que c'est des peuples qui ont construit leur ville exprès pour faire chier les joueurs de GeoGuessers. Ils se sont dit. Euh... Eh, si on appelait ça la rue euh, Aristide Briand. Non, 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 non. Non, non, pas rue Aristide Briand. On va appeler ça la rue. Euh... Chongdam Dong et celle-là, Song Dong. Bon, ok, d'accord. Pourquoi bah Parce que ça fera chier les joueurs de jeux au euh, quand ça sortira dans 25 ans sur Internet. Ça a l'air grand, Séoul. Il hein n'y a pas un monument un peu connu. Attendez, on, on va explorer, parce que je ne connais pas Séoul. Peut-être est-ce peut est une belle ville. Je ne veux pas critiquer. Hein euh... Ça n'a pas l'air foufou non plus, quoi. Ça a l'air d'être pareil avec de la végétation tropicale. Là, il y a un gros truc. Le Charlotte Theater. Ok. Ça a l'air d'être le Lot World machin. Ouais, alors, Lot World. Est-ce que vous avez vu le Lot World quelque part Ça a l'air d'être gros. Ça a l'air d'être un peu The Place to Be. Est-ce que c'est bien là, le quartier des affaires de Séoul Ouais, ouais. Ouais, si, si, c'est là, c'est là. Je dis c'est là. Je dis c'est là. Vous avez vu un Jésus-Christ Superstar C'est parce que vous avez la foi. Attends, on va explorer un petit peu par là. On va peut-être trouver... Je voudrais bien, genre, tomber sur un truc, genre, National War Museum et tout, parce que ça, on l'avait vu en gros. Sports Complex, tu parles comme ça, nous aide. Oh quelle horreur, ces villes! Oh là 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 Oh là là! Regardez ça! Ah, ça donne envie, hein? Ah ouais? Ah là, dis donc! Ça, c'est de la belle architecture. Hein. GG les Coréens. Eh bah ben, oui, hein? On s'amuse à donner des. Oh, quelle horreur! Mais on, on, dit, on dirait l'URSS en 1950. Oh, Qu'est-ce que c'est moche! Oh là 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 Peut-être qu'on n'est pas dans le plus beau quartier, hein. Nambu Beltway, Sport Complex. Non, on ne va pas chercher Nambu sur la carte. C'est ça, Grouille, MacJP. Euh, ouais, Nantes Université, exactement. Voilà. Je vais vous dire, là, ça, là, c'est les locaux du Crous. Et là, vous avez les locaux de l'UNEFID. C'est euh, évident. Oh là 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 alors que vous auriez mis des petits cottages, ça aurait été tellement plus mignon. Voilà. Des petits cottages, un petit chemin pour les carrioles. Voilà, quelque chose de bucolique. Ouais, ça a l'air un peu mieux, mais c'est quand même pas fameux. Hein. Sam Jondreau, alors il y en a partout des Sam Jondreau. Probablement parce que ça doit vouloir dire Avenue, quelque chose comme ça. Sam jo J Jamsil Station. On Station. y voir par là. Puis c'est pas comme si on pouvait demander aux gens. Voilà, ça les limites, ça commence à être un peu mignon. Ça fait ça fait folklore quoi. Oui, là d'accord, là je veux bien. Oh. C'est bizarre. Oh. Paris Baguette. <laughs> là, je l'ai bien fait. Parce qu'il y a un passage du 4 au 6 qui est un petit peu technique. Et là, je l'ai bien fait. Quand même. Merci, mon petit corps, TW. Un pouce sous, frérot, frérot. Merci pour ton soutien. Je progresse. Je progresse. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais maîtriser cette première, cette première ligne. Et ensuite, on passera à la, à la seconde ligne. Euh, alors Paris baguette, je pense pas que ça soit indiqué en énorme sur Google Maps. Mon dieu, mon dieu que c'est les... Ah c'est les... Regardez-moi ça. C'est vrai que... Hey, objectivement, vous êtes Coréen du Nord. Hein vous habitez dans votre petite cahute en terre cuite. Bon. Vous crevez la dalle et vous êtes enrôlé de force pour aller mourir dans l'armée. D'accord, mais vous vous dites j'ai pas envie, envie d'habiter ici, là. J'ai pas envie d'habiter dans le 30 m ici qui doit en plus me coûter une fortune. Du coup, vous restez en Corée du Nord. C'est ça le problème de la Corée du Sud. Tant qu'elle n'aura pas changé son architecture, elle pourra jamais se réunifier. Hein. Qui voudrait se réunifier avec des bâtiments oscillés, honnêtement Voilà, c'est une petite analyse géopolitique, vous en faites ce que vous voulez. Les médias mainstream ne vous le diront jamais, mais euh, je pense que c'était assez. Euh... J'avais des arguments, je suis revenu au même endroit, j'avais des arguments quand même assez convaincants. Bon, là j'en suis au stade où juste je me balade, hein, pour voir un petit peu l'étendue des dégâts. Non mais ça, on dirait, on dirait honnêtement, on dirait, on dirait une, une zone commerciale en, en entrée de ville chez nous. Vous savez, là où il y a les Kiloutous, il est le roi Merlin. Ah et puis, alors je vais vous dire, il y a un truc qui m'énerve. Ça, ça, parenthèse, là je vais dénoncer. Le truc qui m'énerve, c'est les gens qui n'enterrent pas leur fil électrique. Regardez-moi ce bordel. Au Japon, ils font ça aussi. Au Japon, souvent, je vois, je vois passer, vous savez, sur les forums et tout, des gens qui postent des photos du Japon et qui disent Ah, oh, je suis au Japon. Oh, regarde comment c'est trop beau et tout. Alors tu vois des belles petites maisons et en hauteur, tu vois un spaghetti de fil dégueulasse et tout le monde est là, ah, c'est bon, non mais les fils électriques, ça fait partie du charme. Non, ça n'est pas partie du charme. Voilà, ça, c'est des. C'est des pays qui sont pas sérieux. Euh, quand un pays entier ne range pas ses câbles, comment voulez-vous qu'il se développe Oh Oh la déprime Il n'y a pas un arbre Jamsteel Station, Sport Complex. Bon. Si vous voyez Jamsteel, vous me bipez sur le chat. Peut-être un petit peu par là. Jamsil. Non, on ne l'a pas vu. Vu, dit Yutani. Tu vois Jamsil ici Vous êtes des tarés, il n'y a pas Jamsil ici. <laughs> bien sûr que non j'ai rien vu mais, putain, mais, mais ferme ta gueule Yutani mais c'est pas possible c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes qui sont toxiques dans le chat oh, cest pas possible en plus je suis sûr un jour Yutani on le mettra à parce que vous savez il est toujours là donc on dira mais non tu vas oui, pas bannir Yutani enfin pas Yutani Yutani tu sais c'est euh, c'est l'oncle l'oncle un peu relou qui est là euh, aux fêtes de famille euh, voilà il, il, c'est le genre euh, ça va hein, tonton Yutani ah oui oui ça va tire-moi le doigt alors tu lui tires le doigt il pète et il explose de rire, ensuite il termine murgé avec deux grammes en fin de soirée à insulter tout le monde mais tu vas pas le foutre de racloupante dans le cul c'est tonton Youtane c'est la Youtane comme on dit c'est voilà fait partie des fait partie des meubles maintenant elle fait partie du du folklore donc euh, plus il est shadowban donc euh euh... Oh bon, vous savez quoi, on va, je vais y aller au feeling. Mais le truc, c'est que je vois pas où peut être le quartier d'affaires. Parce que normalement, dans le quartier d'affaires, quoi que là, peut-être... Normalement, dans toutes les villes, il y a un vrai quartier d'affaires avec des belles avenues bien droites et tout. Et puis, c'est marqué business district. Enfin, c'est sérieux, quoi. Jamsil, je l'ai vu, il est là Jamsil Lot World, c'est bon l'a trouvé, c'était la Lot Tower à tous les coups, peut-être, je sais pas euh, c'est là, c'est là, ah bah c'était ici, le truc c'est une marina j'étais pas loin j'avais dit que c'était là, bon c'était juste euh, c'était juste à côté, ok, alors bon bah c'est la Lot Tower hein, attendez, on va revenir au point de départ Return to Start euh, c'est une tour avec une forme un peu comme ça, non c'est pas celle-là, c'est Où est-ce qu'elle est cette tour à la con? Oh, y a Gordon Ramsay Burger, dis donc. Oh, ça c'est bon à savoir. Si jamais je passe dans la ville un jour. Euh, Lot World Mall, on était, on, 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 on l'a vu, on l'a vu. On est là, on est là, on est là. On est au Carrefour et au Carrefour. Tac, tac, tac. Bon, on est vraiment au Carrefour. Euh Euh, ouais, mais alors à ce moment-là, on verrait le truc comme ça. On est là, on est là. Je suis, je suis, j'en suis certain. Ah, c'était l'autre carrefour. On était de l'autre côté, ça. Bon, ça va. De, on a perdu un point. On a perdu un point. Allez, next round. À votre service, à la défense. On est en France. Ça progresse. Vous avez vu que je commence à mettre pas mal d'émotions quand même dedans. Putain, mais pourquoi est-ce que je suis rouge comme ça Attendez, je me dérougifie. Comment est-ce que je peux me dérougifier euh, Sky. Je vais mettre une lumière... Non, c'est pas bien ça. Ah, ouais, c'est pas mal là en fait. Ah non, je suis rouge. Ah non. Je suis complètement. Euh... Non. Oui, oui, tu peux backseat du PNL. Je suis même plus rouge là. Là, c'est. Ah bah là, je suis cramé là. Là, c'est les Russes qui ont attaqué. Attendez. Eh ben, bah, voilà! Non mais vous savez en fait ça c'est la correction de la caméra. C'est corre... cette petite conne de correction de la caméra qui me met... Euh... Est-ce que je suis... Ouais je suis rouge aussi là mais ça va. Je suis rouge à cause de... Ouais c est, c est hier, est ça vient, ça vient. Euh, alors, nous sommes à la défense et qu'est-ce qu'ils construisent à la défense J'ai pas suivi. Ils en construisent une encore plus haute Ah oh, ça c'est euh, là où il y a la... Ah oui oui ah si je vois où on est d'accord je le reconnais ce passage là euh, attends sud je, que je me remette au nord le nord est là ah non c'est l'autre côté alors qu'on est ok euh, ok c'est sympa la défense hein. ça aussi c'est une belle réussite hein. ah non c'était pas là euh... vas-y revenir au point de départ non, reviens au point de départ, merci. Alors, qu'est-ce qu'ils font là Bon, ils nous font un subway, ça c'est toujours bon à savoir. Allez, tu pars, s'il te plaît, merci. Euh, qu'est-ce qu'il y a Imprimerie facile, ça c'est cool. Euh, ok, donc on est courbe... Oui, défense courbe voie. C'est la tour Vendôme Assurance, je suppose. Ou la tour First. Ok, d'accord. Alors, trouvons cette merde. La Défense, euh, ça va être... Où est-ce que c'est Courbevoie, déjà euh, C'est par là, Courbevoie Pourquoi ça ne s'affiche pas Voilà, c'est par là. Donc, Courbevoie, tac, tac, tac. Pourquoi je trouve pas la Défense Voilà. Paris, la Défense, large des Quatre Temps, machin chose, ok, la Tour, tour Socgène, oui, moi je dis Socgène, je dis Soc On voit ta maison en titan, ah, ben, c'est bien ta bitou en titan, qu'on zoome dessus. Oh, Nanterre Préfecture, on en parlait, on y revient toujours à Nanterre, tous les chemins mènent à Nanterre Préfecture. Honnêtement, je ne reconnais pas les tours. Je reconnais pas du tout les tours. Ah, oh oh, ça c'était les peintures des années 70, là. Ah, là. Ah, là. Euh, ça, c'est quoi? Je vais essayer de me repérer parce qu'en fait, je vois pas trop où je suis. Ah bon, on va bien trouver l'arche de la défense. Et puis on regardera à quelle, à quelle orientation on est par rapport à la large de la défense. Et puis voilà. Là, on va bien y aller à la l'arche de la défense. Là, ça va être l'esplanade de la défense. Alors, il y a la Tour Alliance, la Tour Totale. On est à l'ouest de la Tour Totale. Euh... Tour Totale. Est-ce que c'est celle-là Je suis pas sûr. Ils en ont peut-être plusieurs. Ils en ont tellement de thunes. Esplanade de la Défense. Tour Alto. Tour Saint-Gobain. On serait à l'ouest, donc on doit être par là en fait. Hein. On doit être dans tout ce merdier là. Ouais, on doit être dans le merdier ici. La défonce. Il y a un truc qui s'appelle la défonce. Non, là je suis à l'ouest. Si la tour totale est ici, là. Je suis à Esplanade de la Défense, oui, et Esplanade de la Défense, euh... bah, c'est là, voilà, ok. Ah, vous pensez que la tour totale, celle-là, c'est la bonne tour totale, celle qu'on a vue tout à l'heure, c'était la bonne, ils n'en ont pas plusieurs, parce que c'est pas la bonne... F... Ah, si, ok, c'est pas trois tours différentes, ok, c'est la tour, euh... ok, et qui fait des angles bizarres, ok, d'accord, alors attendez que je la retrouve. Euh, elle était là, 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 non, tour cœur défense, vas-y, euh... je la retrouve plus, je la retrouve plus, elle a disparu. <laughs> ah, ils m'ont détruit la tour, ils m'ont détruit, la... ah voilà, non, station de rechange, ils m'ont détruit la tour totale, mais c'est pour me faire chier, classique. Classique total. Où es-tu, petite tour totale Je suis sûr qu'on l'a vu, la tour totale. Voilà, tour totale énergie. Okay. OK. Quand on regarde vers l'ouest, on a la tour totale. Donc en fait... Ouais mais comment est-ce qu'on peut être à l'esplanade de la défense euh... <laughs> Parce que regardez, la tour totale, elle est là à l'ouest. Et si je fais tour, tour totale et que je vais à l'ouest, j'arrive ici. J'arrive pas du tout à l'esplanade de la défense. Il faut se repérer par rapport à la scène. La tour first est juste à côté. Euh... Alors, la scène, c'est... <laughs> la scène, c'est où <laughs> euh... La tour first, elle est là. OK. On la voit, la tour first, là Ça, là, on... on peut pas repérer cette petite merde bon, attendez. Là, si je suis comme ça, OK. Là, voilà, on, est... on est dans l'axe de l'arche. Ah, je sais pas si on est dans l'axe de l'arche. L'arche, il est où de oh, tu... toute façon, non mais alors, ça, là, là je vais dénoncer. La défense c'est le bordel. Merci euh, Escabel pour le prime. Merci Yadoukovitch pour le pour les 22 mois Un pouce sous les euh, frérots. Regarde le bassin sur le carte il est juste en face de toi. Ça serait ça le bassin Ah oui, mais alors parce que là en gris c'est les tunnels. C'est les tunnels qu'on voit pas à la surface. Donc en fait on est là. On doit être là. Parce que je me disais, mais il y aura plein de routes ici. Et en fait, euh, il <laughs> n'y avait, avait pas de route. Bon, on n'était pas là non plus. Mais c'est pas possible. Bon, 176 mètres, ça va. Ça va. Ça va. Je perds un point, ça va. Ça va. Je connaissais quelqu'un qui habitait à La Défense. Il avait, quand il sortait de son immeuble, il ne sortait pas à la surface. Il n'avait pas de sortie de l'immeuble à sa surface. Il sortait uniquement dans un parking souterrain. Voilà, donc il... Vous savez, vous sortez de chez vous et puis vous vous dites, il oh, y a des arbres à la rue et tout. Lui, non, il sortait de chez lui. Bah, en fait, son, son entrée, c'était un parking souterrain. Était, euh... bah, il était content, il est bien ça. Alors, ça, c'est le Bourgel al-Khalifa. Le Burj Al Khalifa, qui est à Qatar, qui est au Qatar de Dubaï, le fameux Qatar de Dubaï. Euh, J'ai visité la ville dans Flight Simulator en hélicoptère, en réalité virtuelle. C'était euh, génial. C'était euh, super. Alors, par contre, le Bourge Al Khalifa, où est-ce qu'il est, qu est Parce que ça peut être les UAE, le Qatar, euh, vous savez, tous ces trucs-là, là, ces trucs qui se ressemblent un peu. Ah, la... oh, ça peut être Abu Dhabi aussi, attendez, j'allais voir Abu Dhabi... Non, c'est là où le... il voilà, y a le world et tout, je me souviens quand j'ai visité la ville en hélicoptère en réalité virtuelle. Je m'en souviens fort bien, on peut même dans Flight Simulator se poser, il y a un petit héliport, euh... il, y un petit... il y a un vrai héliport, hein, et on peut se poser dans Flight Simulator, c'est génial, un hélicoptère... Trop, trop bien. Très, très bon souvenir. Euh, Bonjour, le Khalifa, Où est-ce qu'il est, qu est euh, Toc, 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 toc. Là, c'était The World qu'ils n'ont jamais terminé. Vous savez, ils voulaient faire une, une map monde, en fait. Et euh, ils ne l'ont jamais, jamais terminé, il me semble. C'était ça. ouais C'est celui-là. Ouais, on voit, on reconnaît. Là, c'était l'Afrique. Là, c'était l'Australie. Le... Et ça n'a jamais été terminé. Ils n'ont jamais vendu tous les apparts. Euh, alors le Burj al Khalifa où est-ce qu'il est, -ce qu est Le Burj al Arab c'est pas ça. Tac tac tac. Ça peut peut-être être marqué en rouge. Non évidemment. C'est seul hôtel qui va pas être signalé. Hein. C'est le plus grand hôtel du monde mais vous allez voir qu'ils vont pas le signaler. Ça c'est classique, classique Google Maps. Euh, tac 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 tac. Raymond, est-ce qu'on met le plus grand hôtel du coin euh, sur la carte Non, 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 pas la peine. Non, les gens y vont pas. Non, non. Par contre, tu mets euh, le camp de vacances euh, des scouts du Qatar. Ça, tu le mets en gros. Ça, c'est important. Les cartographes n'ont non, 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 pas de dignité. J'ai arrêté de respecter ce métier. Euh, je me souviens qu'il y avait beaucoup d'eau autour. Ikea Dubai Festival City. Mais qu'est-ce donc ah non, c'est l'Ikea qui se situe à la Festival City de Dubaï. Moi, je crois que c'était Ikea qui faisait un festival à Dubaï. Je me disais, un festival Ikea, vous savez, avec les, les meubles qui défilent dans la rue et puis on leur jette des, on leur jette des confettis. Je me disais, pourquoi on n'a pas ça chez nous C'est injuste. On va le trouver, on va le trouver. Euh, il doit être au bord d'un grand... Mais il doit être là, en fait. Voilà, il était là, là. Il était là, le, le machin, là. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit au bonheur Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir un endroit simple une fois dans le monde où je zoome sur la carte et c'est indiqué Ah, c'est non. Les cartographes me feront chier jusqu'à la fin des temps. Je sais où je connais la ville et tout. Quoi Attendez, c'est là. Si, si, c'est là. Si, si, c'est là. Je suis pas dingue. Si, si, je suis pas dingue. Tac tac tac. Je le verrai bien, là. Bah, Downtown Dubaï. Ouais, voilà, Mais Regardez, mais regardez-moi ça. Regardez-moi Google Maps. Regardez, regardez. Démonstration par l'exemple. Google Maps. On zoome ici. Alors là, on va te mettre euh, la, la, la plage de Joumera, où tout le monde s'en fout. Euh, là, on va te mettre la zone industrielle, tout le monde s'en fout aussi. Euh, là, on va te mettre euh, l'hôpital, bon, c'est une petite clinique où tu peux te faire vacciner. Mais par contre, le plus grand immeuble du continent... Non, non, ça faut que tu zooms niveau 6000. Merci Clem Touquet d'avoir fait un tir à Dami un A poussou, euh, frérot Clem Touquet, merci pour ton soutien. On est au sud-est. Euh, non, on n'est pas au sud-est. Quand on regarde vers le sud-est, donc on est par là, donc le Bourge al-Khalifa, il est là, donc on doit être grosso modo ici. Ouais, il y a l'air d'avoir le truc là, on est là. Banco, allez. Voilà, 57 mètres. Ça ira, ça ira. Nous sommes à Tokyo. J'ai mené l'enquête. Ah oui, c'est leur tour à la con, là. Balader un peu dans Tokyo, quand même. Il a ça a pas l'air être le quartier habituel. Oh, sérieux, on dirait Beyrouth. Non, mais sérieux. Merci, Des pour le Prime. Un pouce ouf, refrape le merci pour ton soutien. C'est moche, hein mais regardez avec les fils partout, là. Non mais le Japon c'est trop beau, ah, franchement c'est trop génial, ah, on se sent en sécurité. Oui, bah, moi je suis en sécurité aussi où je vis. Hein. J'ai eu des hommes armés qui sont venus m'attaquer dans mon appart, hein. je suis désolé. Et puis quand je sors au moins il y a des arbres. Ah ça c'est beau, hein. Alors là, dis donc tu sors à ça. Ah bah ouais. Ouais mais il y a des magasins d'animés. <laughs> Alors, <laughs> oh, c'est trop le bordel, Tokyo, on sait jamais ce qui se passe. Voilà. Est-ce est, est à Yotsua ou à Ishigaya Est-ce à, est à Kayabacho ou à Etsujima On se le demande bien, d'autant plus que les rues sont même pas numérotées. Voilà, c'est un pays qui a démissionné. Donc euh, pour, attends, pourquoi je ferais un effort alors que les Japonais n'en font pas <laughs> Mais non, c'est pas une catharsis pour, pour moi, ce stream, Snurf. Ce c'est juste, euh, voilà, c'est de la géographie euh, et de la bienveillance. C'est les deux. Non, mais regardez-moi ça. Mais sérieux, on dirait Beyrouth. Ça, c'est des immeubles que vous trouvez à Beyrouth. Google Maps Beyrouth, je vous dis que ça, c'est des paysages beyrouthesques, j'en suis sûr. Ah oh ouais j'avais super soif. Ah oh. Oh. Ouais, je me suis sur mon lacoste. Ah <laughs> oh, mais regardez Non mais le Japon c'est super beau Je suis allé à Shibuya et c'était tout illuminé. Et ensuite j'ai pu acheter toute la première édition de Dragon Ball Z. Ah oh, bah ouais ah bah tu, tu m'en diras tant. Ah et puis ensuite on est allé dans un petit truc dans la montagne, il y avait des sources d'eau chaude et tout. Alors que moi je sors de chez moi ici là, c'est pas Tokyo bien sûr, mais qu'est-ce qui, j'ai mon champ j'ai ma boulangerie, ah bah je suis bien, je suis bien. Et puis j'ai pas des fils électriques partout. Je suis quoi Je suis à une demi-heure de Roissy, euh, 40 minutes de Paris, euh, voilà. À Tokyo, vous êtes à quoi Vous êtes à 15 heures de Paris. Invivable. Ah, mais je suis déçu. Pourquoi est-ce que je suis déçu comme ça des villes asiatiques entre Séoul tout à l'heure et Tokyo, je, dont je gardais un bon souvenir, hein, enfin via euh, via GeoGuessr, parce qu'évidemment, j'avais foutu les pieds. Non, mais regardez ça. Ça, moi, on me dit, euh, c'est la Slovénie. Je fais, ouais, ouais c'est pas étonnant, ouais. Ouais, c'est l'architecture slovène. Il n'y a pas de personne. Regardez-moi, oh là là, ces petites. Eh, hey, on ne serait pas bien là-dedans, là La petite maison, là. 2 mètres de large. 3 milliards de yens par mois. Peut-être que je deviens intolérant des grandes villes. Ça y est. Maintenant que j'ai pu m'éloigner de la verrue parisienne, je, dès que je vois une ville, je. je je sais pas, j'ai un petit SD. Merci Brett Sinclair pour le prime. Un pouce euh, frère obret, merci pour ton soutien. Ljubljana, c'est plus joli que ça, nous dit Sarlapinou. Bah, Je veux bien te croire, hein, parce qu'alors là, euh... ah, c'est carrément moche. Hein. C'est surtout cette absence de végétation qui me choque maintenant. Maintenant que j'ai des arbres en face de chez moi, un magnifique parc, euh, eh bien, euh... vrai, ça me choque de pas voir d'arbres, en fait. <laughs> ça me cho... choque de ne ouais. pas voir d'arbres, ça me choque. Euh, bon alors où est-ce qu'on est, qu est euh, Tokyo. Alors Tokyo c'est le bordel. Hein. Bon je le dis, je le répète. Euh, jamais on trouvera leur tour à la con là-dedans. Donc on va aller downtown au pif. Mais je crois que même y a, en fait il y, y a pas vraiment downtown dans Tokyo. Il y, y, y a plein de quartiers euh, qui ont des qui ont des qui ont des grands buildings comme ça. Ah oh, Shibuya tiens. C'est là, là où ils prennent toujours là, la photo à la con. C'est ça hein, C'est ce quartier non, c'est pas ce quartier. Quel est ce quartier, le quartier où il y a les magasins de jeux vidéo? Là, aidez-moi. C'est pas Shibuya? Ake non, c'est Akeibara ou un truc comme ça. Si, si, c'est Shibuya. Akihabara, dit Nichotomata. Voilà, Akiabara. Voilà. Euh, on va dire que c'est Shibuya. Il ah, et, et y a un Ikea aussi, mais ça c'est incroyable! Tout à l'heure, on était au pied du Bourg Al Khalifa. Ikea, là, on part à Tokyo, donc on fait quoi, 20 000 bornes Ikea. Extraordinaire. Euh, toc, 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 toc. Je regarde en vitesse, hein, si je vois pas leur tour à la con. Hmm. Re Regardez-moi Imaginez-vous avant le GPS, il faut aller de là à là. Non mais imaginez, de là à là. Alors je vais prendre la 426, je tourne à Meguro, ensuite je retourne à Fusachamo, je prends la troisième à droite sur euh, Chipungunka, ensuite j'arrive à Kakino-Kizaka, ensuite là il y a un sens interdit, un autre sens interdit, là ensuite je prends à gauche direction Imonia Park. Comment voulez-vous qu'il se développe ils Pourront pas, ils pourront pas. Japon c'est mort, je vous le dis. Hein. Japon c'est fini, c'est la fin. Ça marchera, le Japon avec une organisation comme ça, ça marchera jamais. Ils auront beau essayer tout ce qu'ils veulent, ça ne marchera jamais. Shichu City. Oh, je sens que c'est à Shin... Shin... Shinjuku. Shinjuku, c'est un, un nom de quartier où vous avez envie d'installer une grande tour. Vous vous dites, allez, Shinjuku, tiens, voilà, on va la mettre ici, tiens. Hop, regardez-moi ça. 8,7 km, ça va C'était à Taito City. Et comment ça s'appelait c'était même pas marqué, hein, parce que là aussi, ils se sont dit. Euh... Ils sont dit. Euh... Vous savez, les Japonais, ils font une tour de 4000 mètres, là. Non, on l'indique pas, non. Non, on s'en fout. On s'en fout. Euh... Ce pas utile. Voilà. Combien est-ce qu'on a fait Évidemment, on fait un score extraordinaire, parce que malgré les cartographes de Google qui ont modifié leur algorithme pour me pénaliser, ça, on sait bien qu'ils l'ont fait. Et l'extraordinaire difficulté de la map de. C'était qui déjà euh, c'était Touquet, je crois. Non euh, Je ne voudrais pas euh, attribuer cette carte. Euh, si, c'était Touquet. Euh, J'ai la plus grande. La mienne est la plus grosse. C'était Touquet. Un pouceou à Touquet. Merci pour ta carte qui était très sympa. Qui nous a fait visiter, euh, ma foi, de fort belles villes. Et qui vous a permis de voir qu'au niveau programming, j'étais toujours quand même euh, au... Au, au top. Alors je vois post-apo sur une idée du chat. Tu sais, ça peut être cool. J'ai envie d'y aller. Alors, c'est hard as fuck. Hein. Ouais, c'est hard as fuck. On va essayer. Après tout, est-ce que je suis du genre à me laisser impressionner par un hard as fuck Souvenez-vous, je vous signale que en 96, demi-finale des championnats d'Europe contre le russe euh, Nodusenko, c'était sur une carte hard as fuck, je l'avais battu euh, 2227 à 4 quand même. Donc euh, voilà, j'ai les. J'ai les valises. J'ai les bagages. Average score 12 000. OK. Alors attention. Attention. Oh, ça va être introuvable. C'est des, des ruines dans la cambrousse. Ça va être introuvable. Quoi que cela dit, j'aime bien parce que il ne faut pas chercher des panneaux. Il faut, il faut sentir le. De l'Urbex, exactement, Aïruf. Il faut sentir euh, la végétation, le ciel, la ville, tout ça. Ah ouais, mais alors là, j'ai deux photos, quoi. Ok. Danger, no spacing. C'est Amérique du Nord. Ok. Je dirais que c'est la côte nord-est. Ouais, c'est plus... C'est pas la végétation. C'est pas euh, Seattle, Portland, tout ça. C'est plutôt... Euh, ouais, c'est peut-être plutôt le Maine. Le... Voilà, on imagine plus... Euh, un peu vers le Canada. Je, je crois pas qu'ils ont de trespassing au Royaume-Uni, euh, Xempac. Il me semble pas que c'est un panneau du Royaume-Uni. Ah, euh, Kukul Chikore qui dit Je serais surpris de voir des vieilles bâtisses en pierre aux US. Tu marques un point. Après, est-ce est que ça, ça vous fait penser au Royaume-Uni C'est pas assez déprimant. T'as pas assez envie de te suicider pour que ça soit le Royaume-Uni. La végétation et tout, je la sens pas trop au Royaume-Uni. Ah, l'Écosse. Ben bah oui, la vidéo moi je pensais oui, plutôt ça. Canada, tout ça, vraiment la côte est. Euh... Ah ouais, ouais, c'est ça, nord-est des États-Unis. Je, moi, je vois, je vois. Non, je vois pas l'Écosse, je vois pas l'Irlande, là. Regardez, il y, y a un beau coucher de soleil et tout. Il n'y a pas de brume. Euh, on ne sent pas cette espèce de mal-être. On sent... Voilà, on... J'ai envie de dire, on se sent presque bien ici. Et par expérience, si tu te sens bien dans un endroit, ça ne peut pas être les îles britanniques. c'est pas possible. Regardez s'il n'y a pas un petit indice supplémentaire. Euh... Cela dit, les tags, est-ce que ça tag aux états unis Il <laughs> n'y a pas un vieux avec de travers du cher <laughs> Après le truc, euh, le truc euh, pierre et tout, euh, si il peut y avoir. Les États-Unis, euh, euh, ils, ils ont, quel âge les États-Unis Enfin, euh, ça a commencé à civiliser quand si ils peuvent avoir ça. Hein. Moi, ça me choquerait pas de voir les États-Unis. Hein. Si regardez briques et tout là, si 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 si. si. Ah, J'espère que je me trompe pas, mais je dirais quand même États-Unis. Voilà, il y a quoi là Evep. <laughs> <laughs> Dubaï au Qatar, il <laughs> Moi, je pense qu'on est euh, par là. On pourrait être en Pennsylvanie, par exemple. On pourrait tout à fait être en Pennsylvanie. Où c'était vraiment les premiers bâtiments des colons, et trucs comme ça, les premiers bâtiments en dur. Je vais dire, euh, je vais dire la Pennsylvanie, tiens. Après, y a là, je ne sais pas si ça, c'est la mer ou si c'est un grand lac à la con. Parce qu'ils ont des grands lacs à la con, hein, ces idiots d'Américains. ça a quand même bien d'être la mer là. Si t'as la mer, si en regardant vers le sud-ouest, t'as la mer, ça pourrait être un grand lac, un truc comme ça, ou un truc ici, là. Le Maine, le New Brunswick, tiens, c'est un truc par là. D'ailleurs, par là, tiens. Oh, c'était Rhode Island, c'était pas loin. Oh, en plus, j'y suis vraiment passé. Oh, j'y suis passé ici. Enfin, je suis passé là. Je suis passé par cette route. Attends, est-ce que je suis passé par Providence Non, on avait fait ça. On a, je, je suis passé. Bon, j'ai aucune chose de reconnaître, hein, mais si je suis passé. Mais ok, c'était le Brenton Point skate, State park. Je vais dire skate park. Je, je croyais voir Tony Hawk débarquer. Le State park, le ok. D'accord. Eh bien, on le saura. Bon, bah, très intéressant. Hein. Bah, on n'était pas, pas. trop. Enfin, n'était pas trop loin. 600 bandes quand même. Ah, j'aurais, j'aurais dû dire Pennsylvanie. J'aurais été plus tôt. Mais oh, c'était la bonne région. Oh, c'est Pripiat. Ça pourrait être Pripiat, hein. Ah, c'est Pripyat, hein, oh, hein je pense. Gilet jaunes, c'est en France. Mais non. Vous avez vu un gilet jaune Pff, Mais non, mais qu'est-ce que vous êtes con, hein c'est un gardien la con. Mais non, cela dit, Pripiat, il euh, y a des gros bâtiments quand même. Pripiat, il y a des barres d'immeubles, hein. dit Dimirapolis. Alors. Mirapolis, on verrait Gargantua. Je connais bien Mirapolis, hein, j'y suis allé. J'y suis allé plein de fois quand j'étais petit, j'adorais ça. Euh, cela dit... Euh... Non, c'est pas Mirapolis. Non, c'est pas Mirapolis. Non, c'est pas du tout Mirapolis. Euh, le truc, c'est que... Le, le, voilà, la, 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 la roue, c'est vraiment classique pripiat, mais euh, si je voyais des barres d'immeubles... Puis non, mais t'emmènes pas des mômes. Si c'était, euh, ça se visite pas euh, aussi. Qu'est-ce que c'est ça Un vieux parc allemand abandonné, dit euh, Tibouski. Manivel dit Berlin ou Ukraine. C'est de l'air la casquette. Non, c'est pas Pripiat. Hein. Ok, on ne peut pas aller par là. Non, tu ne tu vas pas à Pripyat, je pense, en, 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 en sandale. Hein. Ouais, non, il y, y a un espèce de bâtiment viking ici. Oh, ça va être dur, ça. On va visiter, peut-être tomber sur un petit panonceau. Un petit panonceau explicatif. Alors, les tags. Bon, bah, après, c'est les tags, hein, c'est de la merde. Je suis sûr qu'il y en a sur le chat qui ont tagué quand ils étaient jeunes. Je suis sûr. Les Yutani, les trucs comme ça, je les vois bien, je les vois bien, tagger, vous savez. Je suis sûr qu'ils étaient comme ça. Don't go up the top. OK, d'accord. Ouais, parce qu'en général, c'est des grands littéraires, les taggers. Hein. Sondage, oui, c'est vrai, sondage. Attendez, sondage. On est en nos limites, on s'en fout. Paul. Avez-vous tagué dans votre jeunesse Oui. Oui, j'étais au fond du gouffre. Oui, j'étais au fond, voilà. Non, j'étais digne. Je suis sûr qu'on a bien 20 de tagger. Voilà. Euh, attention, il euh, y a les condés, il y a les condés. On oh, est trop des rebelles. Regarde ce que j'ai marqué. Oh là 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 là. Ah, Je suis sûr. Ouais, voilà 20 Je le savais. Les Yutani, euh, les Frédégonde, les Fouillon, euh, tout ça, c'est du tagger. je le sentais. Oh, Malware, bien sûr qui taguait euh, Fratus. Malware, vous savez, c'est le genre de type, il collait les, les chewing-gums sous les tables. Vous savez, il mâchait un vieux chewing-gum dégueulasse et puis il le collait sous la table. Et quand tu lui disais, non mais euh, enfin Noël, arrête de coller, les... il faisait, oh, c'est bon, hein. il faisait ça. Tu oh, c'est bon. Hein. Il... Toujours, toujours, il faisait ça. Ses, ses anciens amis de classe, je les ai interviewés, ils m'ont raconté, ils m'ont dit, ah, ouais, Noël Malware, coller chewing gum oh, c'est bon. Ou alors il, il écrivait sur les tables, mais au compas, vous savez, c'est parti de ces vis-là qui gravaient, il y en avait, hein Il y en a qui gravaient au, au compas, hein. 20% de 19% de, de taggers quand même. Sur moi, j'ai oui. Et alors, est-ce qu'il nous donne des indices, nos amis les taggers, nos artistes de rue euh, Eh bien non, merci, euh, Gawa. Un pouce ou frérot frérot, merci pour ton soutien. Et tes mois d'abonnement, ça fait très plaisir. Pour l'instant, je ne vois rien. On va aller se déplacer par là. Ça a l'air familial en tout cas. Hein. Qu'est-ce que c'est après ce 3 rats là Quel est l'intérêt de ce machin Ah Eh bien évidemment, on ne peut pas lire. Merci les... Merci Google Street View. Hein. Cela, le jour où ils sortiront les doigts du cul, on sonnera les cloches. <laughs> Pardon à hein, tous, les, tous les Google Street viewers. <laughs> c'est guignol, c'est de la comédie. Peut-être un petit. Une petite... Oh La Volkswagen, c'est l'Allemagne. Là, on peut pas y aller. Si, on va pouvoir lire. Ça ah. a l'air d'être l'Europe. Les panneaux d'utilisation, c'est européen. Je vais faire un undo move, un undo move, un undo move, un undo move et revenir dans le parc. Voilà. Euh. Qu'est-ce que c'est que ce truc Dans quoi on atterrit là Alors, Google, hein, 200 000 milliards de bénéfices par seconde. Mais alors, pour acheter un appareil photo en résolution, oh là, non, c'est bon, on n'a pas le budget. Ah, Sundar, si tu savais. Si tu savais les choses qui changeraient si c'était moi à ta place, hein, si j'étais la tête de Google. Je peux te dire que ça mouveterait pas. Là, il y a un petit, euh, une petite aire de repos un petit peu sympa. Ah Je pré-parc. Ça veut sûrement dire euh, parc d'attractions. On va rentrer. Ouh, Ouh Mais dites donc Quelle surprise Ah, bah là, ça va être fléché, là. Où sommes-nous Qu'est-ce que c'est que ce bordel il y a une conférence, il y a un TED Talk, c'est quoi Il y a un chien. Enfin, ça, ça, plus rien n'a de sens. Ah, ça, c'est Berlin, l'Allemagne. Euh, ça, c'est le truc à Berlin, on est d'accord. Hein euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, la statue d'Helmut Kohl, probablement. Euh, mais ça, c'est Unter de Linden, peut-être. Mais ça, c'est l'Allemagne. D'assist, Deutschland. Wir sind in Deutschland. 6 ans d'allemand. Hein. Sous vos applaudissements. Bah, On va dire que c'est un vieux parc à punk euh, squatté à Berlin. C'est le truc. Hein. De toute façon, vraiment, S'ils ont bien une spécialité à Berlin, c'est des trucs squattés par des punks. Euh, c'est mieux que les, spécialisés qui, les spécialités qu'ils avaient il euh, y, y a quelques dizaines d'années. Il hein. euh, y a de la Volkswagen, il y a du Sprint, Machin. Allez, Berlin. Ou après, je ne sais pas. Alors, où est Berlin Qu'est-ce que c'est qu -ce que excentré, Berlin hein Vous avez remarqué S'ils avaient été un peu cohérents, les Allemands, qu'est-ce qu'ils auraient pris comme, euh, comme, euh, comme capitale ben, Ils auraient pris un truc au centre. Ils auraient pris, par exemple, Göttingen. Je connaissais quelqu'un qui avait vécu longtemps à Göttingen. Ou Kassel. Voilà, très bien. Ou euh, Leipzig. Quoique dans la Psyche, un peu vers l'Est. Mais là, regardez comme c'est excentré. Ça n'a pas de sens. Eux non plus pourront jamais se développer, les Allemands, tant qu'ils n'auront pas une capitale qui sera centrée et légèrement au nord comme nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Tiens, Fulda. C'est marrant parce que je relançais le jeu de tank Gunner Hit PC il n'y a pas longtemps et la carte se déroule à Fulda. Vous savez que c'était le. le le, le choke point entre l'OTAN et le pacte de, de Varsovie. Il faudrait que je refasse un stream d'ailleurs sur euh, Gunner IPC. PC. Il a bien amélioré. là. Ils ont, ils ont rajouté le Bradley il y a quelque temps. C'est devenu, devenu assez cool. Merci Plitrulle pour, pour les 25 mois. Un pouce euh, ou frère frère merci pour ton soutien. À l'époque, Berlin, c'était central. Euh, oui, à une époque, parce que la Pologne a été décalée par, vers l'ouest, je crois. Hein. Avant, la Pologne était un peu plus euh, par là. Non, par là, me semble-t-il. Ah, et puis ensuite, ça a, été, ça a été changé. Ils ont dit à la Pologne hop, on va faire une petite translation, comme ça, en loose nez tu vas rien y comprendre. Et. Euh... Brave peuple, les Polonais. Brave peuple. Euh, alors, où est-ce que ça peut être, ce truc à punk Tiens, ben voilà, Brandenburg, machin, la Berlin, il y a la porte de Brandenburg. On va dire que c'est par là. Regardez, regardez le, le, nez, du, le nez du programmeur. Regarde un peu ça. 14 km. Sous vos applaudissements, 4950 points. Merci, au revoir messieurs. <laughs> On donne pas des leçons d'histoire à Agbous c'est son domaine, dit Babro en 1950. Mais, mais qui êtes-vous pour me donner des leçons d'histoire Je suis historiologue. Ah oh, le crève la soif. Lef. Merci William Ross, un pouce sous frérot, frérot, merci pour ton soutien. Je vérifie juste si j'ai pas oublié un petit bip bip. Non, Plitrul, c'est bon, euh, mais je le remercie quand même. Et, et je crois que c'est bon. Umberto Juan, je l'ai oublié, pardon. Un pouce frère, euh, frérot, frérot, Juan, désolé de t'avoir oublié. Et euh, Gawad, je l'ai remercié. Ok, on est bon. Bah pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Il est déjà 22h24. En fait, je voulais faire une heure et demie de GeoGuessr et me terminer avec une demi-heure de Vampire Survivor. Euh, mais on va continuer encore un petit peu de Geoguacer, là. On va continuer encore, c'est sympathique. Euh... Ah, ça va être dur. Là. Ça va être dur. Enfin, sinon, on va tomber sur un petit panneau qui va tout nous expliquer. Donc, on est aux, Éta aux États-Unis. Enfin, quoique on est aux États-Unis, mais pas sûr. Si, si, si. Euh, ou, oh, non, ou oh, en Australie. Et puis les panneaux jaunes comme ça, là, ça évoque plus l'Australie d'ailleurs. Elle a dit, il y a, y a de la poignée d'amour, ça peut être américain. Mais, ouais, non, il y a du. J'ai vu du pick-up truck, là. Oh putain, là, là, là. Ça c'est un pick-up truck. Ouais, après en Australie ils en ont aussi. Euh, on va avancer un petit peu. La Mercedes, on veut tu en voilà, c'est pas la crise pour tout le monde. Oh. Qu'est-ce que c'est moche Enfin la photo est pas belle dans quoi on est là Où est-ce qu'on a atterri Qu'est-ce que c'est que ce village On va faire un peu de route. C'est Australie, hein Ah non Non, non, le 45 là. C'est États-Unis, ça C'est États-Unis. C'est États-Unis. C'est États-Unis d'Amérique. On va avancer un petit peu pour trouver un petit panneau, pour avoir quand même une petite idée d'où on est, parce que là je suis... Je suis du père Après, ça, c'est pas des marques américaines que je reconnais. Odd City Springs Service. L'Arizona, peut-être, truc comme ça. Peut-être pas assez sec pour l'Arizona. Oh ça va être dur. Oh, ça c'est américain. Les pubs d'avocats comme ça, c'est pas, euh, pas Australie. <laughs> Broadway, c'est New York, <laughs> ça. Euh, on va... Il y a l'air d'avoir une ville, il y a une civilisation par là, on va aller voir. Oh non, me dis pas que je peux pas y aller. Ah si, attendez, je peux y aller peut-être par là. Voilà, je... Est-ce que je peux passer sous le pont? Est-ce que ces messieurs de Google Street View me permettent de passer sous le pont, s'il vous plaît Ah, bravo. Google. 12 milliards de profits par microseconde. Vraiment, on la laisse la photo là Ouais, laisse, on s'en fout, ouais. Ouais. Mais tu sais, ça va rien nous coûter de l'enlever. Non, laisse-la, laisse-la. Laisse-la. On s'en fout. Ouais. Alors là c'est carrément ça c'est pris avec des c'est des photos prises avec un Nokia 3310 hein. et ils ont pas ils les ont pas updatés depuis ils se sont dit ça suffira Ah le box putain le box c'est où On c'est on, on l'a vu dans les films et tout euh... Je dirais que c'est Texas ou Californie on Vous dites tous Texas c'est dans la creuse il euh, y a le drapeau du Texas, pardon, je ne l'ai pas... Ah oui Ok, impeccable. Alors le LeBok... Le c'est le ici. Alors, on y est arrivé comment à le bock On y est arrivé par l'ouest. Donc on y est arrivé par là. Donc par là, il doit avoir un truc abandonné dégueulasse. On est sur quelle route là est-ce que je peux trouver le nom de la route Ça serait bien... Ah Broadway et Avenue F. Avenue A. Oh, Broadway, ça va bien être une grande... Non Broadway, elle est là. Broadway, l'avenue F. Avenue X, avenue T. Putain, non mais le niveau aux États-Unis, ils se sont dit Avenue F. C'est quoi le nom de l'avenue oh, Non, mais juste des lettres. Tu fais même pas chier. Non mais on va l'appeler euh... Avenue Kennedy, je sais pas. Oh, non 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 A B C D. Euh... C comment voulez-vous que ce pays se développe Comment voulez-vous Donc on est ici. On est arrivé par là. Et là, il y avait un truc tout pourri. Euh, je pense que ça doit être quelque chose dans le coin. Là. Alors attendez, je vais mettre un premier truc ici. Je vais revenir à la zone de départ. Ok, return to start. On était passé par là. Ouais, avait... ah, ça correspondrait. On avait été au sud. Il y avait une overpass. Ensuite, on est arrivé dans une zone avec une espèce de marigot à la con. Ça pourrait être. Ouais, je vois pas l'overpass là. Si. Ça. Là, l'overpass ici. Ensuite, on fait tchac tchac tchac. On doit être là. Est-ce que ça. Si ça, c'est parcouru, on est ici. Attendez, je vais essayer de. Ouais, freeway, on est là. On est là. Regardez, attention, sous vos yeux ébahis. Donc, c'était un... un parc, parc d'attractions. Mais apparemment, qui a, qui a un peu souffert. Bon, voilà. On est à 220 mètres, c'était pas mal. OK. Vas-y. Affichez-vous les photos. Là encore, Google. Hein, 600 milliards de bénéfices par minute. Mais ne charge pas, trop, ne charge pas les photos trop vite. Tu vas, tu vas te fouler une cheville. Hein. On sait que tu as, as des petits serveurs. Donc euh, voilà. Pareil. Hein, les, les humains coupés en deux et tout, euh, l'algorithme, il n'est pas capable de voir. Ah oui, alors on ne peut pas se déplacer par contre. Lisboa. Est-ce qu'on voit... Euh, Est-ce que ça ressemble à Lisbonne, ça Panoramico, Lisboa. Ok, donc c'est un truc qui nous offre une vue panoramique sur Lisbonne. Et apparemment, Lisbonne se situerait... Euh c'est au ouais, nord-est. enfin encore... Lisbonne, c'est quand on regarde vers le nord-est. Donc, Lisbonne. Lisbonne, ok. Nord-est, euh, c'est un truc qui serait là, c'est un truc qui serait là, là, comme ça. Ça pourrait être la tour de Belém mais ça serait un truc abandonné. Non, c'est pas un truc abandonné, ça. Enfin, c'est pas un truc médiéval. Non, c'est pas un truc médiéval, ça. Il a dit la tour de Bélem. Bah oui, Perlan, et alors je, je la connais pas, moi, la tour de Bélem, si ça se trouve, c'est ça Est-ce que j'ai une tête à connaître la tour de Bélem Lisbonne. Ça... Est-ce qu'il y a de la... Il a pas l'air d'avoir de... Il y a l'air d'avoir de la forêt mais pas d'eau. Qu'en fait ça... Ah ça pourrait être là en fait. Hein. Peut-être le roi Merlin. Eh mais oui c'est le roi Merlin bien sûr. Le... Alors c'est un roi Merlin... Euh... Bon. Euh... Là, les parpaings, on, on, les, on, on, les, on les décroche soi-même. Nord-Est. Ouais, ça doit être une tour à la con dans le parquet florestal des Monsanto. Ouais, oh, ça pourrait être ça. Je vais dire que c'est là. Vous allez voir. Vous allez voir, un petit... Vous allez voir le nez que j'ai. J'étais dans le bon parc. J'étais dans le bon parc. C'est pas mal quand même. Mais c'était euh, très exactement le Panoramico de Monsanto, qui est un ancien restaurant. Important à noter. Ancien restaurant avec des vues euh, sur, la, sur la ville. Ça paraît pas mal. Alors, la dernière de cette carte, qui était très intéressante. Hein. Oulala. Là là. Alors. C'est pas le 11 onzième, c'est pas la rue de Rivoli. Est-ce qu'on peut bouger On peut pas bouger. Alors là, bon courage. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit la différence entre euh, les gens qui n'ont pas un entraînement militaire comme vous et les gens qui sont prêts au combat comme moi. Euh, purée. Alors, euh... je sais même pas ce que je regarde. Un barrage, je suppose. Oh Alors là, je prends les suggestions hein. parce que ah. là, celui-là, je vais avoir un peu de mal. Bon, la peinture est pas d'hier. Il oh, n'y a pas un petit graffiti, là Ça, c'est des chaussures quoi, ça C'est des Nike. Bon, des Nike un peu pourris. Qu'est-ce qu'il a Il a un panari, ici pour que ça fasse cette tâche, là Merci, petit Fred. Un pouce ou, euh, frérot, frérot. Merci, euh, merci pour ton soutien. Bon, après, on peut toujours regarder les essences d'arbres. Hein. Ça, c'est un peuplier, un peuplier du Japon. Là, vous avez euh, un platane libanais, mais le platane libanais, il est, il est sur toute la planète. Puis là, dans le fond, euh, c'est ce qu'on appelle des, des pins cacahuètes. Ce sont des pins qui donnent des cacahuètes qu'on trouve aussi partout Amérique du Nord, euh, Sibérie, euh, Angola, euh, Asie du Sud-Est. C'est une rose, l'emblème du Parti Socialiste. Est-ce que ça pourrait être la rue de Solferino Si c'est le cas, elle a bien changé. Bah oui, Nico from the web, il y a peut-être un langage dans les tags, mais j'en ai pas vu pour l'instant. Hein. Noble, bon. Ah, une canette de. C'est quoi ça comme bière tous les, tous les pochetrons, là, vous devez savoir. C'est de la C64, là, ça vous devez savoir. Là-dessus, là là, si, 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 si je vous interroge sur les canettes de bière, alors là, je sais que ça, ça, le, le chat, ça va défiler à toute vitesse. De la Bud, ok. Bon. Oui, il y a l'alphabet latin. Sex, porola. Ce qui ne veut dire pas dire grand-chose. Et là, nous avons un, un de ces. Artistes de rue qui a marqué RGO ou AGO. Voilà. On leur remercie. Il a exprimé sa créativité. C'est important. Aujourd'hui, les développeurs web. C'est ça le pire, vous savez, parce que tous les, tous les mecs qui ont 14-15 ans, là. Moi, j'avais un pote, hein, J'avais un pote à 13 ans. Il, 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 taguait, il taguait à la bombe dans ma ville. Il a fini. Non, il a fini juge. Il a été avocat et maintenant, il est juge. À 14 ans, il taguait aujourd'hui les juges. Tous les autres, ils sont développeurs web. Bon, on dirait comme toute la population française maintenant. Il n'y a plus que ça. Ouais, Nick le système. Cinq ans plus tard. Ah ouais, développeur web pour programmer en HTML à 120K par an Ouais, d'accord, ok, je signe. Ouais, c'est bon, ouais. Oh bah, puis j'achète la Citroën Picasso, bien sûr. Oh bah ouais, à crédit, évidemment. On vous connaît. Merci, Guillaume. Merci, Dag. Un pouce sous les frérots, les frérotes, merci pour votre dixième et votre onzième mois d'abonnement. Merci pour le soutien, les amis. Il n'y a pas un mécano qui peut me dire que ça, c'est euh, un, euh, un écrou serbe ou, euh, je sais pas moi, une, une tête de vis euh, suédoise, non Personne pour me soutenir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Barbour. C'est que, que des développeurs web, ici. Ah, ils pourraient me dire, ah ben ça, c'est du CSS, et gna, 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 gna. Mais dès qu'on leur demande des trucs un peu, un peu concrets, quoi, de la vraie vie, alors là, il n'y a plus personne. Bon, ben, on va y aller à la végétation. Hein. Oh, ça, c'est pas lisible. Sexe s'il savait écrire au moins ces taggers, s'il savait faire des phrases, ça serait tellement plus simple pour nous. J'ai envi... envie de dire Amérique du Nord, parce que ça, c'est des petites constructions pourries qu'on trouve en Amérique du Nord, des, des trucs pas solides. Euh... Alors, ça propose Canada, Yukon. Ça, ça fait quand même Amérique du Nord, hein. ces trucs rocheux là. Pas un truc qu'on trouve en Europe. Ces trucs rocheux avec une, une petite rivière qui coule au milieu. Sur les rails à tes pieds, il a écrit quoi Il a écrit des trucs de taggeurs, mais ils il, il parlent pas français, ces gens-là. Tu sais, ils il savent à peine former des phrases. Hein. Là, il y a peut-être un truc. Ah, The Kind Gentleman, il y a marqué ici. Je me suis défoncé le coup pour lire ça, mais il y a marqué The Kind Gentleman. Bon, ça va être Amérique du Nord et ça va être pareil, je dirais la côte Est, hein. Nord-Est. Ça me paraît être le plus plausible au vu des, du peu d'informations dont nous disposons à l'heure actuelle de la situation. Je vais dire Pennsylvanie. Là. Et vous allez voir le nez du programmeur. 300 km. Sous vos applaudissements. Au revoir, merci. C'était à côté de Richmond. Euh, voilà, on était très exactement euh, sur Belle-Île. Eh oui, l'autre Belle-Île. Euh, et c'était une, une, une usine hydroélectrique abandonnée. Voilà, voilà. Vous savez tout. Bah, c'était intéressant. You're no rookie hiker. Ok, 22 321 points, évidemment. Évidemment, bien sûr. Sans forcer. Sans forcer. Sans forcer. Euh, on va s'en faire une dernière. Après, on se fera un petit euh, Vampire Survivors. Ah, celle-là, je la ferai bien. Envoie-le-moi vue d'avion, vue d'avion. Je l'ai pas déjà faite celle-là Clem Touquet parce que je sais que tu m'avais fait une map, euh... une map euh... où on avait des vues d'avion comme ça qui était super bien. On s'était vraiment bien amusé à la faire. Ouais, elle est rejouable. mais je pense que c'est celle qu'on a fait. Euh... Ouais, elle est rejouable. Donc on va la rejouer. Mais euh... ok, bon, je vais la faire. Je vais la faire, on va se terminer là-dessus. Euh, donc il n'y a pas de move évidemment parce que c'est des, des photos de drone, mais il y a du pan et du zoom. Celle-là a été très cool et je pense qu'elle a, a dû demander pas mal de travail à, à Clem Touquet, donc euh, je l'en remercie euh, très sincèrement parce qu'elle était vraiment sympa cette, euh, cette map. Hop Agbou, influenceur pro-gaming, évidemment en tête du scoreboard. La routine pour nous les professionnels. Oh, faut... Il faudrait vraiment un géoguesseur avec que ce genre de vue, quoi. Ça serait trop bien. Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce donc C'est un sous-marin russe Le fameux modèle à trois périscopes Alors... Ouh, c'est intéressant, hein Oh, L'architecture, elle est bizarre. Il y a des trucs qui rappellent ça, ça rappelle euh, Maghreb. C'est voilà avec ces petites arches et tout, là ces petites cou ces couleurs chaudes. Après, il y a des trucs qui rappellent euh, plutôt euh, euh, presque les Balkans en fait. Alors on, voilà, voilà, on me propose Liban, euh, Tunisie, Inde, Bora Bora, bon, c'est je bah, faut même pas que je le lise, faut même pas que je le lise, Yutani là, il est à 2,5 grammes, il tape n'importe quoi devant l'écran, eh, Bora Bora, c'est triste, hein, chaque message, c'est un, un appel au secours de la part de Utani, hein. euh, Istanbul, Maroc, alors moi, ça me paraît un peu vert pour tout le Maghreb, Oh. compliqué oh là là là. choper une image de bateau dj alix 22 oh là là. Aucune chance qu'on l'ait avec cette résolution. Hein. Oh. Tu vois, la la chumax, là, je suis max, là. Je suis max, donc. Euh... Oh C'est pas du chinois, ça Ça. Ça pourrait pas être des ch'tiwiwi oui -oui chinois. Ou des, des, des ch'tiwiwi oui -oui d'Asie. Jibi qui dit petit port de pêche en Croatie. Ah ouais, mais ça. C'est tellement bizarre. Quoi. La, en fait, la végétation ne, ne correspond pas vraiment à l'architecture. Ça, là, ça ne dit rien à personne, cette espèce de construction qui doit être un, je sais pas, des phares, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être Peut-être une, une ferme à poissons, je ne sais pas, moi. Ça a l'air d'être gros, hein, ce machin, regardez. La brise vague, me dit-on. Peut-être. <laughs> C'est les poteaux de colanta, balise pour parc à huître. Ouais. Regardez cette végétation. Alors là, on regarde ça, on regarde la végétation. On peut dire effectivement, genre Maroc. Hein. Après, on passe à côté. On se dit non, mais là, plus du tout. Euh, C'est euh, voilà, port de Croatie, euh, genre euh, bord de même bord de l'Adriatique, un truc comme ça. Oh, J'en ai aucune idée. Il n'y a pas l'air d'avoir de clim aux fenêtres. Oh. Ça, ça fait presque japonais. Vous voyez ce toile avec la double... La double je sais pas quoi là. Ça ça, fait Jap... ça, ça fait asiatique à fond. Regardez, regardez là, on voit le... les formes asiatiques. Alors, si ça se trouve, c'est euh, Philippines ou euh, Indonésie ou une connerie comme ça. Oh, Qu'est-ce que c'est que cet endroit Indonésie, alors Parce que truc qui rappelle un peu l'architecture euh, 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 islamiste avec les trucs, euh, avec les trucs euh, asiatiques. Malaisie aussi, Sri Lanka. Merci, cher Gardin, d'avoir offert un tas d'abonnements. Un pouce frère frérot, cher Gardin, merci pour ton soutien, ça fait très plaisir. Je suis sûr que Cardjin, Lee Up, Podux, Yavénou et GLX22 seront très heureux. J'espère qu'ils te remercieront, ces ingrats. Ah ouais, islamiste carrément. Oui, mais comment on dit l'architecture euh, On dit pas l'architecture musulmane. Comment est-ce qu'on dit Comment est-ce qu'on dit l'architecture euh, de la religion musulmane On dit pas architecture musulmane, hein. islamique. C'était pas islamiste. Islamique, l'architecture islamique, c'est vrai, c'est mieux. C'est mieux. Je suis perdu. Ça, après, ça a l'air d'être des ch'tis, oui, oui, hein. Et ça, c'est une couleur, ça, ça peut être une couleur indonésienne, malaisienne. Parce que c'est pas dans n'importe quel pays quand vous, qu vous ferez un bâtiment euh, violet comme ça. <laughs> une carte de presse journaliste. Oh, c'est bon, on peut se tromper. Là. Et ça, par contre, ça ressemble à rien. Alors là, ouais, ça, ça ressemble à rien. Il a pas un petit drapeau là quelque part. Celui, je me suis pas tourné vers l'océan. Si, je me suis tourné vers l'océan déjà. Si ça se trouve, c'est Kibron, mais ça a vachement changé. Peut-être le gros du roi. Oh. Faut regarder la couleur de l'eau. Si on voyait un récif corallien, ça réduirait vachement les les latitudes, mais on voit rien. Ah, oh, regardez, ça, c'est pas une... De toute façon, ça peut pas être japonais. Mais ça, ça fait presque une petite voiture japonaise. Non, en fait, c'est un gros... une grosse camionnette. Regardez peut-être un peu plus les voitures. Ouais, non, non, non. non Ah, il y a un scooter. Ça, fait... ça peut être indonésie. Hein les indonésiens, ils aiment bien les scooters, hein. Est-ce que ça peut être l'Indonésie, ça Ouais, Indonésie, pas, ouais. Damien Narushima qui dit Va falloir te jeter à l'eau, sinon, euh, on va encore y être dans une heure. Bah écoute, Damien Narushima, si, si t'as un truc après, vas-y, ne hein, nous attends pas. Hein, je... Cité, voilà, chaque chaque stream, chaque stream, il y en a un. Eh, hey, dis donc. Eh, hey, j'ai payé, moi. Hein. Donc, euh, on passe à la suivante, là. Mais s'il vous plaît. C'est incroyable. Voilà, Spinoza qui dit, allez, c'est le Groenland et après Vampire Survivor. Je vais mettre l'Indonésie. Puisque vous me pressez, je mets l'Indonésie. Voilà. Mais si c'est pas l'Indonésie, c'est de votre faute. Bon, on va dire que c'était l'Indonésie riche, donc on va dire près de la capitale. Alors après, la capitale, elle est où en Indonésie euh, Voilà. On va dire. Euh, la mer est au nord. Ah, ça y est, c'est bien que la mer soit au nord. C'est cohérent. On va dire que par là. C'était Taïwan. Oh, bon, alors c'était Pengou. Ah, c'est une île qui apparaît dans les Tom Clancy. J'aurais jamais deviné que ça ressemblait à ça. Ressemblait à ça. Ok, c'était la petite ville de Changchui bah, sûrement, mais comme ces messieurs, les Taïwanais, ont jugé bon de se faire leur propre alphabet, histoire que ça soit plus compliqué, on pourra pas le savoir. Voilà. Bon, ça a l'air d'être Pengou, la ville de Pengou sûrement, quelque chose comme ça. C'était pas si loin, 3500 bornes quand même. Mais on va dire c'était la même, euh, c'était la même région. la même région. Un beau score finalement. Oh, ça sent la déprime soviétique, ça. Ça sent la dictature quand même, hein? Quoique, c'est presque un peu trop joli. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas assez pourri pour être la Russie. J'ai vu des yurts, nous dit Sweep. Euh, alors ça serait un bel indice si il y avait des yurts. Je vais essayer de trouver des yurts. Moi j'en vois pas. Pas d'yourt. Ah, ça euh, Non, c'est. Alors, ça, je sais pas ce que c'est par contre. Là, c'est le mystère. C'est la maison des Schtroumpfs. Ça, ça a l'air d'être une petite église. Est-ce que ça pourrait être une église orthodoxe qui nous mettrait vers la Russie Peut-être un petit dôme là. Finlande. Ça me paraît. Euh Ça me paraît un peu trop bordélique pour la Finlande. Alors peut-être que je surestime euh, les Finnois, mais. Euh Après, le paysage en lui-même, euh, effectivement, le paysage en lui-même, ça pourrait être effectivement la Scandinavie. Hein, parce que là, nous avons des, 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 des arbres de type scandinave. Hein. Non, c'est pas l'Islande, il y a trop d'arbres. Ouais, ou l'Estonie, un truc comme ça. Les Pays-Baltes, c'est pas mal. Parce que les Pays-Balpes, c'est quand même un petit peu plus haut de, gamme, euh, haut de gamme que la Russie. En même temps, ça garde un peu cet esprit soviétique où, où voilà, tu as envie de te flinguer dès que tu débarques là-dedans. Euh, et je dis ça en toute amitié, hein, évidemment, il hein, n'y a pas de, de souci. Je, je, loin de moi l'idée de juger. Euh, mais ça pourrait aussi être Amérique du Nord. Hein. Une, une, une ville un peu chelou en Amérique du Nord. Ah oh, non, quoique. Il y aurait plus de pick up Il y aurait des pick up partout. Là, on n'en voit pas un seul. Il y aurait des pick-up dans les cours et tout, là on voit pas de pick-up. Je regarde. Il peut pas y avoir quelques indices supplémentaires. Ouais, il y a d'avoir des petits, des petits potagers et tout. On n'est pas chez les bourgeois quand même. Hein. Ça sent la misère. Après, c'est original ce petit village. Hein. Regardez là, un hein, petit appartement au deuxième étage, on serait bien. Euh... Ouais, il y a peu de voitures. Euh, ça... Ouais, ça sent pas la richesse. Hein. Ça sent pas la richesse, je suis d'accord. Je pense que ça doit être dans cette, voilà, cette zone-là. Alors, après où L'Estonie, ça me plaisait bien, parce que ça ressemble à rien de ce que je connais, je connais pas l'Estonie. Donc, on va taper dans un coin de l'Estonie, histoire de. Tu as un côté de Tartu. Voilà. C'était la Russie. C'était bel et bien la déprime soviétique. Euh, mais alors, ça, par contre, en Russie, ce qu'on a vu, là, c'est les beaux quartiers. Hein. C'était le Neuilly de... de la Russie. Hein. Parce qu'il y avait. Oh non, c'était <laughs> pas mal. Voilà, c'était les. Probablement les datchas du. Les datchas des, des, des oligarques hein, qu'on a vus euh, Bon, c'est pas mal. 700, 770 kilomètres. Merci Tollzombie Zombie, merci euh, Archerock, un pouce euh, les frérots. Merci pour votre soutien. Ah, Rocket League, j'ai lâché l'affaire Archerock. Hein, ça me, c'est pas un jeu avec lequel je me contrôle. Quand je commence à jouer Rocket League, j'y joue 4 heures par soir. et Après, je me déteste. Donc, euh, Rocket League et le crocodile, j'ai dit, j'arrête. Non, c'est, euh, c'est pas pour moi. Alors là aussi on est bien. Belle petite plage. Ça pourrait être la France. Petit parc à camping-car. Toujours sympatoche dans une ville. Ouais c'est la France, je suis sûr que vous connaissez ça. Alors vous dites Douvres. Ouais, l'Angleterre, oui, pardon, j'ai la France aussi, mais oui, ça c'est les falaises anglaises hein, plutôt. Hein. Alors, il faut juste trouver de quel côté de la manche c'est. Est-ce que. Hôtel, putain, on peut pas lire, c'est dommage. Hôtel... Je peux pas lire. Est-ce qu'on sent le malheur britannique là-dedans Oh, c'est l'Angleterre. On ne mettrait pas une, une roue à la con chez nous. On a quand même notre dignité, non Oui, il faut regarder de quel côté ça roule. Mais oui, je suis con. Euh, et ça roule... Ça roule du mauvais côté. Euh, attends, merde. Non, là, ça roule tous les... Il roule tous... Non, OK. Ça, ça compte pas. Ça, ça compte pas non plus. Ça roule du mauvais côté, hein. Ouais. Enfin là, c'est tout un sens unique. Mais ça m'a l'air, ici, là, ça m'a l'air de se garer du mauvais côté. Hein. Enfin, je sais même pas s'ils sont en stationnement, si c'est du stationnement, c'est compliqué. C'est cette ville à la con, il n'y a que des sens uniques. Ah, oh, ça, c'est anglais. Moi j Vous avez déjà vu ça, vous, sur les côtes, euh, sur les côtes françaises KBT qui nous crie, c'est Dieppe. Vous êtes sûr c'est Dieppe ça C'est chez nous C'est la France Ok. Donc il y a des gens qui sont certains que c'est Dieppe. Je ne je saurais même pas placer Dieppe. Hein. Bon. Bah... Ok, on va dire Dieppe. Hein. Ça me paraît triste pour du Dieppe. Cela dit, il y a des tags, effectivement, ça peut être la France. Dieppe. Je vais faire confiance au. Alors, Dieppe, je ne sais pas où c'est. Hein. Euh, vous m'excusez. Alors, alors, ça va. Voilà, bon, c'est là, je l'ai trouvé, mais c'était par chance. Plage de Dieppe, effectivement. Là, il y a le Dieppe Terminal. Donc, on a vraiment l'air d'être euh, au-dessus. Ouais, le Dieppe Terminal, il est là. Ça, c'est le truc là. On est là. Ok, 50 mètres, ça allait. C'était bien Dieppe. À mettre fier, hein, C'est notre pays, on est content. Oh, ça, je crois qu'on l'a déjà eu. Ah, peut-être pas exactement celui-là. Ouais, on l'avait eu, c'était en Allemagne, c'était quelque part entre Francfort et Munich, un truc comme ça, et on avait été surpris de voir qu'ils avaient des vignes, et on s'était dit, mais si, finalement, ils ont des vignes, parce qu'ils font du vin blanc, le, le... comme les Alsaciens, là. Ouais, c'était l'Allemagne, en fait, ce qu'on avait vu. Alors après, c'est peut-être une autre, la même... Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, ah, on reconnaît, hein, les forêts, les forêts allemandes, avec la brume et tout. Ah, c'est bucolique, hein. Ah celui c'est mignon comme coin, hein. c'est vraiment pas dégueu. Hein. Ouais, c'était un truc par là, là. Voilà, c'était là. Voilà. Je vais mettre là et on, on, va, on va pas être loin. Voilà, on était à 58 km, c'était à côté de Heilbronn. On était ouais, déjà tombé dessus. Ouh. Alors ça c'est soit les fjords, soit au nord du Canada. Mais je sais pas vraiment. Est-ce que c'est assez encaissé, vallonné pour être les fjords Bon c'est découpé quand même. Ouais, la, la forme et tout, c'est quand même fjord. Ouais. On va mettre les Fjords. Et on va dire, tiens, voilà, des Fjords par là, là. Hop. 60 km. Ça va, on n'est pas trop mal. Euh, elle, elle est vraiment cool, hein, cette, euh, cette, euh, cette série de cartes. Merci, Clem Touquet. Moi, je trouve que c'est vraiment une des série de cartes que je préfère. 17 800 points. Standard. Vous, je vous le dis. Hein. Vous auriez fait 14 points et euh, vous vous seriez claqué un muscle. Pour vous donner une idée un petit peu du niveau qu'on demande en streaming sur, sur GeoGuessr en ce moment. Euh, on va. Quelle heure Il est ouais, il est 23 heures. On va se terminer comme des salles avec un petit Vampire Survivor. Je vous propose ça. Ça va nous distraire ça va être sympa. Je vais remercier encore une fois Clem Touquet qui, qui nous met à sa disposition son super site pour qu'on ait les des cartes géoguesseurs faites par la commune. Si vous voulez en envoyer une, voilà, vous voyez à peu près ce, qu on, ce que j'aime tout ça. n'est euh, pas, pas trop durs. Parce pas trop dur. Celles qui sont dures et que je galère pendant une demi heure à trouver le truc et tout, euh, ça passe ça passe moyen euh, en stream. Euh, tac tac tac. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il faut que je j'ai entendu un ping ping. Il faut que je remercie. Qu'est-ce qui s'est abonné Merde, j'ai raté un abonné, j'en suis. One subman Un poussou, frérot frérot, One Subman. Des poussous à toi. Merci pour ton soutien. Et donc on va se faire un petit... Euh, je vais changer le truc du stream. Euh, edit your stream title. On va se faire un petit Vampire Survivor. Ça dure une petite demi-heure. J'y joue en mode ultra méga super hardcore difficulté XX, avec tous les niveaux de curse. Vous allez voir, c'est cool. Hein. Euh, hop « Update ». Vas-y. J'ai « updated. Euh, toc, 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 toc ».« Quand est-ce que tu repasses la, le tribunal des bureaux le soir ?». Alors, le tribunal des bureaux, ce qu'on va faire, euh, c'est que la prochaine émission, je vais faire une émission où on va élire euh, les « Desktop of the Year euh, » Pour la saison qui s'est écoulée, on commencera une autre saison, l'émission d'après, qui durera jusqu'à la fin euh, 2022. Voilà, comme la première saison était un peu courte parce que j'ai commencé en fin d'année 2021, euh, on va voilà. Donc il faut que je prépare l'émission où on élit les, les les desktop of the year. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, non, pas que ça me demande beaucoup de boulot. Hein, c'est juste que je suis une feignasse. Hein. Euh, et puis ensuite, on repartira sur une autre euh, sur une autre série. Je pense que les les tribunaux des bureaux, je vais les faire peut-être les samedis soirs. Le problème, c'est qu'en soirée, en semaine, je suis souvent occupé. Et là euh, voilà, j'ai pas beaucoup de soirées, les soirées libres euh, en semaine. Par contre, samedi soir, dimanche, soir. En général, je suis libre parce que bon, évidemment, il y a plein de gens qui m'invitent pour des soirées euh, dans, dans des trucs très exclusifs auxquels vous, vous n'êtes pas invité, hein, mais moi j'y suis invité. Et bon, je refuse parce que je dis non, il faut quand même que je fasse des streams euh, des streams le week-end. Alors, je vais lancer Vampire Survivor. Hop il ah bah y aura les meilleurs et puis il y aura les pires aussi enfin voilà il y aura les voilà, fera... c'est ce qui me prend du temps c'est que je suis en train de faire des catégories il y aura les pires spaghettis les pires les, les, les trucs, les trucs comme ça S'il y a les pires je poste le mien il ah, faudra déjà être passé faudra faudra être passé là on prend on prend que ceux qui ont été euh, qui sont qui sont passés alors. Dites-y, le son est trop fort ou pas. Euh, je crois que le son devrait être bon. Euh, donc, alors, bon, le problème, c'est que j'ai tout. Euh... En fait, j'ai plus rien à faire. Euh, j'ai tout. Euh... Voilà, j'ai tout. Et je joue avec le curse en niveau 5, ce qui fait que c'est devenu. Bon, c'est devenu très, très dur. C'est pas devenu super, super, super dur. Mais c'est quand même devenu beaucoup plus dur que d'habitude. Le seul truc que j'ai pas fait pour l'instant, c'est terminer euh... le truc comme ça euh, en... avec le curse de niveau 5. Donc euh, je vais essayer là, je vais essayer de le faire. Euh, avec quoi est-ce que je peux le faire Qu'est-ce que je vais me faire comme petit Donc vous savez, c'est le niveau qui est comme ça, là, ça s'appelle The Tower, machin chose. Euh... Fredegonde qui dit qu'il y a une mage, bah oui, mais je l'ai, la mage là. Y a, y a pas... La mage qui est sortie, il y a, y a 4, 5... Euh... J'ai tous les... Ah non Ah, il y a une mage Il ah, y a une mage trop bien Trop bien! Parce qu'avant il y avait 88, euh, 88 achievements. Et là maintenant ils en ont rajouté d'autres. Ok. Alors, ah bah, très bien. Find and open the coffin in the Galo Tower. Justement, je voulais faire la Gallo Tower. Alors par contre, si je joue avec 5 niveaux de curse, je vais me compliquer la vie pour pas grand chose. Par contre, il me dit Fill 93 in the collection, j'en ai 88. Ça bug. Alors il rajoute deux arcanes. Ok, ça c'est cool. Et on peut avoir une évolue du à Marie et on peut avoir une évolue du Shadow Pinion. Alors Shadow Pinion, je sais pas ce que c'est, celui-là je ne l'ai pas unlocké. Je regarde un peu si j'ai loupé des trucs. Ah, il y a Conchetta, c'est une nouvelle personne. Donc c'est peut-être elle qu'on va unlocker dans le, dans le coffin de la, de la tower. Le Magic Banger. Ouh là 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 là. Unlock Music Selection. Ok, donc on va trouver le coffin dans la Galo Tower. Et on va... Est-ce qu'on le fait en normal euh, ah, vous n'avez pas de son bah, Excusez-moi. Si vous n'avez pas de son... Est-ce qu'on le fait en normal ou est-ce qu'on le fait en niveau curse maximum Bon, bon, en niveau curse maximum, je veux bien, mais ça va être... Ça, ça, ça peut être beaucoup plus dur. Hein. Le niveau curse maximum, il euh, y a quand même beaucoup, beaucoup plus d'ennemis. Euh, oui, c'est hyper mode, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr quand je joue en hyper mode. Euh, alors attendez, tac, tac, tac je cherche l'audio comment est-ce que ça marche cette merde euh... Pff, monitoring non c'est pas ça je me souviens jamais comment est-ce qu'on euh, audio audio windows oh, qu'est-ce que c'est que cette merde putain Euh, Dites-moi si vous avez du son là. Parce que j'ai pas, pas mis la musique. Hein. Vous avez rien comme son Merde. Oh, qu'est-ce que ça me lourde ces trucs là. Capture. Euh... Où est-ce que c'est déjà l'audio Aidez-moi, où est-ce que c'est l'audio là Oh, putain, comment c'est de la merde Streamlab. Ça fait un an que j'utilise ça, ça fait un an que c'est de la merde. Euh, source audio capture, où est-ce qu'elle peut être Là, elle est, elle est, pas dans audio Windows là. Si je mets, euh... si je mets Property, ça me met ça. Merci Bedland pour le Prime. Ça c'est bien la sortie du truc et puis c'est pas, pas le bon truc là dans le menu audio. Oh là 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 là. là. Oui, c'est vrai petit frère le, le meilleur son c'est ma voix mais euh, putain qu'est-ce que c'est de la merde Pourquoi est-ce que j'ai pas de truc capture de son là Pourquoi est-ce que je n'ai pas de truc de capture de son Où est-ce que ça peut être Là, c'est bien ça, mais c'est l'audio monitoring de vis, c'est pas ce qu'on veut. Oh putain, quelle soft de merde, je m'en souviens jamais. Là, ici, audio Windows, ça correspond à quoi, audio Windows, putain Vous n'avez pas de son là. Vrai. Quand je fais ça, je vais mettre... là je vais mettre le son à fond. Quand je fais ça... Vous n'avez pas de son. Putain. Oui, non, vous pourriez avoir que ma voix, mais c'est que j'ai envie de comprendre. J'ai coupé la zig dans les menus. Si, si, bien sûr, je l'ai coupé, mais vous devriez quand même entendre... Euh... Euh, quoi qu'attend Non, je l'ai même pas coupé. Pourquoi j'ai pas la musique dans les menus Pourquoi je suis en performance mode Je veux pas être en performance mode. c'est comme ça. Là, vous avez toujours pas de son là. C'est simple, je vais voir. Je, je le vois si vous avez du son ou pas. Euh, non, vous n'en avez pas. Mixeur de volume Windows. Euh, le son, il passe bien par... Le spdif machin, donc il arrive bien dans mon casque. Donc c'est spdif, c'est ça que devrait monitorer euh, ce compte Streamlab OBS. Et c'est ça qui ne réussit pas à monitorer parce que c'est un soft de merde. Bah, Attends, je vais mettre. Euh... Je vais rajouter une. Je, je sais pas, le truc, je ne sais pas où il est passé. On va mettre 5 euh, Capture. Audio output capture, euh, audio output capture at source, audio Windows. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Là, si je fais ça. Bon, sinon on s'en fout. Hein. Sinon, on joue sans son et puis basta quoi. Là, si je fais ça. Le petit engrenage à côté des sources, euh, si je fais properties. Euh... Voilà, là maintenant ça devient ça. Ah, c'est peut-être si je mets ça. Attendez, peut-être trouver. Euh... Non, toujours pas. Bon, on s'en avec. Hein. Allez, voilà. pas de son, ça sera très bien. Vous, Mettez-vous un, euh, mettez un petit morceau de jazz euh, sur euh, Spotify, et puis ça sera, euh, ça sera très bien. Ça passera aussi bien. Allez, start. Et euh, on va prendre Pugnella. Parce que j'aime bien euh, J'aime le. C'est pas ton son Google dans le Windows Mixer qui est down. Mais non, parce que moi je l'entends. Je l'entends, je l'entends. Ouais, écoutez-vous une petite musique, euh, ça, sera, ça sera très bien. De toute façon, bon, voilà, le son, il euh, n'y a pas. Il n'est pas indispensable dans le jeu. Euh, alors, on va se prendre Punyala, confirme. Et on fait Gallo Tower, Hurry, Arcana, pff, avec 5. Euh, avec 5... Euh, niveaux de curse. voir. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre Toc 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 toc. Euh, je vais faire le lâche. Oh, là, je prendrai les revives volant 2, mais je vais faire les critical hit euh, pour la hache principalement, pour la hache et le couteau. Non, projectile speed, parce que j'aime pas quand ça fait avant-arrière. J'aime pas, quand... pas les trucs de variation là. Euh, j'aime pas. Moins 50, plus 200. Euh, quand, si si, 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 si t'es en fin de partie, si t'es dans la dernière minute et que as une période à moins 50, tu te fais, euh, tu te fais bouffer. Donc, euh, moi, j'aime pas. Oui, j'hésitais ça entre les revives. Euh, bah, les revives, on peut le prendre en deux. Quoique, non, on va le prendre en Allez, on va le prendre en un. Comme ça, si on perd en début de partie, on sera euh, tranquille. Mais l'arme de début de pugnale, elle est pas mal. Hein. Ça va vite, hein. Oh là là. Alors, on pourrait prendre Song of Mana, qui est particulièrement adapté à cette carte, parce que Song of Mana, c'est un truc dans la verticalité. Le problème de Song of Mana, c'est que pour l'evolve, il faut le skull. Et le Skull va rajouter encore 10% de difficulté. C'est un peu le problème. Après, tu peux le banish pour pas avoir le, niveau, pour pas avoir le skull niveau 5, mais. Euh, oui, vous pouvez back citer, Jibi, euh, je m'en fous. Hein. Ah bah, oui, je suis pas obligé de l'évolver, mais euh, c'est quand même mieux de l'évolver, quoi. Elle est super puissante quand tu l'évolves. Ou sinon, on prend Fire Wand, comme ça on a Spinach après. Et Spinach, de toute façon, il le faut pour le, le, les dégâts. Non, je ne vais pas vous Ah, cela dit, ça Son Mana, c'est tellement bien pour cette carte. Ah, oh, ah, oh, que d'hésitation. Non, je vais jouer safe. Song, ouais mais Song, je vais pas l'évolve quoi. Ouais, c'est la dernière début de partie, c'est vrai que c'est bien. Allez, Song. Pff, je, suis, je, voilà, je suis sûr que je vais perdre à cause de Song. Je suis sûr. Au oh, purée. Ça pique. En plus, en début de partie, c'est bien, mais c'est quand même pas si puissant que ça. Euh... Est-ce qu'on prend l'axe maintenant? Je vais attendre le tirage. Je vais attendre les tirages. J'aime bien avoir la King Bible euh, très tôt dans la partie, parce que ça me rassure. Euh, je vais prendre le Spellbinder parce que, quoi qu'il arrive, j'aurai la, la King Bible. Je le sais. Donc, je prends Spellbinder maintenant, ça sera fait. Putain, il y a du monde déjà. Euh, hop. Je prendrai bien le garlic, mais je sais que vous avez eu relais. Ah merde, il y a un spellbinder en bas. J'ai pas regardé. Ah, j'ai pas regardé la carte. Ah je vais recommencer, j'ai pas regardé la carte. Et j'ai pas regardé où était le coffin. Je ne suis pas concentré. Euh, attendez. Merci euh, Casicraft. Un pouce ouf, frère frérot, merci pour ton soutien. Ah je recommence, je recommence. Vas-y, reroll, je m'en fous, skip. Ah, il y a un brasseur et il y a un spellbinder. Et il y, y a le coffin qui est ici. Ok. Euh, du coup, est-ce que le trajet, on peut le faire Le trajet, ça fait quand même 5, 6... Le trajet, ça fait au moins 1 minute 32 minutes en speedant. Euh... Ok. Ok, ok. Oui, j'ai pas regardé la carte. Autant pour moi. Pugnala, hop. Start. Top, top. C'est bien ça, Galo Tower. Euh, on avait dit qu'on allait prendre les revives dès le début. Et donc on fait Spellbinder au début. Putain mais après ça fait, ça fait, du, ça fait du trajet là. Hein. Mais cela dit là on peut aller vite et il y aura tellement de monde qu'en fait on va pas trop perdre dans le belling. Euh, ok allez. Ah par contre je vais perdre dans le belling au début. C'est pas très grave mais... Euh, tuk, 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 tuk. Vous prendrez Lighting Ring, vous, pour le dupli? Ouais, c'est tout pourri là. Après, ouais, il y a le dupli, hein. moi je le prends toujours le dupli. Ce hein. serait peut-être idée de prendre les chats sur cette map. Ouais, mais on peut pas les evolve, les chats. Alors on peut les, on peut les évoluer, mais je sais pas comment. Je sais pas encore comment on peut les évoluer. Si c'est trop, il faut les évoluer avec un truc que j'ai pas encore unlocké. On peut les évoluer maintenant les chats Non, je vais pas les prendre. Je ne sais pas. Avec le stone mask J'avais pas noté ça moi. Ah ouais. Ouais mais après le stone mask, c'est vraiment le power de merde quoi. Là je m'en fous l'argent, j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout gagné donc euh... je vais faire reroll. Allez, Spellbinder, parce qu'il y aura la King Bible quoi qu'il arrive. Ah mais non, le spell, mais non Oh putain. Oui, il y a un Spellbinder en bas. Ok, je vais me concentrer, je vais me concentrer, je vais me concentrer. On va y arriver, on va y arriver. Pas grave, il est tard. Allez alors objectif spellbinder, les brasseurs idem on prend pas. Euh... Pff, si on me propose que de la merde aussi. Euh... Firewand pour le spinach Non, pas garlic. F garlic Ah garlic pour le soin. Ouais, pour le soin avec le fouet. Moi, après j'aime bien Garlic, à hein. chaque fois que je prends Garlic, avant vous me disiez non, Garlic c'est que de la merde. Garlic c'est quoi déjà en plus? Le... Garlic c'est le Pumarola. Ok. Allez, Garlic. Moi j'adore, hein. mais euh, apparemment, euh, prendre Garlic, euh, c'est très mal. Euh, bah, garlic 2, comme ça on sera un peu de. On va se rendre un peu de niveau. On va mettre tout de suite. Pumarola, comme ça ça sera fait. On l'évolve le garlic, on est d'accord, parce que le but du garlic c'est d'avoir la... le, le soin en fin de partie. Oui, j'ai noté l'art-techno sur mon tableau, j'ai tous, les... <laughs> tous les trucs. Allez, Pumarola, hop là. On va prendre un peu de niveau maintenant et ensuite on fonce vers le bas. Euh, bon spinach on va pas le prendre maintenant. Quoique on peut le prendre maintenant. Je, 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 je le prends for forcément toujours euh, Spinach. Ouais, je vais prendre Spinach maintenant. Je le prends toujours. Euh, allez, hop. Je vais banish le gatia Mari. J'en aurais pas besoin, j'en ai pas. Après, si je prends le whip, le problème c'est que le whip il a le. Il a quoi déjà le whip Ah oui, il a le horti. tome, c'est quoi déjà C'est la Magic Wand Le bouquin, c'est bien pour l'évolution des flingues. C'est quoi les flingues Ouais, c'est la Magic Wand. Euh, c'est quoi les flingues Qu'est-ce que t'appelles les flingues, Dieu vomi Ah, le, le Fiera, là. Euh, ouais, bon, on le reprendra plus tard. Je, 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 putain, pour l'instant, je, 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 je suis pas mal. Pas besoin de faire des choix tout de suite. fire je le prends. Ça me permettra de, de faire des pushes en fin de partie. On va progresser un peu vers le Spellbinder. Euh, J'ai de la place pour encore une arme, mais il me faut... Voilà. Je pourrais prendre l'axe, qui est bien, parce qu'elle est dans la verticalité aussi. <laughs> voilà, il y en a sur le chat qui dit, ah, ça joue garlic. <laughs> J'en étais sûr. Si je prends garlic, il y a toujours un mec pour dire, ah, ça joue garlic, <laughs> je sais pas pourquoi. Y a, je sais pas, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre Oh, J'aime bien l'axe. En général, l'axe en DPS, en fin de partie, tu te rends compte qu'elle est quand même très très bien. Et puis l'axe, t'as le candélabre. Ouais, je vais prendre l'axe. Je vais prendre l'axe, j'attends la King Bible, et ensuite, quand je débloque le truc en faisant l'union du Firodel machin, là, je verrai ce que je prends en dernière arme. Ouais, ah, ça joue garlic <rire> Putain, <rire> vous êtes crave. Euh... Ouais, je vais prendre le haulers pour le... Ah ai... non, j'ai pas pris le fouet, finalement, merde. Ouais, j'ai pas pris le fouet. Euh, on va prendre le Puma. De toute façon, je vais... je vais en chier pendant tout le run, là, donc... Euh... Enfin, non plus exactement, en général, avec 5 niveaux de curse, t'en chies pendant la première moitié du run, et puis après, bizarrement, t'as tellement levé les que ça se... ça se simplifie vachement. Euh, la pitch one je peux pas la prendre parce que j'ai pas l'union après alors la song of mana après non faut que je vais... vais garder de la place pour la ou ouais, alors j'aurai de la place pour la king bible après mais euh... Pff... ouais bible hein. bah oui je sais que ça marche bien sur cette map mais euh... après si je veux encore une fois si je veux l'upgrade c'est le skull et le skull ça va me rajouter ça va mettre à 6 niveaux de curse quoi la curse, je suis à plus 50%, je vais être à plus 60% de curse. Je pense que sur la fin de partie, ça va faire une différence. Donc non, malheureusement, je ne vais pas la prendre. Trop risqué. J'ai jamais terminé ce niveau en curse maximum, donc je vais pas, ne euh... vais pas risquer des fins de partie encore plus compliquées que ce qu'elles le sont déjà. Euh, surtout, je me souviens qu'ici, elles étaient compliquées, les fins de partie. Antitone, c'est quoi déjà Je ne me souviens jamais de l'antitone. Ah oui, c'est la Magic Wand. Euh, bon, puis marron là... Il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Là, ce que je veux, c'est la King Bible. Oh, mais il y a une petite, une petite attractor. Bien. On va tuer un peu de gens ici. Là, je suis déjà dans la souffrance. Hein Bible impec. Oh là là, je vais, je vais déjà être dans la souffrance. Est-ce que je suis loin ouais, Je suis quand même encore un peu loin. Ah oui, mais de toute façon, il faut que j'attende d'avoir tous mes power up avant de prendre, le, avant de prendre le, les power up sur la carte. Euh, Tira, évidemment. Évidemment, le Tira C'est vrai que c'est pratique le garlic quand même en début de partie. Euh, tiens, les spinaches, ça simplifie un peu les choses. Après, finalement, cette carte, elle est pas très dure. C'est un peu que l'Ibrary, mais dans l'autre sens. C'est un peu que l'Ibrary en vertical, cette carte. Euh, hop, on a 2,48. On va prendre la tractor. Et on va prendre. Tiens, Firewand. Et on va se déplacer vers le sud. Euh, hop, hop, Un petit coffre. Allez, vas-y, pépère. Ils sont déjà compliqués, les squelettes rouges, là, avec, ce, avec les DPS que je fais. Tu meurs s'il te plaît Oh putain. Oh il m'a même pas laissé de... Il m'a même pas laissé le coffre ce bâtard. Ouais, je ramasse tout et je me casse de ce trou. Ah si, il m'a laissé un coffre, autant pour moi. J'ai médit sur lui. Allez Candela, bien sûr. Ce jeu, je le roleplay en me disant que c'est des gens qui veulent me faire signer une pétition. Et je leur dis non, non, s'il vous plaît, non, non, je ne vais pas signer votre pétition. Non. Parce que c'est comme ça. Hein. Si vous y à Paris, à la sortie de certaines guerres c'est comme ça. Hein. Vous avez les animaux, vous avez euh, les médecins sans frontières, euh, vous avez. Euh... Ah merde, j'aurais pas dû prendre ça maintenant. C'est pas grave. Ouais, tiens, vas-y, allez. Et en fait, c'est très réaliste. C'est vraiment ce mouvement, vous savez. C'est-à-dire vous vous déplacez, vous voyez qu'ils ils, ils, ils ont comme une tête chercheuse sur vous. Merci, Monsieur Lux, pour le prime. Un pouce souf, frérot. Tu m'excuses, je ne suis pas très concentré. Enfin, je ne peux pas trop lire le chat. Euh, de la merde, de la merde. Spinach. Ah, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la... Il y a de la petite orbe. Il y a de la petite orbe bleue. Ça, c'est agréable. Moi qui joue à ce jeu uniquement pour ça, pour les Ah non, pas le spellbinder. J'ai failli faire l'erreur encore, c'est incroyable. Concentre-toi enfin, Garlic, allez. C'est vrai que Garlic ça va être bien parce que le Sauliter en fin de partie il est quand même bien. Quand tu te fais ravager par les monstres et que tu peux te... Tu peux leur leacher toute la vie, euh... ça offre un petit confort. Euh, Vas-y, candélabre. En plus, avec le candélabre, il sera énorme. Avec la King Bible, j'aurai un une autre niveau de protection en, juste à l'extérieur du Sauliter. Ah là, ça va être dur. Ah là. Oh, là 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 là. Ah, là, je suis déjà dans la souffrance. Je suis déjà là, c'est dur. Euh, Garrick. Les têtes de mort, elles, euh, je vais avoir du mal là. Comme le niveau est quand même assez étroit. Ah, un petit peu de tunas. Toujours du bien. Euh, Firewand. Je sens que je vais faire une erreur de choix à un moment. Je ne sais pas pourquoi je le sens. Là j'ai failli choisir brasseur. Je ne veux pas comprendre que le brasseur, il faut attendre euh, d'aller chercher sur la carte. Alors la push. Ah oh, quel courage, quel courage, quel pro gamer. Ah non, un peu plus push. Pardon, non, non, je ne veux pas signer votre pétition. Non, non, laissez-moi passer. Allez. Un petit coffre. Est-ce que j'ai un truc. Non, je suis encore loin de quoi que ce soit. Euh, il faut que je prenne ce coffre et que je me déplace vers le bas parce que j'ai plus de deux power up à prendre avant de pouvoir choper les autres power up sur la carte. Allez, vas-y. Je pose une question bête, mais sais-tu que les petits cercles au sol sont des pièges Oui, oui, euh, Snurf. Après, euh, c'est pas des pièges bien gênants, quoi. Et puis, à la limite, ça te fait des... Il me semble que les ennemis qui apparaissent laissent des... Parfois, les chandeliers et tout, ça laisse de la, ça laisse de la petite orbe bleue. Le dupli, alors, euh, le dupli, je voulais le prendre avec le lighting machin, mais je n'ai pas pris le lighting. Mais je vais quand même prendre le dupli parce que de toute façon, qu'est-ce que je vais pas upgrader euh, Est-ce que j'aurai la place Ouais, on le prend le dupli, hein. Vous vous le faites avec le clic droit, le, les cinématiques de... Enfin les, les petits effets de coffre Moi je le fais avec échappe. Je joue pas du vous, Mais vous jouez à la souris, vous Comment est-ce que vous jouez à la souris Moi je joue tout au clavier avec les touches du clavier. Mais peut-être que je manque quelque chose. On peut jouer à la souris Ah oui, on peut jouer à la souris <laughs> je viens de découvrir. D'accord. Moi je joue qu'avec les... vraiment les quatre touches clichés du clavier. Comme ça, je... je peux me reposer mon menton. Comme ça, j'ai le menton soutenu. Euh, fallait que je parte au sud là. Non, attends, je ramasse un peu ça quand même. Il y a trop de, Il y a trop de bonbons là. Pardon, messieurs. Euh, non, pas le spellbinder. On va prendre le spinach. Oh non, le garlic, Allez. On va coucher un petit peu. Hop, hop. Pardon, messieurs. Non. Non, je ne veux pas signer la pétition. Non mais je, je donne déjà pour les pandas monsieur. Je, oui je donne déjà. Allez on prend tout ça. Hop 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 hop. Spinach. J'en avais pas vraiment besoin mais ça fait toujours plaisir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là S'il vous plaît calmez-vous. Oh j'ai mangé là quand même. Bon on va se barrer. On va aller chercher un dernier power-up en chemin. Oh putain, comment je... Oh, je... Ça y est, ça y est, je suis dans la souffrance. Ça y est, je ne peux plus avancer. Et il y a les serpents de merde, là. Euh... Spinach, allez, on hein. va se prendre 10% de plus, parce que là, ça commence à être un peu dur. Et on va se concentrer sur le ramassage, parce qu'en fait, je passe à côté de plein de petits bonbons. Par exemple, le rouge là que j'avais pas vu. Euh on va essayer. Si on a le, les petites ailettes là, euh, les petites d'upgrader très tôt, ça simplifie beaucoup de choses en milieu de, de partie. Parce qu'elles sont vraiment très puissantes. Ok. J'ai pas la mana, donc on s'en fout. On prend le garlic. Allez. Alors, on va descendre un petit peu. Là, rien qu'avec le plus 10 de spinach, là, le plus 10% de dégâts de spinach, euh, la différence, elle est quand même bien. Euh... Alors, on va prendre garlic et on va essayer de voir si on peut pousser. Oh putain, c'est quand même un peu dur là. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Petit passage compliqué à négocier, là. Oh là 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 là, là. King Bible, oui. Oh, quoique... Non, je vais prendre Garlic. Je pourrais le garder en Solitaire tout de suite après. Euh, garlic, c'est quoi C'est le cœur, oui, c'est ça. Comme ça, au prochain coffre, normalement, je peux garder le Garlic... Ça, ça va être bien. Ça va beaucoup me simplifier la vie. Et puis surtout, ça va me permet de ne plus avoir à me soucier de, mon... de mes PV. Parce que je vais leur leacher tous les PV que je veux. Oh, il y a du monde là quand même. Quand il n'y a pas le Garlic et la King Bible qui tournent, ça fait mal. Euh... Fire Wand, ouais. Je vais prendre le petit rouge ici. Le petit rouge en bas. Pardon, excusez-moi. La petite piécette, c'est important. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis de nouveau power-up dans l'upgrade dans là, parce que du coup, on n'a plus d'argent à dépenser. On n'a plus rien à dépenser. Oh là là, je le sens mal l'hiver, là. Euh, non, ça va, ça passe. T'as mes dégage toi, là, l'angelot. Ah, je vais aller prendre ça. Euh, on va prendre aid the Sparrow. On va encore essayer de faire un niveau avant d'aller faire le coffre parce que peut-être que je pourrais upgrader les deux, les deux petites ailettes juste regarder où j'en suis ok on va faire grossir le garlic comme ça ça sera pas plus mal allez là on se goinfre merci 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 et là j'espère que ça va me grader le garlic. Oh, j'ai un triple, allez upgrade de garlic. Allez le sauliteur, tout de suite. J'ai le sauliteur. ouais. Ça c'est bien. Là je vais pouvoir pousser bien comme je veux. Et surtout j'en ai plein à foutre des PV. Ou j'ai chopé un petit clover, impeccable. Le spell binder on le prend pas. On va upgrader la fire wand. La fire wand j'ai le spinach, ok on est bon. Prochain coffre on a une bonne fire wand. Mais ce que je voudrais surtout, c'est le Fiara Del Machin là. Ah c'est bon ça. 10 minutes, t'as déjà le saluteur. Ah on n'entend plus leur sale gueule, leur le aux os ennemi là. Vas-y, dégage toi, s'il te plaît. Oh là là, les serpents de merde, ils font mal ceux-là, putain. Oh qu'est-ce qu'ils font mal voilà, Je vais prendre l'attractor mais je me casse d'ici. On est encore à un niveau d'avoir l'upgrade des petites ailettes. Moi j'appelle ça les petites ailettes, hein. je ne sais pas comment vous. Oui, j'appelle ça le spinach, oui, désolé. Ah, ça serait bien si je pouvais avoir l'upgrade des petites ailettes là. Ah je souffre Oh mais quelle douleur Ah voilà. Le 8, le coffre. J'ai un coffre ou pas là Oui, j'ai un coffre. Ah, 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 S'il te plaît, vite. Vite le coffre. Là, il faut que j'ai l'upgrade des, des firos là. Oh putain, j'ai une arcane de merde. Euh, Est-ce que j'avais déjà pris le revive Oui, j'ai pris le revive. Alors après, ça c'est bien. Parce que je vais avoir le fierro Ah ouais, mais non. Est-ce que c'est pas la version upgradée Prendrait quoi J'ai pas les soins là. J'ai pas les soins. Merci Nicolas pour le Prime. Un pouce sous, frérot, frérot. Merci pour ton soutien. Le quatrième, c'est les soins Mais non. Hearts of Fire. Bah, les crits, ça va être bien, mais après, euh, ça va être bien pour la hache. Puis en fait, c'est tout ce que j'ai. Hein. Non, après, il faudra que je prenne les couteaux. Euh, si si ça va se libérer là en fait quand je vais faire l'union avec les deux. Quand je vais faire l'union des deux ailes, là je vais me libérer une place. Donc je peux prendre les couteaux. J'ai encore une place. Ah bah si. Si si. Ah si, si, j'en suis sûr. C'est comme ça que je joue. Euh, si si. Les, les deux ailes en union, elles font euh, elles, se, elles te laissent une place. Je suis pas dingue, attends, tu me fous le doute et me dire non comme ça de manière euh, autoritaire. Si, c'est comme ça que je joue tout le temps. Oui, oui, si, 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 si. Les boules de feu qui explosent. Sinon, je peux prendre ça maintenant, mais euh, comme ça, en attendant le prochain coffre qui me gradera les ailettes, euh, j'aurai euh, ça qui sera vachement plus puissant. J'aurai la hache aussi, ouais, je vais prendre ça. Allez, je vais prendre ça. C'est pas, pas ce que j'aurais voulu, mais... Euh, voilà. Oh là là, la souffrance. Pire. Oh la souffrance. Ah, je peux même plus avancer là. Il me faudrait les trois là. Je vais, je vais, euh, je vais, prendre King Bible parce que ça serait bien d'avoir une belle King Bible un peu plus efficace que ce qu'elle est maintenant là. Ah oh, les serpents de merde. Alors on va descendre un peu. On a, Il nous manque toujours un, un truc supplémentaire pour prendre les, pour prendre des brasseurs. C'est un peu chiant. Où est-ce que j'en suis Je suis à 2 cases, ça va, on est pas mal. Je vais rester ici. En attendant d'avoir mon dernier bonus. King Bible. Je ne sais même pas ce que je peux prendre comme dernier bonus. Il faudrait que je fasse le point là sur les, sur les évolutions possibles. Parce que je ne suis pas obligé de prendre le coup, les couteaux que je, dont je ne suis pas forcément un gros fan c'est directionnel j'aime bien les trucs qui sont pas directionnels moi moi je réfléchir, mieux ça me va c'est vraiment mon style de jeu dans vampire survival c'est la réflexion minimale ah, et puis Marola. bon là par contre au niveau de soin genre, au niveau du soin genre vraiment hein, pas de souci candélabre bah... et là après il va falloir réfléchir enfin réfléchir c'est vampire survivors hein. mais quand même euh, oui, je le veux, Pépère. Là, je veux ton coffre à toi. Vas-y, donne-moi ton coffre. Vas-y, donne-le-moi, Bata. Allez, là, il faut que ça soit euh, l'upgrade de Firo, Là, c'est l'upgrade de la Magic Wand, de la Fire Wand. C'est pas grave. On va persister. Ok. Ah. Allez. Alors, on réfléchit. Attention. On réfléchit, j'en fume une. Donc j'ai une place supplémentaire. J'ai upgradé, euh, upgradé le garlic. J'ai mon upgrade qui va arriver pour la King Bible avec le, brass avec le spellbinder qui se trouve ici. J'ai une upgrade pour la hache avec le candélabre. Donc, les bresseurs se trouvent là. Pourquoi est-ce que j'ai ça Ça, c'était pour le garlic. Ça, le tira, c'était pour ça. Ok, donc ces deux-là, elles sont bonnes. Donc, ce que je peux faire. En fait, j'ai beaucoup de choix là. J'ai beaucoup de choix. Je peux prendre une arme supplémentaire. Soit je prends euh, le lighting machin euh, pour euh, faire l'union avec le duplicateur. Soit je prends les couteaux. Mais il faut que j'aille chercher le brasseur là. De toute façon, il faudra que j'aille passer ici. Parce que ce que je veux, c'est aller libérer le coffin qui se trouve là. Euh, ou alors, je prends une autre arme complètement différente. Et je l'upgrade ici. Je peux prendre le fouet avec le. Non, il va, il va manquer l'Antitome. tome il me le faut quand même. L'Antitome qui réduit le, le cooldown des weapons. Donc en fait, il me faudrait l'anti-tome et la magic wand. Non. Je vais prendre l'Antitome ici. Non, je vais prendre petit tome là, et ensuite ici je prendrai soit les knives avec le brasseur, soit le lighting, soit les éclairs avec le dupli. Ok, donc je cherche en euh, petit Ok, je cherche en tome, c'est ce qu'il me faut euh, parce que le, la réduction du cooldown elle est vraiment euh, super importante. Magic Wand, c'est puissant, ouais, mais euh, pff, vous trouvez vous Magic Wand Moi, Je trouve pas sexy. C'est quoi l'évolution de la Magic Wand Non mais le, 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 la forme évoluée de la magic wand, je la prends jamais. Ouais, ça tire sans s'arrêter, mais le problème c'est que ça va tirer dans un sens, la fire wand va tirer dans un autre, et euh, du coup pour percer des trous, alors que si j'ai les si j'ai les knives, je peux vraiment diriger mes trous. Bon, bon mais je peux le prendre aussi, hein. je peux le prendre aussi. Euh, la fire wand c'est tome. ok. Mais là je cherche tome. ok. Oh là il mange, Regarde, ça c'est trop beau. Il mange avec euh, l'upgrade là, avec l'upgrade de, des ailettes, là, c'est trop bien. Ah oh, ah. Oh. Vous la fermez votre grande gueule maintenant. Bah oui, on vous entend plus, hein, hein Les signeurs de pétition, là. Ah je vais pas prendre le whip, oui, j'ai déjà le soin de toute façon. J'ai déjà le, le soin du garlic. On va se rapprocher euh, du spellbinder en bas pour upgrader évidemment. Ah là petit tome il est là. Ouais je prends prendre tome. Je prends petit tome. Allez hop. Euh, du coup. Lightning ring ou j'attends. Euh, ou j'attends la, la magic Ouais, mais Lightning Ring, le problème, c'est que comme c'est quand même assez random, pour percer des trous en fin de, en fin de partie, c'est quand même difficile. Hein. Ouais, non, je pense que je vais rester sur Baguette. Le Spellbinder, j'ai pas besoin de place, parce qu'en fait, le Spellbinder, je le ramasse sur la carte, donc il va, il va apparaître en bonus. Mieux que la Wand, quitte à Evo, plus fort. Bon, ok, allez, je prends Lightning Ring. Ah, je prends Lightning Ring. On a les veaux, c'est tout prêt. On n'a pas allé chercher les, les, les trucs là-haut, là. Donc comme ça, l'évolution arrivera plus vite. Euh, alors, est-ce que je prends le dupli ou la King Bible là Ah là, c'est tout bon là. Il faut, faut tout que je prenne en fait. J'ai besoin de tout. Je vais prendre le dupli tout de suite. Qu'est-ce qui me fait le plus de TPS là maintenant Je pense que c'est le dupli. Oh, j'ai encore... Deux clovers. J'en suis à deux clovers, ça va être trop bien. Euh, là, on va grimper. La Bible, la Bible. Euh, on va grimper. Ouais, le cooldown. Allez, je veux bien. Un petit cooldown réduit. Parce qu'en fait, le, les, 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 les triplés... Enfin, tous les éclairs, là, ils sont vachement bien quand le cooldown est vraiment réduit. Euh, King Bible 7, allez, on prend. Et là, vous voyez, début de partie difficile. Et à partir du milieu de partie, on a tellement levé Vélé. En fait, là, je suis niveau combien Je dois être niveau, je sais pas, 50, un truc comme ça, que ça se, que ça se calme vachement. King Bible 8, on attend un coffre. J'ai pas de coffre qui manque là Non, j'ai pas de coffre qui manque. Ah bah lui, il va me filer un coffre. Euh, on, re... là, on va prendre l'Axe. Viens me filer ton coffre, toi. Oh là, je me coinfre. Oh euh, axe aussi, très bien. Voilà, le coffre il est là. La King Bible. Pourquoi j'ai pas la King Bible Elle est pas 8 ah bah j'ai pas le spell binder, je suis con. Je vais aller chercher le spell binder du coup maintenant que j'ai tout, mais tout mais toute ma rangée de bonus. Donc je ramasse mon petit bazar. Euh, voilà. Voilà. Axe très bien. Un petit tome. Allez, on va en bas. Maintenant qu'on peut pousser facile. On va ramasser les rouges quand même par là. Ça m'embête de laisser des rouges. Je suis niveau 70. Même pas 15 minutes, même pas la moitié du chemin. donc... Euh où est-ce qu'il est, qu il, est Il est par là-bas. On va quand même ramasser ça. Ah, c'est bien ça. Allez, je le prends. Au revoir. Allez, bisous. Fin. Et ensuite on va remonter jusqu'en haut pour prendre quoi Pour prendre le bresseur. Ouais, c'est bien le bresseur. Avec la King Bible, c'est bien parce que ça l'a fait tourner tellement vite. Merde Qu'est-ce que j'ai pris Pourquoi j'ai pris un chicken Je suis con. J'en avais pas besoin. Où est-ce qu'il est, qu il, est Il est par ici, je le vois pas. Euh... Attendez, là j'ai un coffre. Ah, je suis complètement, complètement débile. Get, donc là je peux upgrader ma King Bible. Hop, allez, vas-y, King Bible. Dommage. Oui, bah c'est dur à voir, hein. C'est difficile à voir. Euh, J'ai une mauvaise vue. Euh, la cinquantaine approche. Que voulez-vous Allez, on remonte. Non, je suis con. On remonte. On remonte. On remonte à toute vitesse pour prendre euh, le, le brasseur, le Claude Brasseur, comme on dit nous autres les programmeurs. On a des noms techniques pour tout. Eh, ça rame un peu, hein. J'ai enlevé le performance mode et en fait, j'ai l'impression que même la 3080, là, elle souffre. Qu'est-ce que c'est que ce bazar Je ne les ai jamais vus, ceux-là. Là, il y a un petit coffre. Allez, allez, au revoir, monsieur. Les haches, très bien. Oh, je me coiffe. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon de ramasser toutes ces orbes. Bon, là, je me dépêche hein, parce qu'en fait, il faut vraiment que je remonte. Euh Ouais, je prends un peu à droite, à gauche quand même. Est-ce que je suis loin Ah oh, je suis loin. Pouf. Je vais zigzaguer un petit peu. Prendre quand même l'argent. Vous manquez rien au niveau du son parce que le bruit des éclairs, il est infect. Les éclairs qui n'arrêtent pas de tomber, là ça fait C'est très pénible. Le petit poulino. Allez, on prend les piécettes. C'est pour ça que. Oh là là, pour tout, ce que, tout ce que je. Tout ce que je ne prends pas en recul, ne en, en reculant pas. Non, je ne veux pas signer votre pétition. Non, désolé, ça ne m'intéresse pas. Allez, on se rapproche. Bon, là, on, on entre dans la phase vraiment stratégique du jeu. Hein. Vous le voyez, chaque, chaque décision est mûrement réfléchie. Ah, ça devient vraiment réservé aux pro-gamers. Hein. Est-ce que je vais à droite Est-ce que je vais à gauche Quand même compliqué. Hein. Est-ce que je prends le poulino Est-ce que je prends l'argent C'est dur. Hein. Je ne sais pas si vous avez essayé le nouveau niveau de l'avant-dernière update, là, au Soleil Mio, là, mais. Oh il est difficile, même en mode normal, enfin, sans curse, quoi, ou avec un ou deux niveaux de curse, j'avais du mal à le finir. Je trouve que la difficulté augmente vraiment... Bon, alors là, ça se voit pas, hein. mais la difficulté augmente vraiment euh, sur, sur les cartes, quand même. Entre Librarie, qui était tout facile au début, et puis maintenant, là, au Mio, qui est euh, quand même bien difficile. Il Faut vraiment faire attention à ses armes, tout ça. Euh, oui, ça, je prends. Allez. Hop, au revoir. Où est-ce qu'on est, qu on, est on se rapproche, très bien. On va accélérer la King Bible et on va le grader dans pas longtemps. Et là, ça va être la boucherie. Alors où il est le bresseur Oh attends, je vais rester un petit peu là, me choper du. Pff, non mais j'ai même pas intérêt à lever les, j'ai déjà tout là, je m'en fous. Je vais tout prendre et puis je vais me barrer. Alors, où est le brasseur Il est encore un peu plus haut. Je vais essayer de ne pas passer à côté cette fois-ci. Il est là. Oh merde J'ai même pas regardé ma, ma vie, mais je suis en. Mais je suis en grand danger là Mais c'est fou Quel est donc ce mystère Heureusement que c'est des ennemis faciles. Et heureusement que j'ai le garlic. Euh, je voudrais bien un petit poulino là. Oh, il y a un coffre par là, ce que j'ai pas vu. Bon, je vais aller chercher le coffre, hein, mais euh, j'ai pas fait attention. Et ensuite, il faut que j'aille faire, le, que faire le, le cercueil aussi. C'était quand même le but principal du niveau. J'espère que je vais pouvoir remonter tranquille après. Donc là, ça va me m'upgrader la Bible. Yes! Ah, ça va aller très très vite. Ah, oh, c'est beau! Quel PGM D'une main. Hein. Attention, regarde, je lâche la main. Je, je suis bien capable de le faire. C'est des années d'entraînement. Hein. Croyez pas que ça soit facile. Hein. C'est très très technique, vampire survivors. Hein. C'est extrêmement technique. Vous vous rendez pas compte. Hein. Moi, je trouve que c'est plus technique que les échecs, par exemple. Oh, triple coffre, triple bracers. Merci les petits amis. Et là, plus personne ne me résistera. Un petit poulino, mais ça c'est juste un petit snack pour la route, j'en ai pas besoin, c'est juste parce qu'il me faut un peu de prot avant les 5 dernières minutes. Euh, le cercueil, eh ben on n'est on est, on est pas, pas rendu. Hein. Oh, que, quelle bonne surprise de constater qu'il y avait une update juste au lancement du jeu. En plus les updates là, elles arrivent vite, hein. c'est quasiment toutes les semaines il y a une update, je ne sais pas s'il a une s'il a une un, 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 s'il fait ça régulièrement, si genre il se dit tous les toutes les semaines il y aura une update ou si c'est plus irrégulier mais euh, il continue à bien bosser le type hein. Alors il y a quelqu'un sur euh, Twitter, je sais plus ou Discord qui m'a qui m'a conseillé euh, Nomad Survivor qui est apparemment un jeu qui surf sur la vague Vampire euh, Survivor mais avec euh, avec quelques nouveautés, c'est le même genre hein, c'est de la 2D et tout, de la survie euh, exactement pareil. Mais euh, je sais pas qu'il est je sais pas euh si vous l'avez essayé sur le chat Nomad Survivor, c'est sorti il y a quelques jours. J'ai vu qu'il y avait 1500 1600 joueurs, un truc comme ça, un petit coffre. Allez. En fait, il a réduit le nombre d'updates, c'est une tous les 15 jours. OK, d'accord. Bonne nuit niche automate à la prochaine. Merci d'être resté si tard. Alors, troisième arcane. Je me souviens plus ce que j'ai. Euh, OK, voilà, bah je vais prendre le healing quand même. Ça, c'est pas très utile pour ce que j'ai. Ça, j'aime pas. Là, les moins 50 plus 200, j'aime pas. Je dirais pas que c'est du crack le jeu, mais j'y joue quand j'ai besoin de me laver le cerveau une demi-heure. Bon, on prend le healing, on est d'accord. Hein. Moins 50 plus 200, métal les brasseurs. Les boules de feu qui rebondissent. Attends, je les ai les boules de feu. Euh. Le healing, ça rend le garlic pas inutile. Ouais. Et comme ça en fin de... Oh je vais prendre le healing. Ouais, recovering HP damage near euh, nearby enemy for the same amount. Ouais, non, c'est bien. Healing is double quand même. Ça double la, la puissance du garlic. Donc... Euh... Ouais, 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 je prends la ligne. Allez. Euh, cercueil maintenant. Poussez-vous, s'il vous plaît. Non, euh, écartez-vous. Écartez-vous. Non, je ne veux pas signer votre pétition. Non, écartez-vous, s'il vous plaît. Non. Oui, je, non, pour le loup des Pyrénées, je, moi, je veux qu'il disparaisse. Euh, où est-ce qu'il est, qu il, est Il est par là. Poussez-vous. Poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous. Non, je suis pro -gamer. Ne m'approchez pas, je suis pro -gamer. Alors le petit cercueil où est-ce qu'il est, qu il est Mais il est en dehors du truc. Ils ont oh là 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 attention Qu'est-ce qui se passe là Mais qu'est pas ça Mais le cercueil est à l'extérieur du jeu Expliquez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe Attends, je vais chercher euh, Dieu vomi, mais euh, j'ai un petit coffre. Je vais chercher, c'est pas comme si j'étais stressé par les monstres là. Ah oh, c'est dommage, vous n'avez pas la musique. Euh, comment est-ce que je peux passer à l'extérieur Il doit y avoir un passage secret à la con. C'est pas par là. Non, il n'y a pas un petit passage là Merde. Oh sinon je vous demanderai la réponse. Hein. Il est hors de question que j'ai perdu une demi-heure et que je récupère pas le, le cercueil. Euh, par là, non. Par là, non. Il n'y a pas une petite statuette à activer à la con. Ou alors ça se trouve, il fallait que je fasse tout le tour comme ça là. Et là je m'en tire une, hein. je vous le dis, je m'en tire une. J'aurais dû regarder sur la Vampire Wiki. Non, là, ça marche pas. Peut-être avec les pièges ici, là. Un petit truc qui s'ouvre. Non, un petit passage. Non, je ne sais pas, dites-moi. Non, dites-moi le passage secret. Moi, j'ai rien à battre des passages secrets à chercher et tout. À gauche. À gauche, il y a un miroir. Ah, d'accord, ok. Oh là 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 là, mais quel suspense. Nouveau personnage. Thank you, Alors, qui est-ce qui va qui qui est-ce va me libérer là Je vous fais la musique. Concetta Cacciotta. Ok, elle a l'air d'avoir une guitare électrique. Trop cool. Euh, je vais quand même récupérer mes petites piècettes. Comment est-ce que je me barre de ce 3A Je veux m'en aller. <laughs> je veux partir. Ah, d'accord. Oh bah je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché la première fois que je suis allé sur le miroir, mais euh, voilà. Allez, petit poulino, hop, 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 là il y a du rouge, il y a du rouge un peu partout. Je pensais que ça serait un peu plus dur quand même euh, avec toute la difficulté euh, du, du, du curse là. Je peux faire ça toute la nuit hein, les coffres, ça ne me dérange pas. Je crois que le max que j'ai fait c'est niveau 149, il me semble que j'ai jamais fait niveau 150. Et je crois que j'ai fait 15 000 de, 15 000 de pognon. Je n'ai jamais fait au-dessus. Bon, on l'a vu c'est tranquille à 24 minutes. Je pense que je devrais pas avoir trop de mal à... Parce que là, vraiment, je le roule dessus. Hein. Je devrais pas avoir trop de mal jusqu'à la fin. Ah ben là, j'ai la bulle euh, garlic plus... Euh, garlic plus euh, olive spurs là. Y a personne qui rentre on va être à 7007 à 25 minutes ce qui veut dire qu'on devrait terminer au moins à 13000 de pièces d'or minimum ou oh, à même plus on va terminer aux alentours de 15000 je pense parce qu'avec les revives vont se goinfre à la fin Je crois que c'est même plus facile avec le curse maximum que sans curse en fait. Parce que tu, tu level tellement vite en fait. Euh, hop. Ah, il y a le crabe. Va-t'en, vilain crabe. Il peut même pas sortir ses pinces. C'est lui qui sort ses pinces normalement. Ouais, casse-toi, bâtard. Tu as testé 10 minutes still down, démo disponible. Euh, non, j'ai pas testé euh, The Number 7, mais euh, je testerai. Attends, je vais noter. C'est quoi comme genre C'est un Vampire Survivor-like aussi facile c'est le problème quand, on, quand vous avez un niveau de programming comme moi c'est qu'en fait vous cassez rapidement les jeux quoi les développeurs peuvent pas suivre les développeurs peuvent pas créer euh, des jeux qui sont qui soient capables de, de challenger mes skills si vous voyez ce que je veux dire après je pense que le jour où ils nerf euh, les olives euh, je sais plus jouer hein, parce que je fais c'est oh, attention Oula ça commence à piquer là 26 minutes. Non, ça pique, ça va. quoi. C'est juste que je peux pas avancer à fond. Je peux pas avancer à fond de 6 sur la file de gauche sans regarder où je vais. Mais sinon ça va. Ça ramait pendant un moment, mais là ça rame plus. Non parce que ce jeu, niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Oui, oh, mais je suis d'accord. Hein. Dû... Après, je n'y ai pas joué beaucoup. Je pense que j'y ai joué quoi euh... Je sais pas, 15 h 20 h un truc comme ça. C'est pas énorme. Hein. Et j'y joue jamais 4 heures de suite. Hein. Moi, je fais une partie et puis après, je, je, vais... je passe à autre chose. Je n'ai pas besoin de bouger, je peux lire le chat. Ruvon vous parlez, de, vous parlez de 10 minutes till down, c'est ce Merde C'est pas grave, j'ai du revive. J'ai du revive, j'ai du revive. Ne vous inquiétez pas. Je suis un programmeur, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est bien, ouais, 10 minutes till down ah, Je vais l'essayer après le stream alors. Euh, attendez, je me reconcentre. Alors, oui, donc là c'est les lions. Les lions, ça commence à être difficile, attention. Il y a les lions plus les serpents. Ouh là. là. Bon, on va se faire un peu de tunas encore. Parce que dans une prochaine update, il y aura bien des nouveaux trucs où dépenser notre, euh, notre moula. Sans les mains. Quel talent. Quel talent. Ah, j'aime bien. J'ai une attract orbe. Je vais essayer de maximiser le nombre d'orbes qui m'arrivent sur la gueule en même temps. J'adore faire ça. C'est orgasmique, je trouve. Vous savez, vous attendez très longtemps. Voilà, vous attendez d'avoir plein plein d'orbes partout et ensuite vous utilisez la tractorbe et vous les voyez toutes qui font pff, comme ça, ça c'est trop génial. Ah attention, il y a encore l'autre qui m'a fait chier tout à l'heure, je vais pas te laisser, j'ai pas moi une deuxième fois à cause de toi, t'es gentil. Voilà, casse-toi pas. Salut tout le monde, ce qui rend le jeu trop facile c'est qu'on débloque avec l'argent aussi quand vous voulez un peu de défi, virez tout. Oui mais si tu mets les niveaux et les cœurs sans plus, quoique ouais non en fait. Non. C'est vrai que, que l'argent il faut, il faut en fait il faudrait faire il faudrait jouer Vanilla en refund les Power Europe et puis euh, Et puis euh, voilà jouer jouer comme au début quand on en chier Allez attention Attractor. Oh c'est tout Oh je suis déçu Déçu, déçu, déçu déçu. Bon là ça commence à picouiller un peu, mais on a une minute trente de la fin et on peut... Non, on peut quand même push comme un bâtard. Non, donc... oh, j'ai cassé le jeu. Je suis trop fort pour les, bons... pour... pour les jeux vidéo maintenant. Suffering from, from success. Ce qu'il me faudrait, c'est un Steam pour PGM, avec que des jeux très très durs, qui mettent vraiment mes skills à... À rue d'épreuve parce que ça c'est des jeux pour vous c'est des jeux mainstream donc vous vous trouvez ça difficile mais moi pour moi c'est c'est juste un dimanche un dimanche soir comme les autres quoi bon, attention là, ça commence quand même un petit peu à revenir ouais donc quand entre garlic et tout 40 secondes 40 secondes avant le supplémentaire attention Oh, là, je vais essayer l'arme de la, de la, du nouveau perso, là. Je vais essayer l'arme du nouveau perso après. À quelle heure il est Oh il est minuit Ouf. Non, c'est qu'ensuite j'ai une after euh, au Palladium. Donc, euh, mais c'est bon, c'est pas avant 4h du matin. Il y aura David Guetta, Bob Sinclair, euh, Kanye West. Il y a Sheldish Gambino aussi qui a dit qu'il viendrait nous claquer les bis euh, vers 5-6h du mat Je voudrais pas rater ça. C'est pour ça que j'aurais récite, hein. Sinon... Euh... Ça rame, là Ça n'a pas l'air de ramer. Ah bon, le stream est en PLS Merde. Attendez, il faut que je ramasse des rouges encore. Moi, ah oh, j'ai même pas fait 10 000. Ouais, c'était les effets, oui, c'était les effets qui, qui ramènent un peu. Non, je vais pas gagner beaucoup d'argent finalement. Enfin, sur ce stream, si, mais dans, euh, dans Vampire Survivors, euh, non. Un peu déçu. Je sais pas ce que ça représente, l'espèce de bulle, l'espèce d'eau avec les bulles, là, c'est quoi? C'est. Euh... J'ai jamais trop compris. J'y fais jamais trop attention, mais je sais que des fois ça arrive pendant les niveaux. 13009. Le Fieragi toujours qui fait plein de DPS. Euh, et j'ai unlock Conseta. Bon allez, je m'en fais exceptionnellement. Je m'en fais une autre partie. Mais c'est exceptionnel. C'est parce que j'attends de pouvoir aller. Euh, j'attends la limousine qui m'emmène au Palladium euh, tout à l'heure. Alors, on va débloquer concetta que je ne connaissais pas du tout. Et euh, Solem, il est ah, non, C'est pas, pas, Je parlais du, du nouveau niveau tout à l'heure. C'est pas le nouveau niveau. C'est pas au Solemio. C'est euh, Bonso, bonne machin, bonne zone. Je sais plus quoi. Hop. Confirm. Vas-y, Confirm. Confirm. Qu'est-ce qu'elle a elle Ok. Euh... Donc le Magic Banger. Ok. Musique sélection. Sans s'en fout. File 80. Entra... Non mais ça bug. Hein, J'en ai 89. Il ne me le met pas. Je suis sûr que c'est un bug du développeur, ça. J'en suis sûr. Il me demande et demi, 31 minutes dans l'inlay librairie. Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on peut se euh, Comment est-ce qu'on peut se mettre à 31 minutes Moi, je réussis à tenir jusqu'à 30 minutes 30 ou 30 minutes 40. C'est la collection Palais Succès. Ah, d'accord, Black, Black OK. Clock 7 plus Tom. D'accord, OK. OK. J'essaie rien de ces jours. Des villes... Ah, les lauriers, ça protège contre la mort. Ok. Bah, avec les revival, tu peux dépasser 30 minutes 30 sans trop de problème, mais après, ça devient, ça devient chaud quand même. Euh, donc, il me faut 99 minutes avec Conchetta. On va essayer de faire ça. Bon, on va aller dans la librairie. On va prendre Conchetta. On va aller dans la librairie, qui n'est jamais trop difficile. Ça, c'est pratique pour ça, même si je l'ai... Toujours un peu trop fait ce niveau quand même. Euh, tac, 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 tac. Et puis je vais découvrir sa nouvelle arme que je ne connais pas du tout. Euh, Qu'est-ce qu'on va se mettre euh, Est-ce qu'on se prend tout de suite les Revival Ça j'ai pas, ça j'ai pas... Euh, Est-ce que je prends les dégâts critiques pour toutes les armes de slash Ouais, je vais prendre le fouet par exemple. Je vais prendre le fouet lâche et puis peut-être les couteaux. Voilà, on va faire ça. Euh, ouais, Fouet, hache, couteau, voilà. Oh là là Ah, d'accord, ok. C'est des trucs qui percent le sol. Elle a l'air d'avoir une guitare électrique. Euh, bon, on va prendre le whip, tiens. Ou on pourrait prendre. Non, non, on va pas prendre le pitch one. On va prendre le whip. On va jouer classique quand jouer... Oh, t'as son whip. Tant qu'est-ce que c'est Ah non, c'est pas le whip. On va prendre le FIARA. J'aime bien le FIARA. Appuie sur A ou clique sur A. Attends, je prends le FIRA. Ça fait quoi le FIRA Le A, ça fait rien pour moi Ça fait rien, A euh, Non, on va banish. Je vais banish l'attractor. Tiens. Bah, C'est un nouveau coup. Quand j'appuie sur A, ça fait un coup. Non mais si on me change les contrôles du jeu, ça ne va pas du tout. Là. Je, je... Les, les touches fléchées, ça m'allait très bien. Ah non, ça ne va pas du tout. Du coup, j'ai utilisé les deux mains. Ah non, là, je ne suis pas content. Ah non pour moi on doit pas tirer dans... Euh... Jamais on doit tirer dans Vampire euh... dans Survivor. Non mais qu'est-ce que c'est que ce. Attendez. Ah oui, puis je peux tirer autant que je veux. Bah non Non mais c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale et puis, et, puis, et puis bientôt on va pouvoir construire sa base, et puis ensuite ça deviendra un jeu de survie. Et puis. Non mais. Euh, je, non. Ah je suis choqué. Choqué et déçu. Ah là je le dis, hein. Je mets les pieds dans le plat. Choqué et déçu. Ah non mais je vais pas passer ma vie à appuyer sur A comme un con. Ah ouais ouais, je peux appuyer sur A, ça tire et tout. Oh là là Non 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 En plus ça tire random, hein. Ah, pas content du tout. Ah, je vais écrire les télé 7 jours. Hein. Et puis du coup, ça me déconcentre parce que je me dis, ah tiens, maintenant il faut que je tire. Du coup, je me concentre moins sur mon placement. Ça fait des dégâts quand c'est au sol, mais tu peux les sortir. En fait, ça tire selon la direction à laquelle tu vas. Ah non, c'est nul. Ah, mais là, c'est le drame. Et qu'est-ce que c'est que cette touche verte Cette flèche verte Ah non, mais il y a trop de changements. Non, ça ne va pas là. Non, non. Il y a trop de changements. Mais ça... Non, je... Non. Je ne suis pas content du tout. Oh, la déception, dis donc. Le mec, il avait un super jeu, il s'est dit, oh, bah, tiens, on va... on va rajouter ça. Personne ne lui a demandé. Hein. Tout le monde trouvait le système génial. Vous savez quoi, je ne vais pas l'utiliser. Je refuse d'appuyer sur la touche A. Je laisse ça au non programmeurs Ouais, eh ben c'est pas, pas brillant. Hein. On va prendre l'axe aussi. En plus, ça tire quand même de temps en temps, mais moins souvent que si tu appuies sur la touche A. Du coup, peut-être jouer à la souris. Ouais, mais non, je vais pas passer une demi-heure à cliquer aussi. Euh, ça va, quoi. Euh, on va bannir euh, la crône. Oh, quelle déception. Et puis, des fois, ça le fait pas. Des fois, tu sur A, ça le fait pas. Non, mais c'est tout pourri comme système. Hein. Euh, faut que j'aille où Faut que j'aille par là, prendre un petit tome. Euh... Pff, oh là là Non mais autant jouer Gauntlet, hein Très déçu. En plus ouais, c'est ni directionnel ni, enfin, n'a pas de. N'a pas d'intérêt ce système. Oh là, là là, et puis je mange là. Non mais parce que je suis ronchon, je suis pas concentré, je suis ronchon là. On m'a changé mon. Euh, je vais pour... On m'a changé mon vampire survivor là. Ça devient clic click survivor. C'est cookie clicker maintenant, ça y est. C'est cookie clicker. Ah super. Non mais pour la prochaine arme, faudrait utiliser la molette de la souris. Euh... Euh, faut, que, faut que je trouve la. Faut que je trouve la. Qu'est-ce qu'il y avait comme truc Il n'y a que de homme ici, ok. Faut que je trouve la King Bible, qui est une vraie arme, elle. Ah, bientôt, il faudra, faudra tourner les pages de la Bible, enfin, non, mais c'est. Ah, King Bible. Je l'appelle, elle arrive, ma fidèle. Ah, apparemment, ça tire quand le personnage s'arrête. Donc, on n'a pas à appuyer sur le truc. Ok, d'accord. On n'a pas forcément appuyé sur le truc, ce que je veux dire. Ouais. Trop de changements. Hein pas du tout. Bah, C'est bienveillant et chill, là, saute. Voilà, je dis juste que je suis déçu euh, de, de la direction que prend Vampire Survivor. Je veux dire, merde, quoi, j'ai quand même investi euh, plus de euros dans ce jeu. Donc j'aimerais que mon investissement soit rentabilisé, quoi. Et c'est pas en me faisant appuyer sur la touche A euh, que, que ça va se rentabiliser. Ça me paraît évident, quoi. Bon, concentrons-nous. On va quand même terminer ce niveau à la con. Il faut que j'atteigne le 99 avec euh, la petite demoiselle à la guitare électrique, là. Allez. On se concentre, le placement. Euh Anticipation. Le mental. Très important le mental dans Vampire Survivor. J'ai vu beaucoup de gens euh, qui perdaient à cause du mental, qui ne croyaient pas en eux. Ils se disaient non, c'est trop dur, il y a trop d'ennemis, euh, mais. Je vais prendre... Euh, non, il faut d'abord que je prenne l'autre côté du fierro là. L'autre côté du Fieragi, je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, on peut éviter d'appuyer sur la touche A et puis simplement arrêter le personnage. Bon, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais, mais quand même. Euh, oui, on va prendre le art tout à fait. En plus, ça ressemble un peu au, au Whip et tout. Enfin, pff, on pas trop le, je vois pas trop l'intérêt. Après, peut-être que le mec, il est en il panne d'inspiration pour les armes, hein, parce que la série, il a tout fait. Hein. La lune de ses dernières armes, c'est quand même des chats qui se rentrent dedans et qui se battent. Hein, donc, euh, si. Peut-être qu'il a le, 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 le pif dans le saladier de coke et qui se dit hey, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme arbre, j'ai plus d'idées, et puis il prend... Voilà. Dur pour lui aussi. Hein. Euh, je voudrais bien l'autre fiera, s'il vous plaît. Enfin le wing of machin. Hein. King Bible, alors la Song of Mana pour le coup ici elle sert pas à grand chose, c'est pas le bon sens. En plus je veux pas critiquer mais ils ont changé les musiques, hein. vous les entendez pas parce que j'ai pas réussi à trouver le son mais euh, les musiques ont un petit peu changé et je les trouve moins funky. C'est des trucs un peu plus lents, je suis pas fan non plus. Ouh là là ça commence à sentir le roussi pour Vampire euh, pour Survivor hein. Vous savez quoi, je pense que Vampire Survivor, ça va être le Daisy des Dark Souls. Je le sens bien comme ça. Est-ce que je peux upgrader un truc Certainement pas, je pense. Tiens, on va faire ça, mais je pense que je suis très loin de l'upgrade. On va se servir ici. Oui, c'est ça, Tipeerette Casuella, oui, il est au bout de ça. Il est au bout de sa life, le développeur. Après il a dû en vendre des millions, je comprends même pas pourquoi il continue encore à bosser. Moi je prendrais le code source du jeu, je foutrais tout à la poubelle Windows et je partirais en vacances 45 ans. Les gens sur Steam diraient Ouais il a pas terminé le jeu, c'est de l'Early Access, gna 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 et moi je serais en train de siroter un Kir Royal au bord d'une plage en Thaïlande, en rigolant. Après, c'est peut-être ça qu'il a corrompu. Hein. Maintenant qu il est... Avant, il avait une, une M pure, mais maintenant qu'il est corrompu par l'argent, il se met à faire des armes complètement. qui sont pas du tout dans l'esprit du jeu. Du King Bible. Whip Allez Et il me faut vraiment l'autre partie de la fiera machin, là. Sinon, ça va pas aller. Euh, pff, et on va avancer un petit peu. Ouais, non, on n'a même pas besoin d'avancer vers tome parce que on est déjà bien avancé. Il nous manque encore des power Europe. Allez, venez les petits. Je veux de la verte et de la rouge, s'il vous plaît. La bleue, j'en ai assez. C'est bon. Et plus tu t'arrêtes après avoir marché longtemps, plus il y a de trucs qui sortent, plus l'arme se déclenche. Ouais, c'est ça. En fait, il ne faut pas s'arrêter et marcher, 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 et ensuite s'arrêter pour la déclencher. Plein d'armes, euh, des espèces de, de rayons noirs, là. Hop. Voilà, si, si je fais juste ça, des petits coups comme ça, c'est pas terrible. Alors que si je bouge beaucoup, et qu'ensuite je relâche, là, ça en fait plein. Astuce, notez sur vos calepins. Mais tout à l'heure, il ne faisait pas ça, c'est pas juste un pouvoir du perso. Bah si, c'est un pouvoir du perso, c'est son arme, l'espèce de, 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 de truc qui perce là. Euh, on va faire candélabre. Oui, ça, ça marche que pour ce perso. Ça marche pas pour les autres persos. J'ai peut-être pas été clair, mais... Ouh là là, ça y est, j'ai mal. Vite, un poulino. Bon, après, c'est vrai que c'est pas désagréable euh, voilà, de mettre un grand coup comme ça quand tu t'arrêtes. Euh, bon. Pourquoi pas, pourquoi pas. Même si c'est pas dans l'esprit du jeu. It's not in the spirit of the game. Oh, il me manque mon garlic, là. C'était tellement confortable de jouer avec le garlic tout à l'heure. Là, maintenant, je dois réfléchir où je vais, ça me plaît pas du tout. Après, je fais pas du tout attention au coup de mon fouet, je ne suis pas concentré. Euh, ouais, il faut prendre le spinach. Bah ouais, il faut prendre le spinach, mais euh, il faut, pour avoir de la place pour la, la, la wand, la fire wand, faudra que je trouve l'autre partie, partie de l'aile. Il faudra que je trouve l'aile bleue. Et elle ne veut pas arriver, l'aile bleue. Il va falloir que je fasse du baniche de trucs. Après c'est efficace cette connerie là. Oh il m'a lâché un truc rouge, il m'a pas lâché de coffre. Oh le bâtard. Oh le gros bâtard. Un petit poulino, merci. il okay. oh, y a une musique pourrie en plus c'est un truc qui fait qui est pas vraiment dans l'esprit en fait qui est plus dans l'esprit un peu film d'horreur plutôt que l'esprit Cheap Tunes qui avait, le... qui avait le jeu au début hmm. Alors là, ça va être dur parce que je ne fais pas assez de dégâts et j'ai aucun truc de protection. Oh ça, si, si c'est bien. Non, si c'est bien. Quand il y a un gros mur d'ennemi. Voilà, quand il y a un gros mur d'ennemis et qu'on déclenche le pouvoir, alors juste en s'arrêtant, hein, c'est assez cool. Par contre, c'est cheaté. Hein. Enfin, c'est trop puissant. Allez, ah, King Bible. Putain, mais je le level que dalle, là, dans, ce, dans cette partie. Euh, je voulais le Fiara, machin. Il oh, y a du monde, quand même. Je pense pas que j'ai bien joué, là. Euh, non, faut pas, alors, faut pas que je prenne de nouvelles armes. Enfin, absolument pas que je prenne de nouvelles armes. On va prendre le Spellbound pour on va prendre Spellbinder. King Bible, c'est très bien. Le dupli, je le prends toujours. Euh, on va augmenter la King Bible. J'ai le Spellbinder. Bim. Ok, c'est pas mal. Euh, non, il ne faut pas la Fire Firewand maintenant. Il me faudra la Fire Firewand plus tard. Euh, l'axe, c'est quoi l'axe C'est le candélabe je l'ai, ok d'accord. King Bible, ça me va. King Bible, ça me va aussi. Mais il me faut toujours l'autre moitié de l'arme là. Euh, on va prendre le spinache. On va prendre le dupli. Euh, là, on va gratter un truc. Je ne sais pas vous, mais depuis des semaines, on me donne le choix du colt de l'autre couleur que quand le premier est à 8. Pourquoi vous parlez de colt? C'est des ailes. Non? Attendez, je vais regarder. Ah non, c'est un colt! Ah ouais, ça c'est un colt. Je croyais que c'était des ailes d'ange. Ah ouais, mais en fait, c'est deux colts l'un sur l'autre. Je croyais que c'était des, des, des ailes d'ange. Ah, j'ai appris quelque chose. Comme d'habitude, le chat m'a appris quelque chose ce soir. C'est pas des ailes. Ce sont des colts. Eh bien merci à vous. Allez. Euh, Spellbinder. Il me manque un power-up. Avant de pouvoir prendre les tomes qui sont là. Et ensuite, je vais prendre le machin bin. Là. Ah ouais, qui me permet de sélectionner la musique. Tu pars que j'en ai quelque chose à foutre. Ça aussi, ça sent les power-up euh, power pas trop inspirés. Euh, ouais, tu vas prendre l'overd. Je suis à combien 54, 11 minutes. Ok. Oh, c'est quoi Il y a un truc nouveau alors j'ai ramassé un truc qui s'appelle Gold Fever et apparemment ça me je sais pas ce quoi je sais pas ce qui va se passer mais ça va m'attirer de la de la gold de partout. Oh là, 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 là Alors je sais pas ce qu'il faut faire pour augmenter le truc. Je suppose qu'il n'y a rien à faire. Je suis pas sûr. Je crois que tous les ennemis donnent de tous les ennemis donnent de, des pièces d'or en fait. Oh c'est trop bien. Mais ça ne s'arrête pas. Candela. Euh, bon, j'ai le grade du fouet. Ah si, s'est s'arrêter. Bon, j'ai gagné plein d'argent, je suis content. Euh, Qu'est-ce que je peux grader là encore Je peux grader la Bible et c'est tout. Et ce sera déjà pas mal. Ça va simplifier les choses. Non, ça va être arcade à tous les coups là. Ouais, c'est arcade. Alors j'ai fouet, j'ai ça, ça je l'ai pas. Donc on s'en fout, ça, ça j'aime pas. Oh j'ai que des trucs que j'aime pas. Ça c'est pas du tout intéressant pour moi. Trop marrant, mais il faut revoir l'intérêt des pièces et augmenter le prix des trucs à débloquer. Bah ouais, parce qu'on arrive quand même tout à débloquer facilement. Euh, Qu'est-ce que je vais me prendre là Oh allez je vais me prendre le speed. Tout à l'heure je ne l'ai pas pris parce que j'étais un lâche. Je vais... Non cela dit j'aurais pas les brasseurs. Alors il faut que je me prenne les brasseurs après. Non je vais me prendre un truc plus simple. Je vais me prendre un truc... Euh, bah, cela, là je l'aurais même pas... En fait j'ai rien à me prendre. Pff, la duration non plus. Oh, attends je vais me prendre un truc neutre. Voilà, je vais me prendre ça. Ça me fera ni bonus ni malus. Mais ça vaut mieux que de risquer une fin de, une fin de partie prématurée. Alors je peux toujours pas prendre la firewand. Je vais prendre la spinache. Ah c'est là dit je voulais prendre la firewand après. J'aurais peut-être dû prendre le truc de Firewand. Le Holo Heart. Le Spinache. Et j'ai toujours pas le, les fusibles. Maintenant, je vais les appeler les fusibles. Maintenant, je sais que c'est les fusils J'ai toujours pas les fusibles. Euh, Peut-être que je vais... Bon, je vais d'abord tout maxer. Et puis ensuite, je vais faire du banish et du skip. Ou du reroll. On va banish la magic wand. Quoique non, la magic wand, c'est l'anti-tome. Potentiellement, ça peut me servir. Non, mais je, prends, je prendrai la fire wand. Euh, ouais. Je banish la magic wand en espérant qu'il me propose les fusibles la prochaine fois. Sinon, ça va commencer à être euh, tendu. Un petit coffre par là. Hop. Les bible. Allez, on prend. Les J'y fais même pas attention aux espèces de trucs qui percent là, qui sortent du sol. C'est vraiment une arme. Pas... Ah Et oui, mais il me faut le Tira aussi. Ah oui, il me faut le Tira. Putain, j'ai oublié d'avoir le tiramisu. Et oui, il me faut le tiramisu pour pour faire l'union des deux là. Qu'est-ce que c'est compl... Qu'est-ce que c'est stratégique quand je pense à tous ces joueurs d'échecs qui disent non mais chez nous, faut apprendre toutes les ouvertures par cœur et tout. Nous, faut qu'on apprenne toutes les combinaisons d'armes par cœur, nous les programmers de Vampire Survivor. Extrêmement compliqué. Faut compter 4, 5, parfois 7, 8 ans. Avant de toutes les mépriser. Euh, allez. Alors, les. Ah Coffre, qu'est-ce que j'ai augmenté? J'ai plus rien à augmenter de toute façon, donc les coffres, je m'en que... Je vais le prendre quand même, bien sûr. Merci, Trix, pour le sub. Un pouce sous, euh, frérot, frérot, merci pour ton soutien. Ouais, ouais, j'ai des rerolls aussi, j'ai plein de trucs. Euh... Le tirat. Allez. Quasiment à... à 20 minutes, je serai full, full évoluer, toutes les armes. Je suis trop puissant. Je suis trop... Ou alors le jeu est un peu trop facile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je pense que c'est parce que je suis trop puissant. Mais euh, après, vous aurez votre interprétation. Ouais, je trouve la musique vraiment pas terrible. Un peu déçu. Euh, faut aussi... Maintenant, je peux aller chercher les antitomes. Oui, on va aller chercher les antitomes. Est-ce que j'ai pas laissé de. Non, je pensais que j'avais laissé un comme derrière moi, mais c'est bon. Bon, après, Librarie, c'est vraiment le niveau le plus facile. Hein. coffre. Euh, il va me l'upgrade du... Non, 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 parce que je ne suis pas niveau 8. Je suis con. Allez, niveau 8, le prochain coffre. Je gagne encore du DPS. Ouf, heureusement, parce que j'en chiais. Oh là là le lance-flamme qui va me permettre de progresser plus vite. Je vais appeler le développeur, je vais lui demander un mode PGM. Un truc un peu plus sérieux. Comme je suis quand même un euh, big deal on Twitch, euh, il me, je pense qu'il qu accédera à ma demande sans trop de problèmes. Il va voir que je pèse dans le jeu Guesser Game, tout ça. Ça compte. Hein. Ça compte pour les développeurs. Ils regardent, ils vérifient. Hein. Ils se disent attends c'est qui lui qui me parle Hagbu influenceur, euh... je pense que si je veux, il pourrait reprogrammer quasiment la moitié de son jeu pour moi. Voilà, c'est déjà arrivé. Hein je peux pas vous le dire parce que c'est des secrets de l'industrie, mais euh... des fois j'ai acheté, des... j'ai appelé des gros studios et puis je leur ai dit, euh... Votre jeu, là, c'est de la merde, vous me reprogrammez tout. Alors au début ils disaient, oh, mais qui c'est ce con et tout, ils cherchaient un peu, ils ont Google Hagbu et puis ils disaient. Non, il faut, faire, il faut faire ce que cet homme nous nous ordonne allez on a le gré de bah des revolvers je reviens pas que ce soit des revolvers ça fait un mois que je vois des petites ailes d'ange et là maintenant je vois des je vois des revolvers ok la vie est pleine de surprises hein. Je pensais certainement pas me coucher ce soir en me disant eh ben finalement, ce n'est pas des ailes d'ange, c'est des revolvers. Alors, j'ai de la place pour une arme supplémentaire. Que va-t-on prendre On peut prendre le Lighting ring. Euh, on peut prendre la fire wand. Euh, mais je vais prendre le Lighting ring. Non, ça faisait du bruit. Non je, prends la... non, je vais prendre le fire wand. Je vais prendre le fire wand plutôt. Euh, donc on va faire un petit reroll. Euh... Pourquoi est-ce que je voulais Oui, c'est pour le spinach. Euh, là il y a rien qui m'intéresse. Reroll, rien qui m'intéresse. Je l'ai pas banni le, je l'ai pas banni ce truc. J'ai pas banni la firewand. Reroll, firewand, c'est bon. On prend ça, hop, firewand, fire. Wand, fire... Upgrade niveau 8 directement. c'est ça ça, ça, ça vous arrive jamais, mais moi, le programmeur, ça m'arrive. C'est-à-dire que le jeu, il détecte un peu, il voit un peu comme je joue, et il se dit, non, mais lui, c'est pas la peine, on lui met directement une arme de niveau 8, euh, il n'aura même pas besoin de patienter. Et maintenant, il faut que j'aille chercher le tome. Alors, où est-il le tome On va d'abord aller ramasser les petits bonbons. ça m'a choqué le truc de l'or tout à l'heure là je m'y attendais tellement pas on s'attend pas à avoir des surprises comme ça euh, non annoncées allez vas-y euh, il est où le coffre ah bah elle m'a pas donné de coffre la chauve-souris ok c'est pas grave euh, il doit être dans le coin, il est là-haut. Allez! Encore un de rondement mené. Bon, voilà, ça va être une boucherie jusqu'à la fin. Hein. Quoi qu'il me semble que la dernière fois, avec les 5 niveaux de curse, j'avais dû fuir un peu. Non, c'était pas là. Non, c'était sur Derrick que j'avais dû fuir. Il y a les colosses, les espèces de, de golems là qui arrivent en fin, de, en fin de partie et là en fait la seule pour moi la seule stratégie viable c'est de fuir, de prendre les ailes et de me déplacer le plus vite possible en salomant entre tous les golems qui arrivent. Sinon je réussis jamais à trouver le, le j'ai jamais les dps suffisants euh, pour euh, pour rester dans une poche. Et alors là j'ai une technique mais je ne sais pas si c'est la bonne. Je prends le premier tome et ensuite j'upgrade le tome jusqu'à 5. Et ensuite je prends le dernier tome. Comme ça, normalement, ici, ça me donne un cooldown de 10% supérieur au niveau max. Et je pense que c'est le truc opti. Je ne suis pas certain, mais voilà. Comme ça, ça permet... c'est le seul truc qui permet d'avoir une sorte de niveau 6 sur le power-up. Ah, attendez, on va, on va vérifier. Donc là j'ai l'antitome niveau 5. J'ai l'antitome niveau 5, je suis à moins 45 de cooldown. Ah oui non il disparaît maintenant. Oui c'est vrai. Il y avait une update où il ne disparaissait pas. Et depuis quelques updates il disparaissent. Quand on atteint le niveau 5 il disparaissent, Mais sinon ça donnait moins 10% supplémentaire de cooldown ou moins 5% ou un truc comme ça. Mais là maintenant il disparaît et je me suis fait avoir les 2-3 dernières parties. Ouais parce que j'essaie de jouer, euh, bon, j'essaie de jouer au petit quoi évidemment. C'est à ça que ça joue les différentes pro gamers et vous c'est vraiment c'est des, des fractions de pourcentage. Hein. Euh, Est-ce que j'ai intérêt à aller par là? Oui j'ai intérêt à aller par là parce qu'il y a l'espèce. Alors moi je ne sais pas ce que vous voyez moi je vois euh, une noix. Alors vous allez me dire non c'est pas une noix euh, c'est un truc mais moi c'est une noix pour moi. Hein. Une patate. Une saucisse, j'ai aucune idée de ce que c'est. Une nouille cuite dans le soja. Moi j'ai l'impression que le développeur il est parti. Hein. Il est... Je voyais une main qui tient un ballon de foot US. Ah oh, ouais Ah ouais y a que ça saute. Une grosse saucisse avec un peu de purée. <laughs> J'ai ouais. vu des films qui s'appelaient comme ça. Une patate douce au curry revenue avec des oignons. Ouais. Ah, vous voyez un ballon de foot avec la main par-dessus le de ballon de foot, là Ah ouais, d'accord. Moi, je vois, je sais pas, une, une, je, sais, je vois une noix de cajou. Est-ce qu'il y a des joueurs de Rocket League sur les horaires du Québec dans le, dans le Discord de Canard PC Nous demande Moquette qui est dans son truc. Et hein, dans son petit univers, Moquette, il arrive, il arrive du Québec. Bonjour à toi, Moquette. Euh, eh bien, écoute, je ne suis pas certain, mais tu peux toujours demander dans le truc euh, multijoueur, mais je ne suis pas certain. Je pense que si tu veux des joueurs, tu ferais mieux d'aller dans, dans un Discord spécialisé, euh, spécialisé euh, Rocket League. Plus je sais qu'on est des joueurs des Rocket League, mais on n'en a pas énormément, on doit avoir, je sais pas, dans la comique Canard PC, des joueurs sérieux et tout, genre les grands champions et tout, on doit en avoir que, je sais pas, une, une dizaine et encore, euh, j'en connais deux, trois, non, trois, quatre, quatre, cinq peut-être de Canard PC, mais, euh... mais sinon viens sur le Discord de, de Canard PC et tu seras quand même le bienvenu, et tu découvriras plein de jeux mieux que Rocket League hein. Parce que quelle douleur quand même, Rocket League. Faut que je me méfie là quand même. Euh, Rocket League, moi je vais physiquement le désinstaller. Hein. Je, sinon, euh, je, je crois même que plusieurs fois je l'ai caché dans ma bibliothèque Steam. Parce que sinon, euh, j'y je, je, jouais. Et puis, et puis comme je joue comme une merde, à chaque fois j'ai été de mauvaise humeur. Ok, on a l'Evolve Firewand. Enfin, c'est pas que j'y joue comme une merde, mais c'est que. Je voudrais, bien être, je voudrais bien être grand champion, et j'y arrive pas. Ça veut pas. Il y a un truc qui ne clique pas dans ma tête. Enfin, c'est pas qu'il y a un truc, c'est qu'il y a l'ensemble du jeu qui ne clique pas dans ma tête. C'est-à-dire que je suis mauvais à la fois en positionnement, en tir, tout ce qui est euh, mecha, je, je, je suis mauvais. Euh, tout ce qui est read sur le wall et tout, je suis mauvais. Je suis mauvais partout dans le jeu en fait. Alors, où est-ce qu'il est, -ce qu est le, le, soja, le soja au football américain là il est pas loin, on s'en approche, on va voir ce que ça fait. Elle est stupide l'arme, l'arme avec les... les trucs qui creusent là. J'ai jamais eu un aussi gros bonus d'AOE, c'est quoi le délire C'est le talent et le travail euh... folle de lol. Le talent et le travail. Moi, ça fait 5 ans que j'y joue à Vampire Survivors. Enfin 5 ans. 7 ans même que j'y joue. Euh... J'ai été 4 fois champion du monde de Vampire Survivors. Donc en fait, j'ai des bonus euh... qui sont pas accessibles au communs des mortels. Plus sérieusement, je ne sais pas pourquoi le bon bonus d'AOE, c'est quoi euh... Euh, 161%. C'est peut-être le perso, parce que là, c'est le perso de la dernière update. Je ne sais pas s'il a des, des, des bonus d'AREA, ce perso, j'en ai aucune idée. Il s'appelle ContSela. Mais euh, alors, Magic Banger, permanently allow you to change music in stage selection. Ah ouais, c'est même pas pendant le jeu en plus, c'est pendant la stage selection. Pourquoi est-ce que je suis lent là Qu'est-ce qui se passe Je ralentis. Peut-être que c'est le jeu qui ralentit parce que ça rame, je sais pas. Le stream a pas l'air d'en chier. Ouais, ça doit être le perso euh, folle de l'eau. -le. J'avoue, j'ai même pas fait attention au bonus euh, en, en le sélectionnant, mais euh... après, c'est vrai que du coup, avec l'AOE du Olive Spers, là, c'est vrai que ça porte à loin. Mais en fait, si tu, avec ce perso, du coup, si tu prends le garlic et que tu maximises ton AOE, tu dois avoir l'intégralité de l'écran qui est noire. Puisque as le sauliteur qui va prendre les deux tiers de l'écran. Ah oh, et puis le. Là oui, j'avais pas vu le whip. Le whip, il fait carrément tout l'écran. Ouais, c'est vrai, c'est fou, hein. J'avais pas du tout fait attention. Ah, c'est les sorcières qui gardaient la patate qui me ralentissent. Du, du coup, c'est un peu trop pour la Bible, je trouve, Disney. Bah ben oui, parce qu'au bout d'un moment, la Bible, elle disparaît de l'écran, donc elle est même, je pense qu'elle est même plus active. Non, mais le développeur, il est, il est, il est, il est parti, là. Il est parti. Oui, il doit, il doit claquer ses millions à Ibiza. Il doit faire ses updates. Euh en étant complètement pété, en revenant du nafter à midi. Il va finir comme Notch. Hein. On a vu comment Notch il a fini. Hein. C'est pas beau à voir. Hein. Il a acheté la maison à Beyoncé, et puis après, il n'a plus jamais rien programmé. Hein. Et je pense qu'il ne programmera plus jamais rien de sa vie. Et qu'est-ce qu'il fera quand il aura plus d'argent Hein Quand il aura dépensé ses 2 milliards Parce que ça part vite. Hein on s'en rend pas compte, mais avec l'augmentation du prix du carburant, euh, l'inflation, euh, le, le prix du mètre carré à Stockholm, euh, ben on se retrouve vite avec. Euh, on se retrouve vite à sec, hein, même avec 2 milliards. Hein 2 milliards, vous voyagez un peu. Euh, vous avez une voiture qui consomme, euh, en deux mois ça part. Hein. Prix des cartes graphiques, bah oui, 2 milliards. Tu, tu, tu veux une 3080 en SLI, euh, t'as croqué la moitié de ta fortune. Hein. Alors les arcanes. Euh, J'ai pas le brasseur toujours. Oh, on va prendre ça, ouais, on va prendre ça. On va prendre ça, ça me file un bonus pour les haches. Et puis c'est à peu près tout. Et ça, ça me file quoi Healing is double Non, on va jouer la sécurité, on va prendre le healing. Voilà. Je suis à combien Encore 8 minutes à peu près. Je suis niveau 113. J'ai cassé le jeu. I, I, bro I broke the game. je peux jouer comme ça hein. regardez ah zut attends ah non c'est bon en fait c'était mon arme mais j'ai cru que c'était un méchant un méchant à coffre qui me sautait dessus Pff, éventuellement je peux aller chercher le masque pour me faire un peu d'or en plus ouais je vais je vais rusher le masque Ouais, ce que je vais faire. J'ai arraché le masque. Défi, pas bouger pendant 30 secondes. Oh, bah, il n'y a, a pas de souci. Hein. Sauf s'il y a un. Ah merde, j'ai un coffre. Attendez, j'ai oublié un coffre. Où es-tu, petit coffre Je ne te vois pas, petit coffre. Là, il y a un coffre à l'écran et je ne le vois pas. Ah, il était là-haut. Suis-je bête c'est un peu mon souci avec le, avec le jeu. Vers 20 minutes, généralement, il n'y a plus besoin de bouger, c'est terminé. Voilà. Il faut qu'il augmente encore la difficulté. Peut-être que sur Bonso, là, le tout dernier niveau, ça, ça reste quand même un peu chaud si tu as tous les niveaux de curse. Mais. Euh, je ne suis même pas sûr. La prochaine fois, Agbu, vraiment, essaye environ les bonus pour t'amuser. Ouais, moi je m'amuse. Hein. Euh, moi, ce jeu, j'y joue pour ramasser les orbes, en fait, les, enfin les, les, les petits bonbons. C'est en fait, j'y joue, c'est un candy crush. J'aime bien, en fait, pour moi, c'est un simulateur de ménage. Tu vois là, par exemple, l'écran, il est tout crade. C'est pour ça que j'aime bien les orbes L'écran, il est tout crade. Il y a plein de trucs par terre. Et eh ben moi, je nettoie. Voilà, je passe mon petit balai et tout est propre. C'est ça que j'aime en fait dans ce jeu. C'est ça qui me détend. Chacun l'interprète comme il veut. Exactement, euh, Rabbitman. C'est un peu ça, simulateur d'éclatage de papier-bulle. Parce que j'aime bien le gling-gling-gling-gling des orbes. Quand ça fait gling-gling-gling, je ne sais pas, quelque part, ça me rassure. Je me dis, bon, il est minuit 52, euh, un dimanche soir, je suis sur Twitch. Probablement que ça a dérapé dans mon existence un jour, mais je ramasse plein de petits bling-bling. Regarde, t'as vu, là, il y a une petite pluie de bling-bling-bling. En fait, c'est un, un jeu mobile. Bah oui, c'est un jeu mobile. De toute façon, c'est inspiré d'un jeu mobile. Hein. Voilà, je vois le, le, la petite chute du Niagara, des, des petites orbes, là, et puis j'ai mes 25, 25 pixels d'or supplémentaires. Et puis voilà. Ah, mais très honnêtement, le mec qui sort un DLC avec trois personnages supplémentaires pour 9,90€, je vais l'acheter. C'est ça qui est triste. Tu es content de l'annonce d'House Sleeper de euh, ouais faut voir ce que ça donne. Il y a surtout moi, un jeu qui me, qui me fait de l'œil là. Euh, alors il sort pas tout de suite. Il s'appelle Dream House the Game. C'est un jeu de construction, architecture, construction de jolies maisons. Euh, là pour le coup architecture complète avec l'Unreal Engine 5. Vous pouvez chercher sur euh, sur Steam euh, Dream House the Game, Dream House tout attaché, la maison des rêves. Et... Euh, celui-là, j'avoue qu'il me fait plus rêver qu'un nouveau House Flipper qui est sympa, mais euh, bon, voilà. Si le second House Flipper est beaucoup plus beau, si, y a, si, voilà, si graphiquement c'est beaucoup plus beau, que les, les baraques sont plus belles avec des beaux effets de lumière, plein de meubles différents et tout, pourquoi pas euh, Mais sinon, si c'est juste le premier House Flipper légèrement amélioré, j'ai peur que je me dise que non. Ça exploite toutes les mécaniques des machines à sous. C'est pas étonnant, le dev a bossé sur des machines à sous. Ah, je le savais pas, Shino457. C'est un ancien développeur de machines à sous. Ah, C'est intéressant, ça, je savais pas du tout. J'aurais bien voulu avoir l'info euh, quand j'ai écrit le, le papier sur le jeu. Hein T'étais où, Shino457, quand j'ai créé le papier sur le jeu Tu m'as envoyé un petit SMS C'était pas compliqué Mais non, t'as préféré garder l'info pour toi. Pas de solidarité ça aurait fait un petit plus. Je vais essayer de trouver une source. Ah bah oui, je veux bien, parce que c'est intéressant. Je la ressortirai lors du test, quand je sortirai dans 5 ans. Oh là là, attention, j'ai une gold fever. Gold fever. Là, je fonce tout droit, je ne sais pas quoi faire, donc je vais, je vais niquer le maximum d'ennemis, on verra bien. Effectivement, là c'est Vegas. Hein. Non mais c'est tellement machine à sous. Maintenant que tu me le dis je suis le 456, c'est évident. Là tu vois ce qu'il y a à l'écran, là tu te dis, ouais d'accord. Oh je me coiffe. je me coiffe. Allez. Oh, c'est dommage que pas le... que j'ai pas le masque. Je me serais fait 10% de plus. Je vais où j'en suis par rapport au masque. Non, je suis trop loin encore par rapport au masque. Oh là oui, 2005. Allez, allez. Et là c'est marrant, il met dollars alors qu'avant dans le jeu il mettait pas dollars, il mettait juste pièces d'or, il me semble. Il n'y avait pas le sigle dollar dans le jeu. C'est la première fois que je le vois, je crois. Oh. Je regarde sur le stream, c'est joli, hein. Je trouve qu'il, comme il, il y avait des gens tout à l'heure qui disaient oh je comprends pas comment on peut jouer un jeu aussi moche et tout, mais ils ne comprennent pas. 5000 dollars. Je vais péter tout corps de thunes. Ça ne s'arrête plus, hein. Allez, 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 la jauge de Girl Fever. Allez, faut pas qu'elle descende, faut pas qu'elle redescende, vite, vite, il me faut un petit coffre. Euh, vite, 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 vite. Ah, mille... 6432. Oh, comment je vais péter tous mes records financiers Ah, je vais terminer le jeu à plus de 20 000 en fait. Ce qui m'était jamais arrivé. J'ai pris les revives et tout, donc je vais me coinfrer à la fin. Euh, où est-ce qu'il est, qu il, est il est pas loin en plus je vais prendre le, je vais encore 4 minutes avec le, le coffre de... enfin le, le, le masque pour euh, gagner plus de thunes où est-ce qu'il est ce, qu ce con de masque euh, il va être par là, je vois même plus les flèches ah si la flèche est là, qui il doit être par là voilà, okay. ah, j'aime bien, j'avoue j'aime bien j'aime bien les petites, euh, les petites pièces d'or j'aime bien les petites piécettes, ça a son charme Elle est en petit coffre. Oh là 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 là. Par contre, là, j'ai rien. Ouais, non, mais je risque rien. Je risque rien. Je disais, j'ai rien pour me faire des poches ou des trucs comme ça, des poches de protection, des trucs comme ça, mais hop. Je risque tellement rien. Ouais, non, je l'enroule dessus, il n'y a pas de souci. Ah Je vais attendre qu'elle m'approche. Attends, je vais d'abord faire le coffre là-bas. Par contre, tes attaques très noires de base, il ne s'est pas foulé, le dev sur ce coup dit trichromatique bite ». Oui, oui, c'est le son, c'est... Ouais. il ne s'est pas dit, je vais faire un bel effet graphique bien travaillé. Là, c'est des traits noirs. Allez, hop là, voilà, très noir. Ça fera le job. Alors, il ne faut pas que je perde de vue la petite croix, là, parce que je vais l'utiliser dans la dernière minute, quand même, pour me goinfrer en pièce rouge. J'aime bien faire ça juste avant la mort. On va faire un petit tour par la bibliothèque. Hop, on va redescendre. Voilà. Niveau 147. Je vais finir à niveau 150 large, c'est trop bien. Où est la petite croix Elle est là, elle n'a pas bougé. Niveau 148, les petits bonbons rouges arrivent. Allez La taille des boules de feu, elles n'ont jamais été aussi grosses. Mes boules n'ont jamais été aussi grosses, je peux le dire. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive ce soir, mes boules sont énormes. On dépasse les 15 000 avant même les bonus de fin. Et on a une minute 30 à résister et ça devrait être tranquille. Euh, ok elle est là. Je vais rester dans le coin pour la dernière minute. Ah ce qui serait bien c'est une petite attractorbe là. Ah ça me ferait tellement plaisir. Je vais aller en chercher une là-bas. Ouh il faut que je fasse attention là. Elle est où la petite croix, je ne l'ai pas vue Allez là c'est bon. 152, je crois que j'ai battu mon corps de niveau. Ouh. on me touche. Dans le jeu. Ah il y a une attractor ici. Ah oh, oui Ah oh, oui Je bouge pas. Je bouge pas, je les laisse venir. Et quand c'est bien rempli, je me chope toutes les attractores. À 29.30, pas avant. 29,40. Ah, il commence à il commence à pouvoir s'approcher de moi là. Ça me plaît pas trop. Pff, mais, mais les haches elles font, elles font la moitié de l'écran. Allez, on fait ça. Ah oh, ouais, ouais, oui. Ah oh, oui, tout le rouge. Ah oh, tous les bonbons rouges. Bon, en fait, c'est des machines à sous, hein. Sauf qu'on gagne même pas des vrais sous. Oh oui, 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 oui. 172. Ah, si j'aurais bien voulu faire un niveau 200. Où est la petite. Oh merde, là j'ai du mal à pousser. 49, j'ai un clover là et j'ai le truc qui est là. À 55, je l'utilise. Dans 55, 6. Hop, au revoir messieurs, dames. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Hop, 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 hop. On a tous les revives, on se goinfre. Ah j'ai plus trop de rouge là, faut que je parte dans l'autre sens. Ah j'aurais bien dépasser les 20 000, mais ça va pas un peu dur quand même. Ah il n'y a pas de grosse grappe de bonbons rouges là. Alors, on va pas me faire énormément d'argent en fin de partie. 20 000 de gold. Ah bah c'est bien. J'ai trois achievements lock. Euh, ok, très bien. Je ne lock l'arme, tout ça. Et j'ai enfin les 80 entrailles dans la collection. 22,8 de damage pour le Hellfire. Ça aussi c'est mon record. Avant j'étais à 21, quelque chose. 31 de DPS. 31,7 000 de DPS. Je crois que mon record précédent c'était 000, un truc comme ça avec les avec les Colts. Bon. Bah, j'aurais pas perdu mon temps enfin. Si, bien sûr. Mais il euh, n'y a rien à racheter encore là. Si, non. Bah, ah, Banish il y a un Banish supplémentaire, je ne l'avais même pas vu. Ah mais il a 2720. Mettez-le à 200 000, qui est du challenge. Et... Il manque deux trucs dans ma collection, trois trucs dans la collection. Bon, bah je ferai ça pour un prochain stream. J'aime bien me terminer là-dessus. Merci ExoVie pour le prime. Un pouce ou frérot frérot Exovi, merci pour ton soutien pour tes 25 mois. Euh, par contre, tu nous dis coucou comme bonjour, bah t'arrives à la fin en fait. Parce que là, il est 1h du matin, je stream depuis 4h, et papy, il va aller euh, se coucher. Agbou, je t'ai envoyé un article sur Discord. Sur Merci Chino 457, c'est très gentil, je lirai ça. Euh, messieurs, dames, c'était un plaisir de partager ce dimanche soir avec vous. Je vous souhaite une très bonne, euh, une très bonne nuit, oui on peut dire c'est la nuit. Euh, J'essaye de faire un tribunal des bureaux euh, fin de semaine prochaine. Et puis, euh, et puis euh, voilà, oui à Baching, désolé, que j'ai que 4h02. J'irai pas jusqu'à 5h. Je vous fais de gros bisous, je vous fais une bonne nuit, ciao tout le monde, prenez bien soin de vous.